Vous écoutez le cours audio de la série English Tree Anglais facile. Progresser en anglais en 14 étapes. D'Elizabeth Kane. Lue par Jérôme Carrette. Bonne écoute. Introduction. Soigneusement conçu pour des débutants francophones, Anglais facile. Progresser en anglais en 14 étapes. Série English Tree a pour objectif de vous aider à vous exprimer en anglais à travers un format portable d'auto-apprentissage. Suivez la vie d'Harry et Pierre, qui déménagent à New York pour leurs études. Chaque leçon est thématique et progressive. Elle débute par un dialogue contextualisé, suivi d'une liste de vocabulaire et, finalement, de points grammaticaux. Ils sont également incluses des précisions d'ordre culturel pour favoriser l'immersion totale dans l'univers anglophone. Des activités variées à l'issue de chaque chapitre complètent cette méthode interactive. Unit 1. Hi, my name is Harry. Salut, je m'appelle Harry. Cher auditeur, bienvenue welcome à la première unité de ce livre audio qui vous aidera à apprendre l'anglais. Dans cette unité, vous allez apprendre comment saluer les gens et vous présenter dans des situations formelles et informelles. Vous vous familiariserez également avec les noms de pays, les nationalités et les nombres de 1 à 10. Vous êtes prêt à faire un premier pas vers la maîtrise de l'anglais Alors, êtes-vous prêt pour la leçon Allons-y Part 1 Harry meets his roommate. Harry rencontre son colocataire. Rencontrons le personnage principal de notre livre. Il sera votre compagnon dans votre nouvelle aventure. Harry est un nouvel étudiant en économie à la prestigieuse université de New York. Il vient de déménager à New York depuis San Francisco en Californie. C'est sa première nuit dans le dortoir de la fac. Il rencontre son nouveau colocataire. Nous allons maintenant écouter un dialogue entre Harry et son nouveau colocataire. Pensez-vous pouvoir repérer le nom de son colocataire Hi, I'm Harry Smith. What's your name? Hi Harry. My name's Pierre. Nice to meet you, Pierre. You too. Écoutons ce dialogue encore une fois. Hi, I'm Harry Smith. What's your name? Hi, Harry. My name's Pierre. Nice to meet you, Pierre. You too. Alors, comment s'appelle le nouveau colocataire d'Harry Tout à fait, il s'appelle Pierre. Regardons maintenant les expressions que nous avons entendues dans le dialogue. Pour saluer, on utilise l'expression Hi. Pour demander le nom de quelqu'un, on dit What's your name? Se présenter. On dit I'm ou My name is. Dire enchanté, on utilise l'expression Nice to meet you. Répondre, on dit You too. Faisons un premier exercice. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Hi. Hi. I'm. I'm. My name is. My name is. Nice to meet you. Nice to meet you. You too. You too. À vous maintenant. Présentez-vous en anglais en utilisant les expressions que vous avez apprises. Exemple de réponse. Hi, I'm Pierre. Ou Hi, my name's Pierre. allez -y. Bien joué! Cette fois-ci, essayez de compléter le dialogue en répondant aux questions. Hi, what's your name? À vous de répondre. Exemple de réponse: My name is Pierre. Nice to meet you. À vous. Réponse possible: You too. Bravo, vous faites de l'excellent travail. Grammar point. Les contractions. Maintenant, juste quelques mots au sujet des contractions. En anglais, les phrases I am, I'm et My name is, My names sont contractées à l'oral. I'm est la forme contractée de I am, tandis que My names est la forme contractée de My name is. Notez cependant qu'en anglais formal et écrit, les phrases non contractées sont privilégiées. Cultural Point. Se saluer aux États-Unis. En France, il est courant de faire la bise lorsqu'on salue quelqu'un, mais aux États-Unis, cela ne se fait pas. Dans le contexte d'une première rencontre ou d'une rencontre professionnelle, on peut serrer la main de l'autre personne. Mais attention, dans des situations décontractées, une poignée de main peut ne pas être appropriée. Par exemple, lorsqu'on est introduit à un ami commun dans un café ou un bar, une poignée de main n'est pas attendue. On peut par exemple dire simplement ⁇ Nice to meet you ⁇ et ce, avec un sourire. Entre amis et en famille, il est coutume de se prendre dans les bras. Ne soyez donc pas surpris si un ami vous fait un léger câlin. Alors, vous avez appris comment saluer quelqu'un, ainsi que les gestes qui l'accompagnent. Mais n'oubliez pas que vous pouvez également utiliser des salutations temporelles. Avant midi, on dit ⁇ Good morning ⁇ Après midi, on dit ⁇ Good afternoon ⁇ après 18 heures, on dit Good evening. Ces expressions sont plutôt formelles. Il est plus commun d'utiliser Hi et Hello pour saluer un ami. À l'entraînement maintenant. Écoutez et répétez les expressions suivantes Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Prononcer les mots en anglais n'est pas évident au début, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Passons à un autre exercice. Quelle salutation temporelle pourriez-vous utiliser pour saluer dans les cas suivants? Je vais vous donner une pause pour dire votre réponse et puis je vais vous dire la réponse correcte. Tout est clair? Parfait, c'est parti. Il est 11 heures. Good morning. Il est 19 heures. Good evening. Il est 8 heures. Good morning. Il est midi 30. Good afternoon. Tout va bien jusqu'ici N'hésitez pas à revenir sur les parties d'avant si vous en avez besoin. Continuons à écouter le dialogue entre Harry et Pierre. D'où vient Harry D'où vient Pierre? Are you from the U.S., Harry? Yes, I'm from San Francisco. And you? Where are you from? I'm from France, but I have lived here for ten years. Oui, Harry vient de San Francisco, aux États-Unis. Pierre vient de France. Maintenant, apprenons les expressions que nous avons entendues. Tu viens des États-Unis? Are you from the U.S.? Oui. Yes. Non. "no." "je viens de france." "i'm from france." "tu viens d'où?" "where are you from?" "je vis ici depuis dix ans." "i have lived here for ten years." "vous êtes prêt pour l'exercice? écoutez et répétez les expressions suivantes: "are you from the u.s.? are you from the u.s.? "yes. yes. No. No. I'm from France. I'm from France. Where are you from? Where are you from? I have lived here for 10 years. I have lived here for 10 years. À votre tour, répondez aux questions suivantes en utilisant les expressions que vous avez apprises. Hi, are you from the US? Votre réponse. Réponse possible, yes ou no. Where are you from? Votre réponse. Réponse possible, I'm from France. Bien joué! Nous allons maintenant passer au nombre de 1 à 10. Pour compter de 1 à 10 en anglais, 1, 2, 3, Four, five, six, seven, eight nine ten Répetez chaque numéro un one one deux chaque two, two. trois 1, three, 1, three. quatre four, four. Cinq.

Essayons de compter ensemble. Écoutez et répétez les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette fois-ci, écoutez le numéro en français et dites l'équivalent en anglais. Je vous donne la réponse correcte après vous. 5 5 3 3 9 9 10 10 1 1 Très bon travail, cher auditeur. Vous êtes prêt pour la deuxième partie de cette unité N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Part 2 Harry et Pierre attendent The Welcome Party. Harry et Pierre assistent à une fête de bienvenue. Harry et Pierre assistent à la fête de bienvenue pour les étudiants de première année. Là, ils voient un de leurs professeurs et rencontrent une camarade de classe. Avez-vous hâte de rencontrer un autre personnage dans l'histoire d'Harry Écoutez le dialogue. Comment s'appelle l'ami de Pierre Comment s'appelle leur nouvel professeur d'espagnol Hey May, how are you? Fine, thank you. And you? I'm okay, thanks. This is Harry. My new roommate. Hello, May. Nice to meet you. You too. Where are you from, May? I'm Chinese. I'm from Beijing, China. You? I'm from here, from San Francisco. Look, that's our new professor. Oh, yes. That's Professor Diaz. She teaches Spanish. She's from Spain? Yes. Nous allons écouter le dialogue encore une fois. Hey May, how are you? Fine, thank you. And you? I'm okay, thanks. This is Harry, my new roommate. Hello May, nice to meet you. You too. Where are you from, May? I'm Chinese. I'm from Beijing, China. You? I'm from here. « From San Francisco. »« Look, that's our new professor. »« Oh, yes, that's Professor Diaz. She teaches Spanish. »« She's from Spain? »« Yes. » Et voilà, l'ami de Pierre s'appelle May, et leur nouvelle professeure d'espagnol est la professeure Diaz. Avez-vous reconnu quelques expressions? Pour demander comment quelqu'un va, on dit « How are you? » Dans des situations informelles, on utilise aussi l'expression What's up, qui signifie quoi de neuf. On peut répondre avec Fine, thank you, ou I'm OK, thanks. Pour dire sa nationalité, on utilise I'm, par exemple, I'm Chinese. Pour présenter quelqu'un d'autre, on dit This is, plus le nom de la personne. Par exemple, This is Harry. À l'entraînement. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Hello. Hello. Fine. Fine. I'm okay. I'm okay. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. I'm Chinese. I'm Chinese. This is Harry. This is Harry. À votre tour, complétez le dialogue en répondant aux questions. Hi, how are you? Votre réponse. Il y a plusieurs réponses possibles. Voici quelques exemples de réponses. Fine, thank you. I'm okay, thanks. Where are you from? Votre réponse. Exemple de réponse ⁇ I'm from Beijing, China ⁇ Passons à la partie vocabulaire. Avant d'apprendre les mots liés au pays et nationalité, une petite astuce d'expression. En anglais, on utilise ⁇ hi ⁇ ou ⁇ hello ⁇ pour saluer quelqu'un. Attention, ⁇ hello ⁇ est plus formel que ⁇ hi ⁇ Les pays et nationalités. Apprenons quelques noms de pays et de nationalités. Avez-vous retenu ce que nous avons entendu dans les dialogues? Oui, nous avons entendu les États-Unis, the US, la France, France, la Chine, China, et l'Espagne, Spain. Voici quelques pays avec leur nationalité correspondante. Pour dire les États-Unis, on dit the US ou USA. On appelle les habitants American. Le Royaume-Uni on dit the UK, forme abrégée de United Kingdom. On appelle les habitants British. France, France, French. Italie, Italy, Italian. Allemagne, Germany, German. Chine, China, Chinese. Japon, Japan, Japanese. Vietnam, Vietnam, Vietnamese. Australie, Australia, Australian. Russie, Russia, Russian. Attention, en anglais, les nationalités ne signalent pas le genre d'une personne. Si en français, on utilise français au masculin et française au féminin, en anglais, indépendamment de son genre, on dit French. Trop d'informations? Ne vous inquiétez pas, nous allons mémoriser tout ça ensemble. Commençons par la prononciation. Écoutez et répétez après moi. Rappelez-vous que les erreurs font bel et bien partie de l'apprentissage. The US. The US. The UK. The UK. France. France. Italy. Italy Germany, Germany China, China, Japan, Japan, Vietnam, Vietnam, Australia, Australia, Russia, Russia Écoutez et répétez. Cette fois-ci, faites attention aux syllabes accentuées. American American British British French French Italian Italian German German Chinese Chinese Japanese Japanese Vietnamese Vietnamese Australian Australian Russian Russian Certains pays sont célèbres pour leurs produits ou monuments. Écoutez la description et identifier le pays décrit. Ce pays est connu pour les sushis. Japan. C'est le pays à l'intérieur duquel se trouve le Vatican. Italy. C'est le pays d'origine des marques automobiles Volkswagen et Mercedes-Benz. Germany. C'est le pays où l'on trouve la tour Eiffel. France. Ce pays est connu pour la vodka. Russia. Excellent travail! Si besoin, n'hésitez pas à réécouter le vocabulaire pour renforcer la mémorisation. Passons maintenant à la dernière partie de ce chapitre. Part 3: The Verb to Be. Le verbe être. Nous allons apprendre le verbe être en français ou to be en anglais. Ne vous laissez pas dans la crainte pour cette partie grammaticale. Pour le verbe être, il suffit de mémoriser trois mots ⁇ am, is et are. Le verbe to be est l'équivalent du verbe être en français. Comme en français, on utilise ce verbe pour donner son nom, sa nationalité, sa profession ou décrire ses qualités. Écoutez ce qui suit et notez comment le verbe to be change en fonction du sujet. Je suis, I am. Tu es, vous êtes, you are. Il est, he is. Elle est, she is. Nous sommes, we are. Ils sont, elles sont, they are. Avez-vous remarqué une différence entre l'être en français et to be en anglais En français, on utilise la phrase vous êtes, pour signaler la formalité. Cela n'existe pas en anglais. Dans des situations formelles et informelles, on utilise l'expression you are. Pour résumer, you are veut dire à la fois vous êtes et tu es. Deuxième différence. En français, on utilise ils sont et elles sont selon le genre des personnes. En anglais, la phrase they are est utilisée quel que soit le genre des personnes. Et voici quelques exemples. Je suis Harry. I am Harry. Tu es espagnol. You are Spanish. Vous êtes espagnol. You are Spanish. Il est français. He is French. Elle est la nouvelle professeure. She is the new professor. Nous sommes des étudiants. We are students. Elles sont italiennes. They are Italians. Comme vous l'avez vu auparavant, l'ordre des mots est le même en français et en anglais. On commence par le sujet. Puis le verbe, puis l'attribut. Donc, par exemple, le sujet I est suivi du verbe am, puis de l'attribut French, ce qui donne I am French. Je suis français, française. Ça rend la vie plus facile, n'est-ce pas? Maintenant, à l'entraînement. Complétez les phrases en utilisant la forme appropriée du verbe to be. Par exemple, We students. Votre réponse, We are students. Réponse correcte, We are students. Je vous laisse jouer. Ce n'est pas très compliqué. Allons-y. I, American. Votre réponse. I, American. Réponse correcte. I am American. You, the new professor. Votre tour. You, the new professor. You are the new professor. He from Australia. A vous. He from Australia. He is from Australia. She British. A votre tour. She British. She is British. They German. Je vous laisse parler. They German. They are German. Plus d'exercices pour vous. Les exercices suivants vous permettront de vous entraîner sur les concepts que nous avons discutés ici. Si besoin, n'hésitez pas à retourner aux leçons précédentes pour renforcer votre apprentissage. Complétez le dialogue en répondant aux questions. Je vais vous donner des réponses possibles après vous. Hi, what's your name? My name is Pierre ou I'm Harry. Hello, how are you? Fine, thank you. Ooh, I'm okay, thanks. Where are you from? I'm from France. Ooh, I'm French. This is May. Nice to meet you. Where is she from? She's from Australia. Ooh, she's Australian. Écoutez et trouvez les mots manquants à chaque pause. Par exemple, she Spanish. Votre réponse, she Spanish. Réponse correcte, she is Spanish. Allez, à vous de jouer. He is British. He is from the. Avez-vous deviné Alors dites-moi. He is British. He is from the. He is British. He is from the UK. One, two, three, four. À vous. One, two, three, four. One, two, three, four, five. They, students in this university. Je vous laisse parler. They, students in this university. They are students in this university. My is Harry. Votre tour. My is Harry. My name is Harry. C'était une excellente première leçon. Merci pour votre travail. Dans le chapitre qui suit, on va découvrir plus sur la vie de notre personnage Harry. Ne le manquez pas. Unit 2. Let's meet the Smiths. Rencontrons la famille Smiths. Welcome à la deuxième unité de ce livre audio qui vous aidera à maîtriser l'anglais. Maintenant que vous savez vous présenter en anglais, il est temps d'apprendre à présenter les personnes et les objets autour de vous. Vous allez également découvrir le vocabulaire des objets quotidiens et des appareils électroniques. Avant de commencer, Voulez-vous que je vous dise un secret La recette du succès dans l'apprentissage des langues existe bel et bien. Et le premier ingrédient, c'est l'entraînement dans des situations réelles. Pour apprendre à parler une langue, vous devez l'utiliser. N'ayez pas peur. Dès maintenant, trouvez-vous un partenaire anglophone avec qui vous pouvez pratiquer la langue. Alors, êtes-vous prêt pour la leçon Allons-y. Part 1. Pierre meets the Smiths. Pierre rencontre les Smiths. Harry est super content de rencontrer son colocataire Pierre. Finalement, ils s'entendent super bien. Il l'invite donc chez eux à San Francisco. Là, Pierre rencontre la famille d'Harry, les Smiths. Rencontrons-les. Écoutez le dialogue entre Pierre et la famille d'Harry. Combien de membres y a-t-il dans la famille des Smiths? Pierre These are my parents, my mom, Mary, and my dad, Joe. Hello, my name's Pierre. Nice to meet you, Pierre. You too. This is Harry's older brother, Mike. And that, playing over there, is our youngest daughter, Sarah. I see. Ah, we are just a small family of five. Ecoutons le dialogue encore une fois. Pierre, these are my parents, my mom, Mary, and my dad, Joe. Hello, my name's Pierre. Nice to meet you, Pierre. You too. This is Harry's older brother, Mike, and that, playing over there, is our youngest daughter, Sarah. I see. Ah, uh, we are just a small family of five. En effet, il y a cinq membres dans la famille des Smiths. Harry, les parents d'Harry, Mary et Joe, le frère aîné d'Harry, Mike, et sa petite sœur, Sarah. Avez-vous entendu les expressions que l'on utilise pour présenter quelqu'un ou quelque chose Oui, oui, les mots this, these, that et those. Par exemple, pour dire c'est ma maman, on dit this is my mom. C'est mon papa. This is my dad. Ce sont mes parents. These are my parents. Notez que l'on utilise this pour un nom singulier et these pour le pluriel. Quand on veut présenter quelqu'un ou quelque chose loin de soi, on utilise that et those. Par exemple, that is my mom signifie c'est ma maman là-bas. Those are my parents. Ce sont mes parents là-bas. Et aussi that pour un nom singulier et those pour le pluriel. Tout va bien jusqu'ici? Faisons un petit peu de pratique. Écoutez et répétez les mots suivants: this, this. These, these. That, that. Those, those. Encore une fois, écoutez et répétez après moi. This is my mom. This is my mom. That is my dad. That is my dad. Those are my parents. Those are my parents. These are my friends. These are my friends. Parfait. Passons maintenant au vocabulaire. Les membres de la famille. Family members. Écoutez les deux présentations de la famille par Harry et Mary. Harry. This is my family. These are my parents, Mary and Joe. This is my brother, Mike. And this is my sister, Sarah. Mary. This is my husband, Joe. These are my sons, Harry and Mike. And this is my daughter, Sarah. Avez-vous repéré les nouveaux mots? Répétons-les encore une fois. La famille, family. Les parents, parents. La maman, mom. Le papa, dad. La femme, wife. Le mari, husband. Le frère, brother. La sœur, sister. Le fils, son. La fille, daughter. Attention, en anglais, le mot parent se réfère uniquement à la mère et au père de quelqu'un. Pour indiquer une ou des personnes avec qui on a un lien de parenté, on utilise le mot relative au singulier ou relatives au pluriel. Practice time. Écoutez les phrases et répétez après moi. Je vais lire chaque phrase deux fois et puis je vous laisse le temps de répéter. Allons-y. This is my brother Sam. This is my brother Sam. That is my daughter Anne. That is my daughter. Anne. This is my mom, Mary. This is my mom, Mary. These are my sons, John and Eric. These are my sons, John and Eric. That is my wife, Helen. That is my wife, Helen. Bravo un dernier exercice construisez une phrase en utilisant les éléments donnés exemple this son réponse this is my son allez-y ce n'est pas difficile je vous donnerai la réponse correcte après la vôtre these daughters votre réponse these are my daughters that my husband That's my husband or that is my husband That my dad That's my dad or that is my dad This my family This is my family Those my parents Those are my parents Excellent, vous faites d'énormes progrès. Maintenant, nous allons étudier le possessif. Grammar point. Indiquer une possession avec le s apostrophe. Nous avons vu comment utiliser my pour indiquer une possession et plus spécifiquement pour parler de la famille. Mais il existe aussi un autre moyen plus simple en utilisant le s et l'apostrophe. Cette manière s'apparente à l'usage du mot de en français. Regardons quelques exemples. Le frère de ma maman, My Mom's Brother. La famille de mon ami, My Friend's Family. La maison d'Harry, Harry's House. L'université de Pierre, Pierre's University. Ce n'est pas du tout compliqué. Êtes-vous d'accord Passons maintenant à la partie culture. Cultural Point. La famille américaine. The American family. la famille américaine moyenne est une famille de parents et d'enfants. Il reste cependant des familles étendues comprenant les parents, les enfants, les grands parents ou avec d'autres membres de la famille. Dans la famille américaine, l'importance est accordée à la notion d'indépendance. C'est pourquoi certaines familles ont les membres dispersés dans différentes parties du pays. La tradition d'aller voir ses proches pendant les vacances est d'ailleurs très courante continuons à écouter le dialogue cette fois-ci entre mary et pierre notez les expressions que l'on utilise pour demander et dire son âge so how old are you pierre i'm nineteen years old i see you're the same age as harry i see and how old are harry's siblings mike is twenty-five years old and sarah's fourteen alors pour demander l'âge de quelqu'un on dit « How old are you? » Notons que pour dire son âge, on utilise le verbe « être » et non le verbe « avoir » comme en français. Dans la leçon précédente, nous avons appris la conjugaison du verbe « être ». Regardons quelques exemples. « J'ai 19 ans. »« I am 19 years old. » ou « I'm 19 years old. »« Il a 20 ans. »« He is 20 years old. » ou « He's 20 years old. »« Mike a 25 ans. » Mike is 25 years old. Who? Mike's 25 years old. Sarah a 14 ans. Sarah is 14 years old. Who? Sarah's 14 years old. J'ai 30 ans. I am 30 years old. Who? I'm 30 years old. Prêt pour un entraînement. Répétez les phrases suivantes. How old are you? How old are you? He is 5 years old. He is 5 years old. I am 10 years old. I am 10 years old. Mike is 3 years old. Mike is 3 years old. Sarah is 2 years old. Sarah is 2 years old. Maintenant, nous allons apprendre les nombres. Les nombres de 1 à 20. Numbers 1 to 20. Nous avons appris comment compter de 1 à 10 dans la leçon précédente. Rappel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuons à compter jusqu'à 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 Passons à l'exercice. Écoutez et continuez à compter après moi. 11. 13. 15. 17. 19. Un deuxième exercice. Écoutez le nombre en français et dites l'équivalent en anglais. Allons-y. 13. 15, 17, 20, 11. Réponse 13, 13, 15, 15, 17, 17, 20, 20, 11, 11. Bravo. Maintenant que vous savez comment compter jusqu'à 20, on va aller un peu plus loin. Les nombres de 30 à 50 Numbers 30 to 50 À partir de 20, la numérotation devient moins compliquée. Comme première étape, il suffit de mémoriser les nombres 20, 30, 40 et 50. Pour dire 20 en anglais, on dit « twenty ». 30, 30 40, 40 50, 50 Répétez chaque nombre. Twenty 30, 40, 50. Ensuite, les nombres dans chaque set de 10 emploient une combinaison des mots 20, 30, 40 et 50 avec les nombres de 1 à 9. Par exemple, comptons de 20 à 30. Répétez après moi. 20, 21, 22, 23. Twenty four, twenty five, twenty six, twenty seven, twenty eight, twenty nine, thirty. Ensuite thirty, thirty one, thirty two, thirty three. Thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine. Ensuite forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four. Forty-five. Forty-six. Forty-seven. Forty-eight. Forty-nine. Fifty. Tout va bien jusqu'ici? Ok. Et c'est le moment de s'entraîner. Écoutez et continuez à compter après chaque pause. Twenty. Twenty-two.

Part 2. Pierre's family. La famille de Pierre. La famille d'Harry invite Pierre à rester pour le dîner. À table, il demande des informations concernant la famille de Pierre. Écoutez le dialogue entre Pierre et les Smiths. Combien de frères et sœurs Pierre a-t-il? So, Pierre, tell us a little bit about your family. My parents are Guillaume and Lucille. They both are living in Paris. Do you have siblings? Yes, I have one brother. His name is Mathieu. Do you have a sister? No, I don't have a sister. Comme d'habitude, encore une fois. So, Pierre, tell us a little bit about your family. My parents are Guillaume and Lucille. They both are living in Paris. Do you have siblings? Yes, I have one brother. His name is Mathieu. Do you have a sister? No, I don't have a sister. Oui, Pierre a un frère qui s'appelle Mathieu. Il n'a pas de sœur. Comme vous l'avez vu dans le dialogue, pour exprimer la possession, on utilise le verbe to have. Il s'agit de l'équivalent du verbe avoir en français. Pour demander si quelqu'un possède quelque chose, on utilise l'expression Do you have? Par exemple, ⁇ Do you have siblings ?⁇ ou en français, ⁇ Avez-vous des frères et sœurs ?⁇ Un autre exemple, ⁇ Do you have a sister ⁇ Avez-vous une sœur ?⁇ Practice time ⁇ Écoutez et répétez les expressions suivantes. ⁇ Do you have a son ?⁇ Do you have a son ?⁇ Do you have siblings ?⁇ Do you have siblings Do you have a brother? Do you have a brother? Do you have a sister? Do you have a sister? Excellent. Étudions le verbe to have de façon plus approfondie. Grammar point. Le verbe to have. Le verbe to have. Le verbe to have est l'un des verbes les plus utilisés en anglais. La conjugaison de ce verbe au présent est très simple. Il n'existe que deux formes, has et have. Écoutons la conjugaison. J'ai, I have. Tu as, vous avez, you have. Il a, he has. Elle a, she has. Nous avons, we have. Ils ont, elles ont, they have. Notez que la conjugaison pour he et she. Est has pour tous les autres pronoms la conjugaison est have et voici quelques exemples j'ai trois sœurs i have three sisters avez-vous un stylo do you have a pen nous avons les livres chez nous we have the books at home il a une petite amie he has a girlfriend elles ont un frère they have a brother ok Faisons maintenant quelques exercices. Complétez les phrases en utilisant la forme appropriée du verbe to have. Exemple. Do you the books? À votre tour. Do you have the books? Correct. Do you have the books? We a house. À vous. We a house. We have a house. They A car. They. A car. They have a car. She. A television. She. A television. She has a television. I. A piano. I. A piano. I have a piano. He a sister. He a sister. He has a sister. Maintenant, parlez de votre famille en utilisant l'expression I have. Par exemple, I have three brothers and one sister. À vous maintenant. Très bien. Continuez à écouter le dialogue entre la famille Smith et Pierre. So Joe, what do you do for a living? I am the CEO of a construction company. Mary helps me out; she's an engineer. I see. How about your parents, Pierre? What kind of work do they do? My mom is a doctor, and my dad is a lawyer. Et encore une fois. So Joe. What do you do for a living? I am the CEO of a construction company. Mary helps me out. She's an engineer. I see. How about your parents, Pierre? What kind of work do they do? My mom is a doctor and my dad is a lawyer. Comme vous l'avez entendu, pour demander la profession de quelqu'un, on utilise l'expression "que faites-vous dans la vie?" What do you do for a living? Ou quel genre de travail faites-vous? What kind of work do you do? Comme en français, on utilise l'expression je suis pour parler de son travail. I am. Écoutons quelques exemples. Je suis le PDG. I am the CEO. Elle est ingénieure. She's an engineer. Ma maman est médecin. My mom is a doctor. Mon papa est avocat. My dad is a lawyer. Notons qu'en anglais, les mots de métier ne changent généralement pas selon le genre de la personne. Par exemple, on utilise le mot engineer que ce soit un ingénieur ou une ingénieure. Apprenons quelques noms de métiers. Avez-vous retenu ce que nous avons entendu dans les dialogues Oui, nous avons entendu le PDG. The CEO. Un ingénieur, an engineer. Un médecin, a doctor. Et un avocat, a lawyer. Voici d'autres métiers. Un professeur, a professor. Un serveur, a waiter. Un policier, a police officer. Un pompier, a firefighter. Un secrétaire, a secretary, un mécanicien, a mechanic, un écrivain, a writer, un vendeur, a salesperson. Prêt pour un exercice D'abord, nous allons travailler sur la prononciation. Écoutez et répétez. A businessman, a businessman, an engineer. An engineer, a doctor, a doctor, a lawyer, a lawyer, a professor, a professor, a waiter, a waiter, a police officer, a police officer. A firefighter, a firefighter. A CEO, a CEO. A secretary, a secretary. A mechanic, a mechanic. A writer, a writer. A salesperson. « A salesperson. » Faisons un autre exercice. Écoutez la description et identifiez en anglais le métier d'écrit. Une personne qui pratique la médecine. « A doctor. » Le président d'une société. « A CEO. » Une personne qui combat les incendies. « A firefighter. » Une personne qui écrit des livres. A writer. Une personne qui donne des consultations juridiques. A lawyer. Une personne qui vend des services ou produits. A salesperson. Une personne qui répare des machines. A mechanic. Une personne qui enseigne à l'université. A professor. vous faites un excellent travail. dans la troisième et dernière partie, nous allons travailler sur les articles a, un et the. part 3. articles a, un an, et the. les articles a, un an, et the. Comme promis, vous allez apprendre comment utiliser les articles E, un et THE en anglais. Nous allons commencer dès que vous êtes prêts. Tout d'abord, deux différences à noter dans l'usage des articles en anglais et en français. En anglais, les noms communs n'ont pas de genre. Cela veut dire que, contrairement au français, les articles ne varient pas selon le genre des noms. Ensuite, on utilise les articles seulement quand les noms sont dénombrables. Prenons les exemples suivants. L'eau est nécessaire pour le corps. Water is necessary for the body. En français, on utilise l'article défini L apostrophe avec le mot ⁇ eau ⁇ En anglais, l'article disparaît. On dit tout simplement ⁇ water ⁇ sans article, car il s'agit d'un nom non dénombrable. Les articles ⁇ e et ⁇ un ⁇ Ces articles correspondent aux articles 1 et 1 en français. Il s'emploie pour se référer aux noms dénombrables et non spécifiques. Dans la partie précédente, nous avons vu comment utiliser ces deux articles pour parler de son métier. Nous regardons quelques exemples. Je suis médecin. I am a doctor. Elle est ingénieure. She is an engineer. Celui-ci est un livre. This is a book. Celui-là est une pomme. That is an apple. Avez-vous pu observer dans quel contexte on utilise un et un? C'est très simple. En effet, on utilise un avant une consonne. Par exemple, on dit a book, a doctor. L'article un s'utilise devant un son voyelle. Par exemple, on dit an apple, an engineer. Attention, en anglais, les articles indéfinis n'ont pas de forme plurielle. En français, on utilise l'article des pour les noms pluriels. Par exemple. Un livre au singulier, mais des livres au pluriel. En anglais, on dit ⁇ a book ⁇ mais dans le cas de ⁇ books ⁇ l'article disparaît. Par exemple, ⁇ This is a book ⁇ mais ⁇ These are books ⁇ Vous avez tout compris jusqu'ici N'oubliez pas que si besoin, vous pouvez réécouter les règles que je vous ai expliquées précédemment. Si tout va bien, passons à l'exercice. Écoutez le nom prononcé et ajoutez l'article approprié. Doit on utiliser a ou un avant ces noms. Par exemple, Professor. Quel article vous allez utiliser avec ce mot? La réponse a. A professor. Bon, c'est votre tour. Je vous dirai la réponse correcte après vous. Book. A book. Waiter. A waiter. Email. An email Airport. An airport. Mom. A mom. Film. A film. Animal. An animal. Brother. A brother. Artist. An artist. Impressionnant! Maintenant que vous savez comment les articles E et un s'emploient, passons à l'article défini, The. L'article défini, The, représente les articles le, la, les et L'. Il ne varie pas selon le genre et le nombre. Cela veut dire qu'il s'utilise à la fois pour les noms au singulier et au pluriel. Regardons quelques exemples. C'est le livre Le Petit Prince. It's the book. The Little Prince. C'est la maman de mon colocataire. It's the mom of my roommate. Ce sont les films de Tarantino. These are the films of Tarantino. C'est l'aéroport à Los Angeles. It's the airport in Los Angeles. Comme en français, l'article défini The renvoie à un nom ou à des noms spécifiques ou déjà identifiés. Faisons un exercice. Écoutez le nom prononcé et ajoutez l'article approprié. Doit-on utiliser a, an ou the avant ces noms Par exemple, it is film Batman. À vous, it is the film Batman. Et puis, je vous donne la réponse correcte, it is the film Batman. Allons-y. What is that That is apple. That is apple. Reponse. That is an apple. My mom is lawyer. My mom is lawyer. My mom is a lawyer. Mm, coffee in this restaurant is delicious. Mm, coffee in this restaurant is delicious. The coffee in this restaurant is delicious. Mm. Students of this class are intelligent. Mm. Students of this class are intelligent. The students of this class are intelligent. Bien joué! Pour terminer cette leçon, nous allons faire des exercices qui testent votre compréhension. N'ayant plus de place dans un café, Jack partage une table avec une inconnue qui s'appelle Michelle. Il engage une conversation légère ou, comme on dit en anglais, a small talk. Notez les questions avant d'écouter le dialogue. What does Jack do for a living? What does Michelle do for a living? How old is Jack? How old is Michelle? Vrai ou faux, Michelle has a sister. Hey, c'est parti! Hi, my name is Jack. Hello, Jack. I'm Michel. Nice to meet you, Michel. You too, Jack. So, what is it that you do, Michel? I'm an engineer. How about you? What kind of work do you do? I'm a writer. I see. Which books? I write mainly for magazines. That's great. If I may ask, how old are you? I'm 43 years old. You? I'm 39 years old. Who's that over there? Oh, that's my sister. She's waiting for me. It was really nice talking to you, but I have to go now. All right. Bye. Bye. Devons-nous écouter encore une fois? Allez. Hi. My name is Jack. Hello Jack. I'm Michelle. Nice to meet you, Michelle. You too, Jack. So, what is it that you do, Michelle? I'm an engineer. How about you? What kind of work do you do? I'm a writer. I see. Which books? I write mainly for magazines. That's great. If I may ask, how old are you? I'm 43 years old. You? I'm 39 years old. Who's that over there? Oh, that's my sister. She's waiting for me. It was really nice talking to you, but I have to go now. All right. Bye. Bye. Réécoutez les questions et donnez vos réponses. What does Jack do for a living? Jack is a writer. What does Michelle do for a living? Michelle is an engineer. How old is Jack? Jack is 43 years old. How old is Michelle? Michelle is 39 years old. Vrai ou faux? Michelle has a sister. Vrai. Michelle has a sister. Excellent. C'était une leçon productive. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Petite astuce avant de finir ce chapitre. Pour finir une conversation poliment, on peut dire It was nice talking to you, but I have to go comme l'a fait Michel. Cette phrase signifie C'était un plaisir de vous parler, mais je dois y aller. Dans la prochaine leçon, nous allons continuer l'aventure avec Harry. Unit 3 Touring the Campus Une visite du campus. Chers auditeurs, welcome! Comment se déroule votre journée? Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon sur les objets et les lieux quotidiens. Vous allez également découvrir le vocabulaire de la technologie. Savez-vous que l'entraînement à l'oral joue un rôle important dans l'apprentissage d'une langue? prononcer les mots à voix haute et les utiliser en contexte vous aidera à les mémoriser plus rapidement. Ceci dit, je vous encourage à répéter après moi et à ne pas négliger la pratique de l'oral. Commençons la leçon. Je compte sur votre participation. Part 1. May gives Harry a tour of the campus. May fait visiter le Campus à Harry Une étudiante, May, montre une carte de l'université à Harry. Elle lui présente les différents lieux qui y sont. Écoutez le dialogue entre May et Harry. Y a-t-il un cinéma dans la fac So, Harry, this is a map of our campus. There is a library just beside our dormitory. I see. Are there bookstores too Yes, there are two bookstores. One behind the library, and another at the university east entrance. That's great. There is a coffee shop across the library, perfect for when you want to read. What is that? That is a canteen. Right across, there is a park. Some students like having their lunch there. Is there a gym? There is a gym in the dormitory. At the center of the university grounds, there is a sports center. There is a swimming pool, too. Is there a cinema? No, there is no cinema inside the campus but there is a subway station just outside. you can take it to get to the city center. thanks, may. no problem, harry. Avez -vous tout compris? so, harry, this is a map of our campus. there is a library just beside our dormitory. i see. are there bookstores, too? yes, there are two bookstores. one behind the library. And another at the university east entrance. That's great. There is a coffee shop across the library. Perfect for when you want to read. What is that? That is a canteen. Right across, there is a park. Some students like having their lunch there. Is there a gym? There is a gym in the dormitory. At the center of the university grounds, there is a sports center. There is a swimming pool too. Is there a cinema? No, there is no cinema inside the campus. But there is a subway station just outside. You can take it to go to the city center. Thanks, May. No problem, Harry. Y a-t-il un cinema dans la fac? Comme l'a dit May, il n'y a pas de cinema dans la fac. Il faut sortir, prendre le métro pour aller au centre-ville. Indiquer la présence ou l'absence. Indicate presence or absence. Pour exprimer la présence ou l'absence de quelqu'un ou quelque chose, on utilise les tournures there is et there are. There is s'emploie au singulier et there are au pluriel. Regardons quelques exemples. Il y a une bibliothèque dans l'université. There is a library in the university. Il y a des bibliothèques dans l'université. There are libraries in the university. Il y a un livre sur la table. There is a book on the table. Il y a des livres sur la table. There are books on the table. Pour exprimer l'absence, on utilise la négation no. On l'ajoute après le verbe être. Attention, l'article disparaît dans la forme négative. Par exemple, il n'y a pas de bibliothèque dans l'université. There is no library in the university. Ou There are no libraries in the university. Il n'y a pas de livre sur la table. There is no book on the table. There are no books on the table. Êtes-vous prêt pour l'entraînement sur la prononciation? Écoutez et répétez les expressions suivantes. There is. There is. There are. There are. there is no. there is no. there are no. there are no. _très bien._ écoutez et répétez les expressions suivantes. there is a book. there is a book. there are apples. there are apples. there is no bookstore. there is no bookstore. There are no cinemas near the university. There are no cinemas near the university. Bravo! Maintenant que vous savez comment utiliser ces expressions, passons à la formulation des questions. Demandez la présence ou l'absence. Asking about presence or absence. Pour demander la présence ou l'absence de quelqu'un ou quelque chose, on inverse les tournures there is et There are. Regardons quelques exemples. Y a-t-il une bibliothèque dans l'université? Is there a library in the university? Y a-t-il des bibliothèques dans l'université? Are there libraries in the university? Ce n'est pas très difficile, non? Faisons un court exercice. Écoutez et répétez après moi. Is there a television? Is there a television? Are there students in the canteen? Are there students in the canteen? Is there a park nearby? Is there a park nearby? Is there a gym here? Is there a gym here? Are there books in the coffee shop? Are there books in the coffee shop? Très bien. Si vous avez du mal avec la prononciation, ne vous inquiétez pas trop, cela viendra. Surtout si vous continuez à écouter et répéter. Maintenant, nous allons mémoriser quelques nouveaux mots. Les noms des lieux. Names of places. Avez-vous repéré les noms des lieux en anglais du dialogue entre Harry et May? Une bibliothèque. A library. Un dortoir. A dormitory. Une librairie, a bookstore. Un café, a coffee shop. Une cafétéria, a canteen. Un parc, a park. Une salle de sport, a gym. Un centre sportif, a sports center. Une piscine, a swimming pool. Un cinéma, a cinema. Le métro, The Subway ou The Subway Station. Le centre-ville, The City Center. Attention aux faux amis que constitue le terme library en anglais. Il s'agit d'une bibliothèque et non d'une librairie. Une librairie se traduit par bookstore en anglais. Question. Si vous voulez acheter un livre, vous allez où Tout à fait, vous allez dans un bookstore. Vous êtes prêt pour un exercice Donnez le lieu indiqué à l'aide des indices. Où se trouve de la verdure A park. Où prend-on le métro The subway station. Où pratique-t-on du sport A gym or a sports center. Où nage-t-on A swimming pool. Où vend on des livres? A bookstore. Bien joué. Un autre exercice. Répondez aux questions suivantes en utilisant les expressions there is et there are. Par exemple, Is there a library here? Yes, there is a library here. Is there a subway station nearby? Yes, There is a subway station nearby. Are there cinemas in the city? Yes, there are cinemas in the city. Are there bookstores in the university? Yes, there are bookstores in the university. Is there a canteen inside the building? Yes, there is a canteen inside the building. Is there a gym? Yes, there is a gym. Is there a swimming pool in the sports center? Yes, there is a swimming pool in the sports center. Excellent travail. Part 2. Harry prepares for his first class. Harry se prépare pour son premier cours. Harry se prépare pour son premier cours. Qu'est-ce qu'il doit apporter dans son sac Écoutez le dialogue entre Pierre et Harry. Combien de choses apporte-t-il pour son premier cours That's a big backpack Harry. Yes, I like to carry a lot of things with me. I'm ready for our first class. What do you have in your bag? I have my phone, my ID, my wallet, my keys, my glasses, a notebook, a pen, and a bottle of water. How about you, Pierre? What do you have in your bag? I'm bringing pretty much all that in an English dictionary. That's a big backpack, Harry. Yes. I like to carry a lot of things with me. I'm ready for our first class. What do you have in your bag? I have my phone, my ID, my wallet, my keys, my glasses, my notebook, a pen, and a bottle of water. How about you, Pierre? What do you have in your bag? I'm bringing pretty much all that. And an English dictionary. Harry apporte son portable, sa carte d'identité, son porte-monnaie, ses clés, ses lunettes, un cahier, un stylo et une bouteille d'eau. Récoutons Ré les paroles d'Harry. I have my phone, my ID, my wallet, my keys, my glasses, a notebook, a pen, and a bottle of water. How about you, Pierre? What do you have in your bag? I have my phone, my ID, my wallet, my keys, my glasses, a notebook, a pen, and a bottle of water. How about you, Pierre? What do you have in your bag? Il apporte donc un total de huit objets. Les objets quotidiens Daily Objects Avez-vous repéré les noms des objets quotidiens en anglais? Un téléphone portable, a mobile phone ou tout simplement a phone. Une carte d'identité, an ID. Un porte-monnaie, a wallet. Des clés, keys. Des lunettes, glasses. Un cahier, a notebook. Un stylo, a pen. Une bouteille d'eau, a bottle of water. Un sac a bag un sac à dos a backpack faisons quelques exercices écoutez et répétez notez les syllabes accentuées Un phone un phone an id an id a wallet a wallet keys keys Glasses, glasses. A notebook, a notebook. A pen, a pen. A bottle of water, a bottle of water. A bag, a bag. A backpack, a backpack. Maintenant, écoutez le mot en français et dites l'équivalent anglais. Un stylo. A pen. Un sac. A bag. Un cahier. A notebook. Un sac à dos. A backpack. Un téléphone portable. A phone. Un porte-monnaie. A wallet. Des lunettes. Glasses. Une bouteille d'eau. A bottle of water. Des clés. Keys. Une carte d'identité. An ID. Super! Encore deux exercices pour vous améliorer? À votre tour, qu'est-ce que vous avez dans votre sac Énumérez les objets en anglais. Exemple de réponse In my bag, I have a pen, a notebook, and a book. Allez-y Très bien Un petit exercice de compréhension, ça vous tente Dans cet extrait, Pierre présente ce qu'il y a dans son sac. Écoutez et repérez tous les objets. Ensuite, répondez aux questions du type vrai ou faux qui suivent. In my backpack, there is a bottle of water, my keys, my wallet and my phone. In my backpack, there is a bottle of water, my keys, my wallet and my phone. Question. Vrai ou faux? True or false? In Pierre's backpack, there is a bottle of water. True. In Pierre's backpack, there are books. False. In Pierre's backpack, there is a wallet. True. In Pierre's backpack, there is a phone. True. In Pierre's backpack, there is an ID. False. Excellent. À la dernière partie de cette unité alors. Part 3. Harry goes to the media library. Harry va à la médiathèque. Harry va à la médiathèque. Il y emprunte des DVD pour finir un devoir. Écoutez le dialogue entre Harry et l'assistant de la médiathèque. Quels objets peut-on y emprunter? Good morning. I'm a first year student and I've never been here. Could you please help me out? Yes, of course. Welcome to our media library. Could you please tell me more about the kind of resources you have? Yes. So we have a digital library where you can look at text resources and videos. from different disciplines you can print some articles too if you like there are printers and photocopiers you can use i see you can also use the computers here and we have some laptops you can borrow for a period of time in case of emergency that's great oh and one last thing we also have films showing in the theater in the building we do it every weekend if you're interested Thank you for the information. You've been very helpful. Ecoutons encore une fois. Good morning. I'm a first year student and I've never been here. Could you please help me out? Yes, of course. Welcome to our media library. Could you please tell me more about the kind of resources you have? Yes. So, we have a digital library where you can look at text resources and videos from different disciplines you can print some articles too if you'd like there are printers and photocopiers you can use i see you can also use the computers here and we have some laptops you can borrow for a period of time in case of emergency that's great oh and one last thing. We also have films showing in the theater, in the building. We do it every weekend if you're interested. Thank you for the information. You've been very helpful. On peut emprunter les ordinateurs portables, laptops. On peut également utiliser les ordinateurs, les imprimantes et photocopieuses sur place. Les objets technologiques. Technological Objects. Avez-vous repéré les noms des objets technologiques en anglais? Une vidéo. A video. Une imprimante. A printer. Une photocopieuse. A photocopier. Un ordinateur. A computer. Un ordinateur portable. A laptop. Voici quelques autres noms liés à la technologie. Un appareil photo. A camera. Un email. An email. Une montre. A watch. Une voiture. A car. Mémorisons-les ensemble. Répétez après moi. A computer. A computer. A laptop. A laptop. A camera. A camera. An email, an email. A watch, a watch. A car, a car. A video, a video. A printer, a printer. A photocopier, a photocopier. Maintenant, écoutez le mot en français et dites l'équivalent anglais. Par exemple, une imprimante, a printer. Je vous donne la réponse correcte après vous. C'est parti. Une montre, a watch. Un ordinateur portable, a laptop. Un ordinateur, a computer. Un e-mail un email. Une voiture. A car. Un appareil photo. A camera. Très bien, cher auditeur. Nous allons maintenant étudier un peu la grammaire. Grammar point. La forme plurielle des noms. Plural forms of nouns. Pour mettre un nom au pluriel, on ajoute généralement la lettre S à la fin du mot. Regardons quelques exemples. Bookstore au singulier, Bookstores au pluriel. Park, parks, phone, phones, bag, bags. Quand le mot se termine par S, on ajoute ES à la fin. Par exemple, bus, qui signifie bus en français, devient buses. Au pluriel. Glass, vert en français, devient glasses au pluriel. Quand le mot se termine par y, on ajoute ies à la fin. Par exemple, library au singulier devient libraries au pluriel. C'est du gâteau. Êtes-vous d'accord Pour finir cette unité, nous allons tester votre compréhension. Complétez les phrases avec e ou un si nécessaire. Je vais répéter chaque phrase deux fois. There is cinema in the city. There is cinema in the city. This is laptop. This is laptop. There are books in my bag. There are books In my bag. Réponse correcte. There is a cinema in the city. There is a laptop. There are books in my bag. Pas d'article. Bravo. Écoutez chaque énoncé, puis répondez aux questions. I'm sorry, but there is no coffee shop in the university. There is a canteen, though. I'm sorry, but there is no coffee shop in the university. There is a canteen, though. Question: True or False? In the university, there are no coffee shops. Votre réponse: La réponse correcte: True, vrai. Harry has a camera and a bottle of water in his bag. Harry has a camera and a bottle of water in his bag. Question What's inside Harry's bag? Votre réponse A camera and a bottle of water. John is a writer, so he always has a pen and a notebook with him. John is a writer, so he always has a pen and a notebook with him. Question ⁇ What does John do for a living Votre réponse ⁇ John is a writer. Excellent La langue anglaise a ses difficultés, mais la pratique la rend parfaite. La prochaine partie de notre aventure d'apprentissage de l'anglais vous attend, ne la manquez pas. Unit 4 Harry makes a new friend. Harry se fait un nouvel ami. Bonjour, chers auditeurs. Quels sont vos loisirs préférés Et quel type de loisirs n'aimez-vous vraiment pas Aujourd'hui, vous allez apprendre comment parler de vos préférences. L'objectif est d'élargir et de renforcer votre vocabulaire. Une petite astuce avant de commencer. Pour mémoriser plus rapidement des mots, il faut les apprendre en contexte. Après cette leçon, n'hésitez pas à revenir sur les termes appris et à formuler des phrases en les utilisant. Si vous êtes un apprenant visuel, vous pouvez aussi vous créer une illustration mentale. Par exemple, si vous voulez mémoriser le mot to sing, qui veut dire chanter, imaginez-vous en train de chanter tout en prononçant le terme en anglais. Sans plus tarder, allons-y! Part 1 Harry meets Charlotte. Harry rencontre Charlotte. Après une semaine difficile à l'université, c'est enfin le week-end. Harry décide de passer son week-end dans le café de l'université et de lire un livre. Par hasard, il se fait une nouvelle amie. Écoutons le dialogue entre Harry et Charlotte. Pouvez-vous deviner le passe-temps préféré de Harry? Hi, are you with someone? There are no more tables left. Please. Have a seat. Thank you. My name is Charlotte. Nice to meet you, Charlotte. My name's Harry. Nice to meet you, Harry. So, are you a student from the university too? Oh, yes. I'm studying economics. No way. I'm an economics student too. I see that you like reading fiction. Yes, I do. How about you? Do you like reading? I don't like reading, no. I love going to the movies and dancing. Sounds fun. I like watching movies too. I hate dancing though. I'm not really good at it. Comme d'habitude, nous allons écouter le dialogue encore une fois. Hi, are you with someone? There are no more tables left. Please, have a seat. Thank you. My name is Charlotte. Nice to meet you, Charlotte. My name's Harry. Nice to meet you, Harry. So, are you a student from the university too? Oh, yes. I'm studying economics. No way. I'm an economics student too. I see that you like reading fiction? Yes, I do. How about you? Do you like reading? I don't like reading now. I love going to the movies and dancing. Sounds fun. I like watching movies too. I hate dancing though. I'm not really good at it. Avez-vous réussi à découvrir le passe-temps préféré de Harry Vous avez raison, c'est la lecture. Regardons maintenant les expressions que nous avons entendues dans le dialogue. Pour dire ce qu'on aime, on utilise les verbes like et love. Like correspond au verbe aimer en français. Quand on utilise love, on indique qu'on aime quelque chose vraiment beaucoup. Savez-vous la signification de la phrase I love you? Cette phrase se traduit par je t'aime en français. Mais qu'est-ce qu'on dit pour indiquer que l'on n'aime pas quelque chose? On peut utiliser la forme négative do not like, don't like, ou do not love, don't love. Mais il est plus courant de dire I don't like. Certes, vous pouvez utiliser I do not like à l'oral, Surtout si vous voulez faire l'emphase sur le fait que vous n'aimez pas quelque chose. On peut aussi employer hate, mais faites attention, cela veut dire qu'on déteste quelque chose. Voici quelques exemples. J'aime lire. I like reading. Ou I love reading. Je n'aime pas lire. I don't like reading. Je déteste les sports. I hate sports. J'aime danser. I like dancing ou I love dancing. Faisons un premier exercice. Écoutez et répétez les expressions suivantes. I love books. I love books. I hate horror movies. I hate horror movies. I like cooking. I like cooking. I don't like reading. I don't like reading. I don't like dancing. I don't like dancing. Maintenant que nous savons comment formuler des phrases pour parler de ses préférences, il est temps d'apprendre un peu de vocabulaire. Avez-vous repéré les noms de loisirs que nous avons entendus précédemment? Oui, nous avons entendu lire, to read, aller au cinéma, to go to the movies danser to dance cuisiner to cook les sports sports les films films ou movies voici d'autres loisirs peut-être vous allez trouver votre loisir préféré dans notre petite liste écrire to write peindre to paint regarder la télé to watch tv chanter to sing écouter de la musique to listen to music nager swimming faire du jogging jogging faire du jardinage gardening travaillons ensemble sur la prononciation écoutez et répétez après moi i like riding i like riding i love painting I love painting. I hate watching TV. I hate watching TV. I don't like singing. I don't like singing. I like listening to music. I like listening to music. I hate swimming. I hate swimming. I like jogging. I like jogging. I like gardening. I like gardening. I love films. I love films. I love going to the movies. I love going to the movies. Faisons un exercice un petit peu plus compliqué. À l'aide des éléments donnés, essayez de formuler une phrase. Par exemple, les mots donnés love to swim. La phrase I love swimming. À votre tour. Hate to read. I hate reading. Don't like to cook. I don't like cooking. Like to paint. I like painting. Don't like to listen to music. I don't like listening to music. Love to sing. I love singing. Like to watch TV. I like watching TV. Love to jog. I love jogging. Un autre exemple. Les mots donnés like, movies, la phrase I like movies. À votre tour. Like films. I like films. Love books. I love books. Hate gardening. I hate gardening. Quels sont vos loisirs préférés? Essayez de formuler des phrases en utilisant les expressions like, love, don't like et hate. Exemple de réponse. I like cooking. I love singing. I don't like writing. I hate going to the movies. Excellent travail. Grammar Point. Formuler une question. Pour demander si quelqu'un aime quelque chose, on peut utiliser la tournure Do you like ou Do you love. Par exemple, Est-ce que vous aimez le foot? Do you like football? Ou Est-ce que vous adorez la danse? Do you love dancing? Pour transformer une phrase en une question, on ajoute le mot do au début de la phrase tout simplement. C'est très facile, non? On peut penser à do. Comme l'expression est-ce que en français qui signale le début d'une question. Voici quelques exemples. Est-ce que vous détestez chanter? Do you hate singing? Est-ce que vous aimez peindre? Do you like painting? Est-ce que vous adorez regarder des films? Do you love watching movies? Voyons ce que nous avons appris. Essayez de formuler des questions à partir des éléments donnés. Par exemple, Question Like to cook. Réponse Do you like cooking? Tout est clair pour vous? Like to listen to music. Votre question. Question possible Do you like listening to music? Love to jog. Do you love jogging? Hate sports. Do you hate sports? Like to read. Do you like reading? Hate to swim. Do you hate swimming? Très bien. Cultural point Les sports aux États-Unis. Les Américains aiment les sports. En effet, ils constituent une partie très importante dans la culture américaine. Le sport le plus populaire est le football américain. En corollaire, l'événement le plus célèbre dans ce pays est le Super Bowl. Vous connaissez sans doute le Super Bowl. C'est la finale annuelle du championnat organisée par la National Football League, aussi appelée NFL. C'est si célèbre qu'on le considère inofficiellement comme un jour férié. Mais c'est plus qu'un match, il accueille aussi des musiciens populaires. Parmi eux, il y a eu Madonna et Beyoncé. Tout va bien jusqu'ici Passons maintenant à la deuxième partie de cette unité. Part 2. Harry talks to Pierre about Charlotte. Harry parle à Pierre de Charlotte. Après un bon moment avec Charlotte, Harry retourne au dortoir, là, il parle à Pierre de sa nouvelle amie. Hey, how was your day? It was great. I met someone from the same department as me. Oh, that's cool. Her name's Charlotte. We're going dancing next weekend. <laughs> but you hate dancing, right? Correct. <laughs> but she loves dancing and she said she's going to teach me. That sounds fun. What else does she like doing? She doesn't like reading, but she likes going to the movies i see what kind of movies does she like i didn't ask maybe all three of us can go watch the latest sci-fi movie together what do you say yeah that'd be great let's do that. écoutons le dialogue entre ali et pierre encore une fois quel genre de films vont ils regarder avec charlotte hey how was your day it was great i met someone from the same department as me. Oh, that's cool. Her name's Charlotte. We're going dancing next weekend. <laughs> but you hate dancing, right? Correct. <laughs> but she loves dancing, and she said she's going to teach me. That sounds fun. What else does she like doing? She doesn't like reading, but she likes going to the movies. I see. What kind of movies does she like? I didn't ask. Maybe all three of us can go watch that latest sci-fi movie together. What do you say? Yeah, that'd be great. Let's do that. C'est correct. Ils vont regarder un film de science-fiction. Avez-vous repéré les expressions qu'on utilise pour parler des préférences d'autres personnes? Dans la première unité, nous avons appris les pronoms he pour il et she pour elle. Pour dire donc il aime, on utilise l'expression he likes ou he loves. Parallèlement, pour dire elle aime, on dit she likes ou she loves. En effet, on ajoute un S à la fin du verbe like et love. Là, on rentre dans la conjugaison générale des verbes en anglais. Mais pas d'inquiétude à avoir, c'est très facile. Essayons de conjuguer le verbe like. J'aime, I like. Tu aimes, vous aimez, you like. Il aime, he likes. Elle aime, she likes. Nous aimons, we like. Ils, elles aiment, they like. C'est aussi facile que ça. Il n'y a que deux formes, like et likes avec S. On utilise like sans S pour tous les pronoms sauf he et she. Regardons quelques exemples. She likes gardening. We love sports. Do you like going to the movies? They love reading. I like cooking. He loves reading. Harry hates dancing. Pierre and Harry like films. Êtes-vous prêt pour un petit peu d'entraînement? Pour ce premier exercice, complétez la phrase en utilisant le verbe indiqué. N'oubliez pas de conjuguer les verbes. Par exemple, verbe love. Pierre, reading. À votre tour. Pierre, loves reading. Réponse. Pierre, loves reading. Tout est clair? C'est parti. Verbe like. He, singing. He likes singing. Hate. I. Writing. I hate writing. Love. Pierre. Jogging. Pierre loves jogging. Love. Pierre and Harry. Sci fi movies. Pierre and Harry love sci fi movies. Hate do you painting? Do you hate painting? Très bon travail. Grammar point. Formuler une question. Formulating a question. Dans la partie précédente, nous avons appris comment formuler une question à l'aide du mot "do" qui se place au début de la phrase. Comme les verbes, le "do" change aussi selon le sujet. Avec les pronoms he et she, on utilise le mot does. Pour tout le reste, on utilise do. Écoutons quelques exemples. Do you like sports? Does she like books? Do they like skiing? Do you love golf? Does he hate dancing? Il existe une autre manière de demander les préférences de quelqu'un. Cette fois, c'est avec le mot quoi ou what en anglais. On peut donc dire ⁇ What do you like doing ?⁇ pour ⁇ Qu'est-ce que vous aimez faire ?⁇ ou ⁇ What does he like doing ⁇ Qu'est-ce qu'il aime faire Pouvez-vous essayer de formuler la phrase en anglais pour demander ⁇ Qu'est-ce qu'elle aime faire ?⁇ Tout à fait, on dit ⁇ What does she like doing ?⁇ Très bien, faisons un petit peu d'entraînement maintenant. Complétez les questions avec le mot ⁇ do ⁇ ou ⁇ does ⁇ what you like doing what do you like doing what they love doing what do they love doing what kind of movies she like what kind of movies does she like hmm harry like reading novels Hmm, Harry like reading novels. What Harry and his family like doing? What do Harry and his family like doing? Écoutez le dialogue et répondez aux questions de compréhension qui suivent. Je vais lire le dialogue deux fois, mais n'hésitez pas à le réécouter si besoin. So, does your friend Pierre like dancing too? Oh no, Pierre hates dancing. What does he like doing? He loves sports. What kind? He loves football. I see. What else? He likes watching movies, like you. That's cool. Does he like horror movies? I'm not sure. I think he likes comedy movies. Encore une fois? C'est parti! So, does your friend Pierre like dancing too? Oh no, Pierre hates dancing. What does he like doing? He loves sports. What kind? He loves football. I see. What else? He likes watching movies, like you. That's cool. Does he like horror movies? I'm not sure. I think he likes comedy movies. Question 1. Does Pierre like dancing? No, Pierre hates dancing. 2. What kind of sports does Pierre like? Pierre likes football. 3. Vrai ou faux? Pierre likes watching movies. Vrai. 4. Vrai ou faux? Pierre loves comedy movies. Vrai. Bravo. Passons maintenant à un dernier exercice. Maintenant, c'est à votre tour de parler de vos préférences. Répondez aux questions suivantes en utilisant des phrases complètes. Do you like sports? What kind of sports do you like? Do you love dancing? Do you like reading books? Do you like fantasy books? Possible réponse Do you like sports? Yes, I like sports. What kind of sports do you like? I like football. Do you love dancing? No, I hate dancing. Do you like reading books? Yes, I love reading books. Do you like fantasy books? No, I don't like fantasy books. Très bien. Vous avez réussi à atteindre un nouvel objectif aujourd'hui. Bien joué. Si vous voulez renforcer votre apprentissage, vous pouvez répéter cette unité autant de fois que vous le voulez. À la prochaine leçon! Unit 5 A Look at Harry's Daily Life. Un regard sur la vie quotidienne d'Harry. Chers amis francophones, welcome! Saviez-vous que certains apprennent une langue en travaillant sur une liste de fréquences, c'est-à-dire une liste de mots les plus courants dans la dite langue? Nous avons fait cela pour vous. Nous allons vous fournir aujourd'hui quelques verbes que vous allez employer très souvent, c'est sûr. Avez-vous hâte de découvrir davantage sur la vie d'Harry? Part 1. Harry, Harry parle de son programme quotidien. En anglais, on appelle quelqu'un qui suit sans faute ses habitudes a creature of habit, littéralement une créature d'habitude. Harry, lui, est une creature of habit. Il aime bien suivre un programme précis tous les jours. Dans l'extrait suivant, nous allons en savoir plus sur ses activités. Écoutons le monologue d'Harry. Pourriez-vous deviner quelle est la première chose qu'il fait le matin Ah, oh, mornings. Yes, I am a morning person. I'm most active just right after waking up. I don't live in a house. I live in a dormitory, as you know. I get up early at around 7 am. The first thing I do, I take a quick shower. Then I have breakfast with my roommate Pierre. We both go to classes after that. At 12 noon, I have lunch at a cafe. I study there too. In the evenings, I rarely go out. I have dinner in the canteen. I do some exercises then I go to bed at around 9 p.m. Écoutons encore. How oh, mornings? Yes, I am a morning person. I'm most active just right after waking up. I don't live in a house. I live in a dormitory, as you know. I get up early at around 7 a.m. The first thing I do I take a quick shower. Then I have breakfast with my roommate Pierre. We both go to classes after that. At 12 noon, I have lunch at a cafe. I study there too. In the evenings, I rarely go out. I have dinner in the canteen. I do some exercises. Then I go to bed at around 9 p.m. La journée d'Harry semble bien chargée. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous entendu la première chose qu'il fait le matin? En effet, il prend une douche rapide. He takes a quick shower. Regardons maintenant les expressions que nous avons entendues dans le dialogue. Nous avons entendu I live, qui veut dire j'habite. I get up, je me lève. I take a shower, je prends une douche. I have breakfast, je prends le petit déjeuner. I have lunch. Je déjeune. I have dinner. Je prends mon dîner. I study. J'étudie. I go out. Je sors, dans le sens sortir d'un bâtiment, mais aussi sortir pour faire la fête. I do some exercises. Je fais quelques exercices. I go to bed. Je vais au lit. Cette fois-ci, écoutons quelques exemples. I live in an apartment. J'habite dans un appartement. I get up at 10 a.m. Je me lève à 10 heures du matin. I take a shower every day. Je prends une douche tous les jours. I have a breakfast at 8 a.m. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures du matin. I have lunch at noon. Je déjeune à midi. I have dinner with my friends je dîne avec mes amis. i study in the library. j'étudie à la bibliothèque. i go out with my family once a week. je sors avec ma famille une fois par semaine. i do some exercises in a gym. je fais quelques exercices dans une salle de sport. i go to bed early. je vais au lit. Tôt. comme vous avez pu le remarquer, on utilise le verbe _have_ pour dire prendre un repas. Ce verbe, qui veut dire littéralement avoir, s'utilise avec les noms breakfast, le petit-déjeuner, lunch, le déjeuner et dinner, le dîner. Tout va bien jusqu'ici Passons maintenant à l'entraînement. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Live. Lève. Get up. Get up. Take a shower. Take a shower. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have lunch. Have dinner. Have dinner. Study. Study. Go out. Go out. Do some exercises. do some exercises go to bed go to bed maintenant écoutez et complétez les phrases suivantes par exemple i in a dormitory votre réponse i live in a dormitory réponse possible i live in a dormitory allons-y à vous de jouer i breakfast in the school canteen votre réponse, i. breakfast in the school canteen. réponse possible, i have breakfast in the school canteen. i. english in school. à vous. i. english in school. réponse possible, i learn english in school. i. some exercises in my room. à votre tour. i some exercises in my room i do some exercises in my room i with my friends during the weekends i with my friends during the weekends i go out with my friends during the weekends i dinner at home A vous I dinner at home. I have dinner at home. I a shower early in the morning. I a shower early in the morning. I take a shower early in the morning. Et la dernière phrase. I to bed quite late. I to bed, quite late I go to bed quite late. Très bien joué. Comme dernier exercice, nous allons parler de vos propres habitudes. Écoutez l'heure donnée et indiquez après une pause quelle activité vous faites à ce moment de la journée. 8 heures du matin 8am 9h du matin 9am Midi, Noon. 3 heures de l'après-midi, 3 p.m. 7 heures du soir, 7 p.m. Possible réponse. 8 a.m., I get up. 9 a.m., I take a shower. At noon, I have lunch. 3 p.m. I study. 7 p.m. I have dinner. Excellent travail! Dire l'heure. Telling the time. Vous avez peut-être pu remarquer dans le monologue d'Harry comment dire l'heure en anglais. En français, on utilise un système sur 24 heures. Il est donc courant de dire 15 heures pour indiquer 3 heures de l'après-midi. Cela n'est pas le cas en anglais. On utilise un système sur 12 heures et on signale à chaque fois à quelle partie de la journée on se réfère à l'aide des abréviations AM et PM. AM pour matin et PM pour à la fois l'après-midi et le soir. Oui, il s'agit des abréviations qu'on retrouve dans les montres digitales. On peut également employer le mot O'Clock, surtout si le contexte indique déjà à quelle partie de la journée on se réfère. Attention pour midi, on peut dire tout simplement noon. Pour minuit, on utilise le terme midnight. Écoutons quelques exemples. Il est 8 heures du matin. It's 8 a.m. It's 8 o'clock. Il est 10 heures du matin. It's 10 a.m. It's 10 o'clock. Il est midi. It is noon. Ou it's 12 noon. Il est 14 heures. It is 2 p.m. It's 2 o'clock. Il est 16 heures. It is 4 p.m. It's 4 o'clock. Il est 22 heures. It is 10 p.m. It's 10 o'clock. Il est minuit. It's midnight. Faisons un exercice avant de poursuivre cette partie. L'heure est donnée en français. Transformez-la en anglais. En utilisant les abréviations AM et PM. Parlez après une pause. Il est 17 heures. It is 5 p.m. Il est 7 heures du matin. It is 7 a.m. Il est 2 heures du matin. It is 2 a.m. Il est midi. It is noon. Il est 19 h It is 7 p.m. Il est minuit. It is midnight. Il est 8 heures du matin. It is 8 a.m. Il est 18 heures. It is 6 p.m. Il est 15 heures. It is 3 p.m. Continuons notre leçon sur l'heure en anglais. Il est quand même important de pouvoir demander l'heure, n'est-ce pas? L'expression est très simple. Pour demander quelle heure est-il? On dit What time is it? On peut aussi utiliser la question Do you have the time? qui veut dire Avez-vous l'heure? Si vous voulez donner l'heure précise, il suffit d'ajouter les minutes avant les mots A.M. et P.M. Donc, 8h15 se traduit par 8 15 a.m. 15h26 3 26 p.m. Midi 30 12:30 p.m. Et ainsi de suite. Regardez l'heure actuelle. Pourriez-vous le dire en anglais? Faisons un exercice plus compliqué. Traduisez les heures données en anglais après une pause. 15h20. It is 3:20 p.m.

It is 11:20 am. Bravo! Grammar Point. La conjugaison des verbes au présent. Verb Conjugation in the Present Tense. Passons maintenant à la partie grammaire. Nous avons appris dans l'unité précédente comment conjuguer les verbes simples comme like, love et hate au présent. Vous en souvenez-vous? C'est en effet très simple. Soit on retient la forme de base, soit on ajoute un S. Pour cette partie, nous allons essayer de conjuguer les nouveaux verbes que nous avons appris. Les verbes réguliers comme live, get et take suivent la même règle. Petit rappel, on ajoute un S seulement pour la troisième personne au singulier, he et she. Par exemple, j'habite, I live. Tu habites, vous habitez, you live. Il habite, he lives. Elle habite, she lives. Nous habitons, We live. Ils, elles habitent, they live. Un autre exemple. Je prends. I take. Tu prends, vous prenez. You take. Il prend. He takes. Elle prend. She takes. Nous prenons. We take. Ils, elles prennent. They take. Pour les verbes comme go, qui finissent par o, on ajoute un es. Par exemple, je vais. I go. Tu vas, vous allez. You go. Il va, he goes, avec ES à la fin. Elle va, she goes, avec ES à la fin. Nous allons, we go. Ils, elles vont, they go. Pas très compliqué, non Certes, il y a des verbes irréguliers, comme le verbe être, to be, et le verbe avoir, to have. Mais pas d'inquiétude, le verbe to have a seulement deux formes, have ou has. J'ai I have. Tu as, vous avez you have. Il a he has. Elle a she has. Nous avons we have. Ils, elles ont they have. Est-ce que vous pouvez voir une tendance Oui, encore une fois, le verbe ne change que pour les pronoms he et she. À l'entraînement maintenant. Formez des phrases avec les éléments donnés. Par exemple, les mots donnés. She, to love, box. Réponse. She loves, box. Attention à la conjugaison des verbes. 1. He, to like, sports. À votre tour. La réponse correcte. He likes sports. 2. They, to study, library. they study in the library 3. we oui, to have dinner 8pm We have dinner at 8 pm 4 she to have breakfast 7 a.m she has breakfast at 7 a.m. 5. Hate to swim. I hate swimming. Bravo, chers auditeurs! N'oubliez pas, si besoin, vous pouvez réécouter les parties de cette unité pour renforcer votre apprentissage. Part 2. A day in Pierre's life. Une journée dans la vie de Pierre. L'université d'Harry et de Pierre a sa propre publication de magazine. Cette année, le magazine a décidé de publier un article sur la vie quotidienne d'un étudiant étranger. Ils ont choisi de présenter Pierre. Écoutez le texte. Pierre est-il une creature of habit, comme Harry? Pierre is a student of economics in our university. He is from Paris, France. His days are rarely the same. He shares with us, but his move from Paris to New York has been and continues to be an adventure. He always wakes up early, around 7 or 8 a.m., to get ready for his class. Sometimes, when he has the time, he has breakfast at the canteen. He rarely has a big breakfast. In fact, he often just has coffee. After class, he usually goes out with his roommate, Harry. They sometimes spend time in a coffee shop, but they never stay out late. Pierre goes to bed after he finishes his assignment, sometimes as late as 10 p.m. In winter, Pierre rarely goes out. He doesn't like the cold. In spring, he sometimes goes to the park with his friends. They have a picnic or read a book. In summer, he likes going to the beach. Finally, in fall, he usually visits a museum or stays at home watching his favorite series. Pierre doesn't like having planned days. He takes pleasure in wondering what the next day will be like. For him, every day is a surprise. Avez-vous compris de quoi ce texte s'agit-il? Nous allons l'écouter encore une fois. Pierre is a student of economics in our university. He is from Paris, France. His days are rarely the same, he shares with us, but his move from Paris to New York has been and continues to be an adventure. He always wakes up early, around 7 or 8 a.m., to get ready for his class. Sometimes, when he has the time, he has breakfast at the canteen. He rarely has a big breakfast. In fact, he often just has coffee. After class, he usually goes out with his roommate, Harry. They sometimes spend time in a coffee shop, but they never stay out late. Pierre goes to bed after he finishes his assignment, sometimes as late as 10 p.m. In winter, Pierre rarely goes out. He doesn't like the cold. In spring, he sometimes goes to the park with his friends. They have a picnic or read a book. In summer, he likes going to the beach. Finally, in fall, he usually visits a museum or stays at home watching his favorite series. Pierre doesn't like having planned days. He takes pleasure in wondering what the next day will be like. For him, every day is a surprise. Avez-vous compris quelques éléments du texte? Pierre, contrairement à Harry, n'aime pas les habitudes. En fait, il s'assure que chaque journée est une surprise. Every day is a surprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous plus d'accord avec la philosophie d'Harry ou avec celle de Pierre? Avez-vous pu entendre d'autres expressions que l'on utilise pour parler de ses activités? Nous avons entendu. Il se réveille tôt. He wakes up early. Il se prépare pour son cours. He gets ready for class. Il passe du temps dans un café. They spend time in a coffee shop. Il reste dehors tard. They stay out late. Il pique -nique. They have a picnic. Il va à la plage. He goes to the beach. Il visite un musée. He visits a museum. Il reste chez lui. He stays at home. Pour qualifier la fréquence de ces activités, on utilise les adverbes rarely, sometimes, always, often ou never. Rarely signifie rarement, sometimes, parfois, always, toujours, often, souvent et never, jamais. En français, les adverbes se placent généralement après le verbe. En anglais, c'est le contraire. Ils se mettent avant le verbe. Regardons quelques exemples. He rarely wakes up early. He always stays out late. Harry and Charlotte often go to the library. They go to the beach sometimes. Sometimes he visits a museum. Pierre never goes to the beach. Quelques éléments importants à retenir. De tous ces adverbes, seulement sometimes peut être utilisé en début de phrase. Ainsi, on peut dire He sometimes stays out late. Ou ⁇ Sometimes he stays out late ⁇ Ou ⁇ He stays out late sometimes ⁇ Cela ne peut pas se faire avec les autres adverbes. Une autre chose, en français, on utilise l'expression ⁇ ne jamais ⁇ pour signifier en aucun temps. Mais en anglais, on emploie tout simplement le mot ⁇ never ⁇ Êtes-vous prêt pour l'entraînement Pour ce premier exercice, écoutez chaque mot et répétez après moi. Faites attention aux syllabes accentuées. Museum, museum. Picnic, picnic. Beach, beach. Home, home. Always, always. Rarely, rarely. Sometimes. Sometimes. Never. Never. Très bien. Deuxième exercice. Complétez les phrases avec les verbes appropriés. N'oubliez pas de les conjuguer au présent. I always out late. La réponse. I always stay out late. In summer, Pierre often to the beach. In summer, Pierre often goes to the beach. He time in the library. He spends time in the library. Pierre and Harry ready for class. Pierre and Harry get ready for class. What time do you a shower What time do you take a shower I breakfast early I have breakfast early Sometimes they a museum Sometimes they visit a museum Pierre some exercises in the gym Pierre does some exercises in the gym We dinner late We have dinner late What time do you to bed What time do you go to bed Excellent travail. Grammar Point. La négation. Négation. Passons maintenant à la partie grammaire. Aujourd'hui, vous allez apprendre à mettre les verbes à la forme négative. Nous avons pu aborder cela rapidement dans les leçons précédentes. La forme négative correspond à l'expression ne pas en français. En anglais, la négation se construit avec le mot not. Puis, on utilise généralement le verbe to do. Avant le verbe d'action. Attention, le verbe qui suit to do n'est pas conjugué. Quelques exemples. I like books devient I do not like books ou I don't like books. We usually have breakfast. We do not usually have breakfast ou we don't usually have breakfast. Pierre and Harry go to the beach. Pierre and Harry do not go to the beach. Pierre and Harry don't go to the beach. I wake up early. I do not wake up early. I don't wake up early. Comme nous avons pu le découvrir dans les dialogues précédents, pour he ou she et uniquement pour ces deux pronoms, le verbe to do se transforme en does. On fait souvent aussi une contraction à l'oral. D'autres exemples. He gets ready for class devient He doesn't get ready for class. I like singing. I don't like singing. Charlotte often stays out late. Charlotte doesn't often stay out late. On a presque fini. Juste une dernière chose à retenir. Quand on formule une phrase au négatif avec le verbe être, on n'a pas besoin du verbe to do. Regardons quelques exemples. I am French devient I am not French. We are students devient We are not students. Pierre and Harry are friends devient Pierre and Harry are not friends. Tout va bien jusqu'ici Faisons un petit peu d'entraînement maintenant. Complétez les phrases avec la forme correcte de to-do après une pause, soit... don't or doesn't pour les transformer au négatif My parents like watching films My parents don't like watching films Pierre go to the beach Pierre doesn't go to the beach My brother Mike listen to music that much my brother Mike doesn't listen to music that much. They have a garden in their house. They don't have a garden in their house. We stay out late. We don't stay out late. Transformer les phrases suivantes à la forme négative après une pause en utilisant do not. Does not or not, too simplement. One. Mr. Adams is a doctor. Mr. Adams is not a doctor. Two. She likes reading. She does not like reading. Three. Pierre and his family go to the beach in summer. Pierre and his family do not go to the beach in summer. 4. I hate horror movies. I do not hate horror movies. 5. She gets up late. She does not get up late. Bravo cher auditeur, vous faites d'énormes progrès. Une astuce Entraînez-vous en décrivant votre journée avec les expressions que nous avons apprises ensemble. Les saisons. The Seasons. Dans l'extrait de l'article que nous avons entendu, les saisons ont été brièvement mentionnées. On dit ⁇ Winter ⁇ pour l'hiver, ⁇ Spring ⁇ pour le printemps, ⁇ Summer ⁇ pour l'été, et ⁇ Fall ⁇ ou Autumn ⁇ pour l'automne. On utilise la préposition ⁇ In ⁇ avant ces saisons. Écoutez et répétez après moi chaque phrase pour vous entraîner. In winter, in winter, in spring, in spring, in summer, in summer, in fall, in fall, in autumn, in autumn. Cultural Point You've Got a Friend Connaissez-vous la chanson You've Got a Friend de Carol King et James Taylor? C'est une chanson classique présentée dans les années 70. Elle a en effet fait l'objet de plusieurs reprises, parmi lesquelles celle de Michael Jackson, Céline Dion et Barbara Streisand. Dans le refrain, on entend l'énumération célèbre des saisons: Winter, Spring, Summer or Fall, All You've Got to Do Is Call. Pourquoi ne pas l'écouter un peu? Peut-être que vous l'aimerez. Maintenant, écoutez chaque monologue et répondez aux questions qui suivent. Harry wakes up every day early, at 7 o'clock. Question: At what time does Harry wake up? Réponse: At 7 o'clock. In summer, Pierre and Harry go to the beach with their friends. Vrai ou faux? True or false? Pierre et Harry vont à la plage l'été. True. Charlotte likes sports, but she doesn't like swimming. True or false? Charlotte aime la natation. False. Charlotte doesn't like swimming. What time is it? It's midnight. True or false? Il est actuellement midi. False. It is midnight. On weekends, Harry never stays out late. True or false? Harry reste tard dehors de temps en temps. False. Harry never stays out late. Harry's parents go to bed at midnight. Do Harry's parents go to bed early or late? Late. Harry's parents go to bed late. We don't go to the coffee shop to read a book. We go to the library. Where do they go to read a book? To the coffee shop or to the library? To the library. C'était super, cher auditeur. Vous faites comme d'habitude un excellent travail. Si vous êtes prêt, vous pouvez passer directement à l'unité qui suit. Mais si vous voulez, vous pouvez répéter les parties précédentes pour vous entraîner. À très bientôt! Unit 6 Harry meets Sally. Harry rencontre Sally. Comment allez-vous aujourd'hui? De mon côté, je suis plein d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous fournir les phrases nécessaires pour proposer un rendez-vous. Vous allez aussi maîtriser le vocabulaire du lieu ainsi que les nombres de 60 à 100. J'espère que vous partagerez mon enthousiasme. Il ne faut pas oublier que le moteur du succès, c'est la motivation. Parfois, l'apprentissage d'une langue peut être difficile. Mais ne baissez pas les bras. Si vous pensez manquer de motivation, pensez au progrès que vous avez fait jusqu'à présent. Et surtout, intégrez vos leçons dans votre planning quotidien. Si vous êtes prêt, allons-y. Part 1. Un accidental meeting. Une rencontre fortuite. Harry n'a jamais pensé qu'il trouverait l'amour de sa vie dans la fac. Mais voilà, lors d'une journée ordinaire, il rencontre une femme exceptionnelle, Sally. C'est le coup de foudre, ou comme on dit en anglais, it was love at first sight. Écoutons le dialogue. Pouvez-vous deviner dans quel lieu il se déroule? I would like to have a ticket for the film Avengers, please. Please choose a seat from the screen. Would that be all? Yes, thank you. Enjoy your film, sir. I'm sorry, are you alright? Yes, I'm okay. You dropped your ticket. Thanks. So, you're watching the Avengers too? Yes, you too? Yeah, been waiting for it for ages. Enjoy the film then. You too. Ecoutons le dialogue encore une fois. I would like to have a ticket for the film Avengers, please. Please, choose a seat from the screen. Would that be all? Yes, thank you. Enjoy your film, sir. I'm sorry, are you alright? Yes, I'm okay. You dropped your ticket. Thanks. So, you're watching The Avengers too? Yes, you too? Yeah, been waiting for it for ages. Enjoy the film then. You too. Alors, avez-vous pu deviner où se déroule le dialogue? Oui, Harry et Sally se sont rencontrés dans un cinéma ou a cinéma en anglais. Continuons à écouter la suite. Pensez-vous qu'Harry et Sally se reverront? Dans le dialogue qui suit, le film est terminé. Harry voit Sally en sortant de la salle. Hi, excuse me, we met earlier. Yes, I remember. Did you enjoy the film? I thought the ending was a bit sad. Yeah, I thought so too. I don't usually do this, but I'd like to take you out for dinner. Do you have plans tonight? I'm not free tonight. How about this Saturday? Saturday works great for me. It's a date then. My name's Harry, by the way. Nice to meet you, Harry. I'm Sally. Et encore une fois. Hi. Excuse me, we met earlier. Yes, I remember. Did you enjoy the film? I thought the ending was a bit sad. Yeah, I thought so too. I don't usually do this, but I'd like to take you out for dinner. Do you have plans tonight? I'm not free tonight. How about this Saturday? Saturday works great for me. It's a date then. My name's Harry by the way. Nice to meet you, Harry. I'm Sally. L'amour est dans l'air, n'est-ce pas? Ou, comme on le dit en anglais, love is in the air. Harry a invité Sally à sortir. En anglais, on appelle un tel rendez-vous social a date. Inviter quelqu'un à une sortie, c'est to ask someone out on a date. Pour proposer un rendez-vous, on utilise l'expression I'd like la forme contractée de I would like. Il correspond à je voudrais ou j'aimerais en français. Écoutons quelques exemples. I'd like to take you out for dinner. Je voudrais dîner avec vous. I'd like to take you out for lunch. Je voudrais aller déjeuner avec vous. I'd like to take you out to the movies. Je voudrais aller avec vous au cinéma. Alternativement, on peut aussi utiliser la tournure "et si" ou "how about" pour indiquer l'heure, le jour ou la date d'un rendez-vous. Par exemple, "I'm not free today, how about tomorrow?" Je ne suis pas disponible aujourd'hui, et si on sortait demain? What time do you want to meet? How about 7 o'clock? Vous voulez qu'on se retrouve à quelle heure? Et si on se retrouvait à 19 heures? Finalement, pour convenir l'heure de rendez-vous, on peut utiliser l'expression Sounds good, sounds great, ou That works great for me. Does 7 p.m. work for you? 19 heures te convient? Yes, that works great for me. Oui, ça me convient. Let's meet at the cinema. Rencontrons-nous au cinéma. Sounds good. Ça me va. Maintenant, écoutez et répétez après moi les expressions suivantes. I'd like to take you out for dinner. I'd like to take you out for dinner. That sounds good. That sounds good. Monday works great for me. Monday works great for me. How about 3 p.m.? How about 3 p.m.? I'd like to take you to the movies. I'd like to take you to the movies. How about Thursday? How about Thursday? I'd like to take you out for lunch. I'd like to take you out for lunch. I am not free today. I am not free today. How about tomorrow? How about tomorrow? I'd like to get to the movies. I'd like to go to the movies. Maintenant, écoutez et complétez les phrases avec le mot approprié. Par exemple, that good. That sounds good. À votre tour. 8 pm great for me. Réponse: 8 pm works great for me. How tomorrow? How about tomorrow? I'd like to… you to the movies. I'd like to take you out to the movies. I'd like to take you… for lunch. I'd like to take you out for lunch. À votre tour maintenant. Imaginez que vous proposez un rendez-vous à quelqu'un en anglais. Quelle phrase utiliserez-vous? Très bien joué. Les jours de la semaine, days of the week. Maintenant que vous savez proposer un rendez-vous, il est temps d'apprendre comment proposer une date exacte. Les jours finissent tous par day, donc la mémorisation n'est pas difficile. Day veut dire littéralement jour. Every day signifie tous les jours. Regardons les jours de la semaine. Lundi, Monday. Mardi. Tuesday. Mercredi, Wednesday. Jeudi, Thursday. Vendredi, Friday. Samedi, Saturday. Dimanche, Sunday. Faisons un petit exercice avant de poursuivre cette partie. Répétez après moi. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Parfait. Continuons alors. Si en français on utilise le ou les avant les jours, en anglais le mot on s'emploie. Par exemple, I go to the library on Mondays. I'm not free on Thursday. I'd like to go out with you on the weekend. Voici encore quelques mots utiles. Le weekend, weekend. Aujourd'hui, today. Demain, tomorrow. Cette semaine, this week. La semaine prochaine, next week. Ce mois, This Month. Le mois prochain, Next Month. Faisons un autre exercice pour améliorer votre vocabulaire. Traduisez les jours suivants en anglais. Je vous donnerai la réponse correcte après vous. Vendredi. Friday. Samedi. Saturday. Mercredi. Wednesday. Lundi Monday Jeudi Thursday Dimanche Sunday Mardi Tuesday Bravo Un dernier exercice compléter le dialogue avec des réponses appropriées. Bien sûr, plusieurs réponses sont possibles. Hey, how are you? A vous de parler. I'm going to the cinema with Harry. Would you like to come with us? Are you free tomorrow? A vous. How about 2 p.m. Great, see you then. Possible réponse. Hey, how are you? I'm fine, thank you. I'm going to the cinema with Harry. Would you like to come with us? Are you free tomorrow? Yes, I am free tomorrow. How about 2 p.m.? That sounds great. Great. See you then. See you. Excellent travail. Avez-vous hâte de savoir si le rendez-vous d'Harry et Sally s'est bien passé? Well? Passons à la deuxième partie de cette unité. Part 2 Setting a date Fixer un rendez-vous. Harry appelle Sally avant leur rendez-vous. Peut-être veut-il s'assurer qu'elle est toujours disponible? Écoutez l'appel téléphonique entre Harry et Sally. Quel est leur projet pour samedi? Hi Sally, it's Harry. How are you? Oh, hi Harry. I'm doing great. How about you? I'm fine, thanks. So, are we still on for Saturday? Of course. Do you have any plans in mind? We can maybe catch a movie if you'd like. Sounds like a plan. What time would you like to meet? Does 5 p.m. work for you? Oh, sorry, but I can't. I have a class until 5. Can we meet at 6 p.m. instead? Sure, I can pick you up in class. We can also grab a bite at a restaurant before the film. Perfect, see you then. Harry et Sally vont bientôt se retrouver. Avez-vous pu repérer l'activité qu'ils vont faire ensemble? En effet, ils vont regarder un film ou catch a movie en langage informel anglais. Ils ont aussi décidé de prendre à manger to grab a bite avant d'aller au ciné. Avez-vous entendu d'autres expressions que l'on utilise pour proposer un rendez-vous? Nous avons entendu C'est toujours ok pour samedi. Are we still on for Saturday? As-tu des idées pour le rendez-vous? Do you have any plans in mind? On peut voir un film. We can catch a movie. Tu veux qu'on se retrouve à quelle heure? At what time would you like to meet? On peut se retrouver à 18 heures. Can we meet at 6 o'clock? Notez qu'on peut utiliser la question would you like to pour proposer de faire une activité ensemble. Par exemple, would you like to go to the coffee shop? Pour indiquer la capacité ou l'incapacité, on utilise can et can't. Regardons quelques exemples. Je ne peux pas sortir lundi prochain. I can't go out on next Monday. On peut se retrouver devant le resto? Can we meet in front of the restaurant? Je peux aller te chercher à 13 heures. »« I can pick you up at 1 pm. Faisons maintenant un peu d'entraînement. Pour ce premier exercice, écoutez les dialogues courts et répondez aux questions par vrai ou faux. Can we meet at 7 pm? Sorry, I can't. Is 8 pm okay? 8 pm works for me. Question. True or false. Ils vont se retrouver à 19h. Votre réponse False. Ils vont se retrouver à 20 heures. Would you like to go to the movies? Yes, I'd love to. Question. True or false? Ils vont regarder un film. Votre réponse. True. Ils vont regarder un film. When would you like to meet? How about tomorrow noon? Sounds good. Question. True or false? Ils vont se retrouver aujourd'hui à midi. Votre réponse. False. Ils vont se retrouver demain à midi. Super. Vous faites de l'excellent travail. Les lieux dans la ville. Places in the city. Vous savez désormais comment proposer une sortie, comment fixer le jour et l'heure. La prochaine étape consiste à apprendre le vocabulaire des lieux dans la ville afin de définir un point de rencontre. Voici quelques lieux communs. Un cinéma. A cinéma. Un mall. A mall. Une église. A church. Un restaurant. A restaurant. Un supermarché. A supermarket. Un bar. A pub. Une boîte. A club. Un théâtre. A theater. Une banque. A bank. Un hôtel. A hotel. La poste. The post office. Nous allons maintenant travailler sur la prononciation. Répétez après moi. Un cinéma. A cinéma. A, cinema. A mall. A mall. A church. A church. A restaurant. A restaurant. A supermarket. A supermarket. A pub. A pub. A club. A club. A theater. A theater. A bank. A bank. A hotel. A hotel. A post office. A post office. À l'aide des indices, trouvez le lieu d'écrit. Par exemple, question Où fait-on du shopping Réponse We shop at the mall. Maintenant, à votre tour. Où on regarde des films We watch films in the cinema où on prie we pray in the church où on danse we dance in a club où on regarde des pièces de théâtre we watch plays in the theater où on dépose de l'argent we deposit money in a bank où on dort pendant les vacances? We sleep in a hotel during vacation. Où on envoie des lettres? We send letters at the post office. Où on boit avec des amis? We drink with friends in a pub. Où on fait les courses? We go grocery shopping in a supermarket. Ou un chef nous prépare des repas. A chef prepares us a meal in a restaurant. Très bien. Cultural point: When Harry met Sally. When Harry met Sally. Ou quand Harry a rencontré Sally. Est en fait un film romantique très classique aux États-Unis, sorti en 1989. Il s'agit des multiples rencontres des personnages Harry et Sally durant douze années, d'où le titre. C'est de genre comédie romantique, aussi appelé rom-com en anglais. Il est qualifié par beaucoup de critiques comme l'un des meilleurs rom-com et a inspiré beaucoup d'autres ouvrages filmiques. Avez-vous le temps de regarder ce film Si oui, n'oubliez pas qu'il serait plus efficace de le regarder en version originale. Puis sous-titrer dans votre langue. Bon film! Part 3: Numbers 60 to 100. Les nombres de 60 à 100. Nous allons finir cette unité en mettant le point sur les nombres de 60 à 100. D'abord, un rappel, on a appris la numérotation de 20 à 50 dans l'unité 2. 20, 30, 40, 50. Vous en souvenez-vous Pour dire 60, on dit 60. 70, 70. 70. 80, 80. 80. 90, 90. 90. 100, 100. 100. Comme vous le savez, les nombres dans chaque set de 10 emploient une combinaison de ces mots avec les nombres de 1 à 9. Par exemple, comptons de 60 à 70. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Sixty-eight, sixty-nine, seventy. Ensuite seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, seventy-six, seventy-seven, seventy-eight, seventy-nine. 80. Et ainsi de suite. Êtes-vous prêt pour un exercice? Écoutez et continuez à compter à chaque pause. 80. 82. 84. 86. 88. 90. Réponse. 80. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 60 62 64 66 68

Seventy nine, fifty three, fifty five, fifty seven, Réponse seventy eight, seventy nine, eighty, fifty three, fifty four. 55 56 57 58 59 60 Vous vous en sortez très bien. Maintenant, essayez de dire votre numéro de téléphone en anglais. Bravo Écoutez chaque monologue et répondez aux questions qui suivent. Hi Sally, I would like to invite you to dinner at a restaurant. Question Vrai ou faux? Harry invite Sally à déjeuner dans un restaurant. Votre réponse Faux. Harry invite Sally à dîner. Harry is not free on weekends. Question Vrai ou faux? Harry est disponible les samedis. Votre réponse. Faux. Harry n'est pas disponible les week-ends. Would you like to go to a pub next week? Question. Vrai ou faux? Le locuteur invite quelqu'un à aller dans un bar demain. Votre réponse. Faux. Pas demain, mais la semaine prochaine. Faisons un autre exercice. Cette fois-ci, essayez de répondre aux questions avec les expressions que vous avez apprises. Are you free tomorrow for dinner? What is your phone number? What places are there in your neighborhood? Possible réponse. Are you free tomorrow for dinner? Sorry, I am not free tomorrow. What is your phone number? My phone number is 0133445566. What places are there in your neighborhood? In my neighborhood, there is a bank, a hotel, a mall, and a post office. Bravo! Votre progrès est rapide. Dans l'unité suivante, nous allons voir comment se déroule le rendez-vous d'Harry et de Sally. À bientôt! Unit 7: Out on a date. En rendez-vous. Aimeriez-vous pouvoir commander dans un restaurant en anglais? Vous allez pouvoir le faire en un rien de temps. Aujourd'hui, nous allons parler des restos et de la nourriture. Nos leçons sont de plus en plus avancées. Vous vous retrouvez peut-être en territoire inconnu. Vous allez peut-être faire des erreurs. Mais savez-vous que faire des erreurs, c'est en fait une bonne chose C'est précisément à travers ces erreurs que vous allez apprendre. Rappelez-vous, alors que nous abordons cette leçon, qu'il ne faut jamais culpabiliser pour ces erreurs. Dans cet esprit, commençons la leçon. Part 1 A date at the restaurant. Un rendez-vous dans un restaurant. L'unité précédente s'est terminée avec Harry invitant Sally à sortir. Que se passe-t-il ensuite Découvrons-le. Écoutez le dialogue entre Harry et Sally. Pouvez-vous deviner dans quel lieu il se déroule Hi, my book to table for two. It's under the name of Harry Smith. Right this way. Thank you. Can I see the menu? Here you go. May I take your order? Yes, I think we're ready. Sally? Yes. Would you like any appetizers today? Yes, I would like to have a roasted vegetable salad. I'll take the coconut shrimp. Great. For the main meal? I would like to have steak with potatoes. How do you want that done? Medium rare, please. I'll have the chicken parmesan. Is this served with salad? Yes, besides is the salad. Would that be okay? Sounds perfect. Anything to drink? Just a glass of water. Orange juice for me. And for dessert? Can I have a slice of chocolate cake? I'm sorry, I think we've run out. I can recommend the carrot cake if you'd like. That'd be great. I would like the key lime pie. Sounds good. Anything else I can help you with? That'd be all. Thank you. Comme vous l'avez peut-être deviné, le dialogue se déroule dans un restaurant. Écoutons le dialogue encore une fois. Hi, I booked a table for two. It's under the name of Harry Smith. Right this way. Thank you. Can I see the menu? Here you go. May I take your order? Yes, I think we're ready. Sally? Yes. Would you like any appetizers today? Yes, I would like to have a roasted vegetable salad. I'll take the coconut shrimp. Great for the main meal i would like to have steak with potatoes how do you want that done medium rare please i'll have the chicken parmesan is this served with salad yes besides caesar salad would that be okay sounds perfect anything to drink just a glass of water. Orange juice for me. And for dessert? Can I have a slice of chocolate cake? I'm sorry, I think we've run out. I can recommend the carrot cake if you'd like. That'd be great. I would like the key lime pie. Sounds good. Anything else I can help you with? That'd be all. Thank you. Avez-vous repéré les expressions que l'on utilise pour commander dans un restaurant? Petit indice, nous les avons apprises dans l'unité précédente. Oui, on utilise en effet les expressions I'd like, forme contractée de I would like et can I. Regardons quelques exemples. I would like to have a roasted vegetable salad. Je voudrais une salade de légumes rôtis. I would like a cup of coffee. Je voudrais une tasse de café. Can I have a slice of chocolate cake? Puis-je avoir une tranche de gâteau au chocolat? Quand on utilise la tournure I would like le verbe to have n'est pas nécessaire. Ainsi, on peut dire I would like to have ou I would like tout simplement. Parfois, vous allez également entendre l'expression I'll have qui signifie littéralement je vais avoir. Par exemple, I'll have a cup of coffee, please. Le vocabulaire de la nourriture. Food Vocabulary. Maintenant que vous savez comment commander dans un resto, il faut quand même apprendre quoi commander. Commençons par les parties d'un repas. On dit appetizer pour l'apéritif, main entree ou main course pour le plat principal, dessert pour le dessert et drinks pour les boissons. Faisons un exercice avant de continuer. Répétez les parties d'un repas après moi. Appetizer. Appetizer. Main entrée. Main entrée. Main course. Main course. Dessert. Dessert. Drinks. Drinks. Parfait. Passons maintenant au vocabulaire de la nourriture. La liste suivante vous donne quelques mots pour commencer. Apple. Pomme. Bread. Pain. Carrot. Carotte. Chicken. Poulet. Chocolate cake. Gâteau au chocolat. Egg. Œuf. Juice. Jus. Key lime pie. Tarte au citron vert. Meat. Viande. Pasta. Pâtes. Potatoes. Pommes de terre. Rice. Riz. Salade. Salade. Shrimp. Crevette. Steak. Steak. Water. Eau. Répétez chaque mot en faisant attention aux syllabes accentuées. Apple, apple. Bread, bread. Carrot, carrot. Chicken, chicken. Chocolate cake, chocolate cake. Egg. Egg juice, juice, key lime pie, key lime pie, meat, meat, pasta, pasta, potatoes, potatoes, rice. Rice Salad Salad Shrimp Shrimp Steak Steak Water Water À votre tour maintenant. Quel type de nourriture aimez-vous Utilisez le vocabulaire que nous avons appris et l'expression I like ou I love. Parfait. Cultural Point. All American Apple Pie, la tarte typiquement américaine. Aux États-Unis, il existe une expression populaire, aussi américaine que la tarte aux pommes, ou as American as Apple Pie. Elle est utilisée pour décrire quelque chose de typiquement américain. Par exemple, on peut dire Football is as American as apple pie. Cet idiome est apparu pour la première fois dans un livre, dans les années 1600. Dans les années 40, c'est devenu une manière d'exprimer le patriotisme. Aujourd'hui, la tarte aux pommes est l'un des desserts américains les plus connus. Ils la font cuire pour les vacances, comme pour Noël, le 4 juillet, c'est-à-dire le jour de l'indépendance et pour le jour d'action de grâce appelé Thanksgiving. Part 2. Leaving the restaurant. Quitter le restaurant. Harry et Sally ont fini leur repas. Il est temps de régler l'addition. Écoutez le dialogue. Pouvez vous repérer comment on dit l'addition en anglais? All finished here? Yes, thank you. The meal was delicious. Can we have the bill, please? Yes, I'll be right back. Here you go. That'd be 45. Do you accept credit card? Sorry, we're having some problems with our reader. We can only accept cash at the moment. No problem. Thank you very much. I'll be back with the change. You can keep the change. Thank you. Have a great night. Alors, avez-vous pu repérer comment on dit l'addition en anglais? Oui, c'est très simple. On dit Bill. Écoutons le dialogue encore une fois. All finished here? Yes, thank you. the meal was delicious can we have the bill please yes i'll be right back here you go that'd be forty-five do you accept credit card sorry we're having some problems with our reader we can only accept cash at the moment no problem Thank you very much. I'll be back with the change. You can keep the change. Thank you. Have a great night. On peut aussi parfois utiliser le mot check pour se référer à l'addition. Pour la demander, on peut dire Can I have the bill? ou Can we have the check please? On peut demander quelle forme de paiement est acceptée par le restaurant pour éviter l'embarras. Do you accept cash? Acceptez-vous les espèces? ou Do you accept credit card? Acceptez-vous les cartes de crédit? Après paiement, vous avez le choix de ne pas prendre le change. On dit tout simplement You can keep the change. Vous pouvez garder le change. Faisons un exercice avant de continuer. Répétez les expressions après moi. Can I have the bill? Can I have the bill? Can we have the check please? Can we have the check please? Do you accept cash? Do you accept cash? Do you accept credit card? Do you accept credit card? You can keep the change. You can keep the change. Notez qu'en anglais, lorsqu'on pose une question, l'intonation est ascendante et le dernier mot est accentué. Comme dans Can I have the bill? Répétez après moi. Can I have the bill? Un autre exercice? Allons-y. Complétez les phrases suivantes avec le verbe manquant approprié. Par exemple. Can I the bill? Réponse. Can I have the bill? À vous. Can we the check please? Can we have the check please? Do you cash? Do you accept cash? Do you credit card? Do you accept credit card? You can the change. You can keep the change. Bravo! Maintenant, vous pouvez commander dans un restaurant sans souci. Écoutons un deuxième dialogue. Harry et Sally pensent à ce qu'ils peuvent faire pour leur deuxième rendez-vous. Pouvez-vous deviner quelle est leur prochaine activité prévue That was a great meal. I agree. So Sally, I'd like to see you again if that's okay with you. I'd like that too. Do you want to eat in a restaurant again next week? I was thinking more of cooking for you. My friends and I are having a small house party. What do you say? Sounds like fun. I can bake a cake if your friends have a sweet tooth. I do, if it's not too much trouble. No problem. I can even help with the groceries. I was supposed to buy the groceries myself. We can do it together. When is the party? It starts at 5 p.m. Sunday. Great. What time do we go to the grocery? Around 3? Works for me. Do you want me to pick you up? I'll be at the coffee shop. I work there now. It's a part-time job. Okay then. I'll wait at the park right across till you finish. I need to study anyways. I'll meet you there. It's a date, then. Ils ont prévu d'aller à une fête chez un ami d'Harry. Harry va cuisiner et Sally va faire un gâteau. En plus, ils ont pensé à faire les courses ensemble. Sympa, non? Encore une fois. That was a great meal. I agree. So, Sally, I'd like to see you again, if that's okay with you. I'd like that too. Do you want to eat in a restaurant again next week? I was thinking more of cooking for you. My friends and I are having a small house party. What do you say? Sounds like fun. I can bake a cake if your friends have a sweet tooth. I do. If it's not too much trouble. No problem. I can even help with the groceries. I was supposed to buy the groceries myself. We can do it together. When is the party? It starts at 5 p.m., Sunday. Great. What time do we go to the grocery? Around 3. Works for me. Do you want me to pick you up? I'll be at the coffee shop. I work there now. It's a part time job. Okay then. I'll wait at the park, right across, till you finish. I need to study anyways. I'll meet you there. It's a date then. Quelques verbes communs. Dans le dialogue précédent, nous avons entendu quelques verbes communs en anglais. On va ajouter ces verbes à votre vocabulaire personnel. Savez-vous qu'en sachant seulement 500 mots en anglais, un touriste peut normalement se débrouiller dans un pays anglophone Oui, donc il est très important de travailler sur les mots les plus utilisés dans une langue. Sans tarder, on y va. Nous avons entendu to see, qui veut dire voir. To eat, manger. To cook, cuisiner. To bake. Cuire, to help, aider, to buy, acheter, to start, commencer, to go, aller, to work, travailler, to wait, attendre, to study, étudier, to meet, rencontrer. Prêt pour un exercice Écoutez et répétez chaque mot. To see, to see. To eat, to eat. To cook, to cook. To bake, to bake. To help, to help. To buy, to buy. To start, to start to go to go to work to work to wait to wait to study to study to meet to meet très bien faisons un deuxième exercice Formulez une phrase à l'aide des éléments donnés. Par exemple, les mots donnés Sally bake cake. Réponse Sally bakes cake. À votre tour maintenant. Harry and Sally buy groceries. À vous. Harry and Sally buy groceries. Party start 7 p.m. the party starts at 7 p.m. sally work coffee shop. sally works at a coffee shop. she study library. she studies in the library. they meet 9 a.m. They meet at 9 am. Phew! Ça, ce n'était pas évident, n'est-ce pas? Pas d'inquiétude à avoir. Prenez votre temps à mémoriser ces verbes et surtout, n'hésitez pas à répéter la partie vocabulaire si vous oubliez quelques termes. Part 3 Grocery Shopping Faire les courses. Harry et Sally se sont rencontrés pour préparer la fête avec leurs amis. Ils sont dans un supermarché. Écoutez la liste de courses d'Harry. Pouvez-vous deviner quel plat principal ils pensent faire? For appetizer Some bread, a bottle of wine. For the main course, one pound ground beef, an onion. 8 slices of cheddar cheese. 4 hamburger buns. A head of lettuce. A bottle of ketchup. A bottle of mayonnaise. Some salt and pepper. For the dessert. Some flour. Some carrots. Some sugar. 3 eggs. Avez-vous pu deviner quel plat principal Harry pense faire? Écoutons encore une fois. For appetizer, some bread, a bottle of wine. For the main course, 1 pound ground beef, an onion, eight slices of cheddar cheese, four hamburger buns, a head of lettuce, a bottle of ketchup. A bottle of mayonnaise. Some salt and pepper. For the dessert. Some flour. Some carrots. Some sugar. Three eggs. Alors, quel plat principal Harry pense faire? Oui, il veut faire un cheeseburger. La nourriture. Food. Dans la liste de courses de Harry, vous avez entendu quelques mots de la nourriture que vous ne connaissez pas encore. Wine, qui veut dire vin. Beef, bœuf. Onion, oignon. Cheese, fromage. Hamburger bun, pain burger. Lettuce, laitue. Ketchup, ketchup. Mayonnaise. Mayonnaise. Salt. Sel. Pepper. Poivre. Flour. Farine. Sugar. Sucre. Eggs. Euf. Et voilà le premier exercice. Écoutez et répétez chaque mot en faisant attention aux syllabes accentuées. Wine. Wine. Beef. Beef Onion Onion Cheese Cheese Hamburger Bun Hamburger Bun Lettuce Lettuce Ketchup Ketchup Mayonnaise Mayonnaise Salt, salt. Pepper, pepper. Flour, flour. Sugar, sugar. Eggs, eggs. Bravo. Grammar point. A, an, ou some. Lorsqu'une chose est dénombrable, on peut préciser sa quantité par un nombre. Par exemple, on peut dire one carrot, two carrots, et ainsi de suite. Pour ce type de mots, on peut également utiliser a ou un. Par exemple, a carrot ou an apple. Par contre, pour certains objets, il n'est pas possible de préciser la quantité par un nombre. Par exemple, on ne peut pas dire two sugars. Dans ce cas, on peut utiliser le mot some, et dire some sugar. Pour faciliter la compréhension, on peut comparer ce some à de, du et de là en français. En anglais, il y a beaucoup d'objets non dénombrables. Parmi ces objets sont bread, lettuce, salt, pepper les boissons en général comme water, wine et milk. Pour ces mots, il est très commun d'utiliser des expressions de quantité définie comme a loaf of bread. A head of lettuce. A pinch ou une pincée of salt and pepper. A bottle of water. A bottle of wine. A glass of milk. Etc. Pour différencier les deux types d'objets et savoir utiliser les expressions définies, c'est vraiment une question d'habitude. Cela étant dit, passons maintenant à l'entraînement. On vous donne un ingrédient. Pensez à l'expression que l'on peut utiliser pour préciser sa quantité. Par exemple, le mot donné bread. On peut dire some bread ou a loaf of bread. Allez, à votre tour. Dites la réponse juste après moi. Je vous donnerai des réponses possibles après vous. Potatoes. A potato. Some potatoes. Three potatoes. Wine. Some wine, a bottle of wine. Salt. Some salt, a pinch of salt. Eggs. Three eggs, an egg. Ketchup. A bottle of ketchup, some ketchup. Flour. Some flour. Onion. An onion. Two onions. Juice. A bottle of juice. Some juice. Rice. Some rice. Hamburger bun. A hamburger bun. 5 Hamburger Buns. Vous pensez avoir bien pris le coup de main? Bravo, votre progrès est impressionnant. Pour résumer cette unité, nous allons faire quelques derniers exercices. Imaginez que vous êtes dans un restaurant. Vous voulez commander un certain plat. Formulez vos phrases de commande à l'aide des expressions étudiées. Comment commandez-vous une salade? Des pâtes? Comment commandez-vous du poulet en anglais? Un verre d'eau? Une tarte? Réponse possible: I'd like to have a salad, please. I'll have pasta, please. Can I have the chicken? I'll take a glass of water. I'd like to take a pie. Très bien. Deuxième et dernier exercice. Terminons en beauté. Le plat que vous allez cuisiner est indiqué. De quels ingrédients auriez-vous besoin pour l'accomplir? C'est à vous de choisir. Un apple pie. Un omelette. Steak with potatoes. Chicken with rice. Salad. Réponse possible. For an apple pie, we need some flour, some sugar, 10 apples. For an omelette. Four eggs, some carrots, an onion, some salt, and pepper. Steak with potatoes. Beef, some potatoes. Chicken with rice. A pound of chicken, some rice. Salad. A head of lettuce, some salt, and pepper, some carrots. Impressionnant! Vous avez bien fait! Notre unité se termine ici, mais votre aventure avec Harry continue. À la prochaine unité, chers auditeurs! Unit 8: Welcome to New York. Bienvenue à New York. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons voyager. La destination? New York. Vous allez apprendre des expressions que l'on utilise lors des voyages. Vous allez également pouvoir demander et indiquer votre chemin. Vous savez bien que l'immersion est indispensable dans l'apprentissage d'une langue, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à New York pour vous entraîner. Que diriez-vous de regarder un film en anglais Ou mieux encore, une très longue série. Cela vous aidera à améliorer votre compréhension orale, prononciation et même à apprendre de nouveaux mots. Quelques conseils. L'audio doit être en anglais. Si nécessaire, vous pouvez mettre les sous-titres en français. Quand vous rencontrez un nouveau mot, notez-le par écrit dans votre carnet, là où vous pouvez le voir tous les jours. C'est parti pour la leçon. Bon voyage, cher ami. Part 1 In the City Dans la ville. Harry et Sally veulent découvrir la ville de New York ensemble ils se préparent pour leur visite touristique. écoutez le dialogue entre harry et sally. so, sally, are you ready for our trip this weekend? i'm really excited. we should probably have a plan, though, some kind of itinerary. i agree. first, how do you want us to get around? We can probably take the bus or the train if it's too far. Then just walk if the places we visit are near each other. We can also take a scooter. I don't know. I don't really like riding a scooter. Or we can borrow a friend's car. I know how to drive. Sounds great. Quel type de transport vont-ils finalement prendre pour faire un tour de la ville? Écoutons le dialogue encore une fois. So, Sally, are you ready for our trip this weekend? I'm really excited. We should probably have a plan, though, some kind of itinerary. I agree. First, how do you want us to get around? We can probably take the bus or the train if it's too far. Then, just walk if the places we visit are near each other. We can also take a scooter. I don't know. I don't really like riding a scooter. Or we can borrow a friend's car. I know how to drive. Sounds great. En effet, ils ont décidé de prendre une voiture. C'est un petit voyage par la route ou comme on le dit en anglais, a road trip. Avez-vous repéré les différents mots liés au voyage et au transport Nous avons entendu a trip qui signifie un voyage. Puis quand on voyage, on fait un itinéraire ou un itinéraire. On a plusieurs possibilités en ce qui concerne le transport afin de pouvoir se déplacer ou to get around. On peut marcher to walk, prendre le bus ou le train to take a bus or a train, prendre un scooter to ride a scooter ou conduire une voiture to drive a car. Cela dépend bien sûr de la distance. Un lieu peut être loin ou far, mais il peut être aussi proche ou near. Regardons quelques exemples. The school is far, so the students take the bus. L'école est loin, donc les étudiants prennent le bus. Can you drive a car? Savez-vous conduire une voiture? It's near, so we can just walk. C'est près d'ici, donc on peut marcher. Faisons un premier exercice. Écoutez et répétez après moi. A trip. A trip. An itinerary. An itinerary. To walk. To walk. To take a bus. To take a bus. To take a train. To take a train. To ride a scooter. To ride a scooter. To drive a car. To drive a car. Far. Far. Near. Near. Cette fois-ci, complétez les phrases avec les verbes appropriés. Par exemple, she a bus to school every day. She takes a bus to school every day. À vous de jouer. Can you a car? La réponse, can you drive a car? I don't like a scooter. I don't like riding a scooter. you have to the train to get there you have to take the train to get there the school is near so we just to get there the school is near so we just walk to get there excellent avez-vous hâte de savoir quel lieu touristique harry et sally vont visiter continuons à écouter le dialogue Harry and Sally prepare leur itinéraire. Pouvez vous repérer leur dernière destination? So, where should we go? I brought a guidebook. We can check for a list of tourist spots. Great! Let's see. There is, of course, the Statue of Liberty. We definitely can't miss that. It's iconic. True. There's also Central Park. We can walk around. I heard the lake is very calm and beautiful. How about the Metropolitan Museum of Art? Do you like museums? I do. I heard this museum is just fascinating. How about the Empire State Building? We can take some pictures. Great idea. I've seen it before and it's majestic. Then at night, we can head to Times Square. We can grab dinner too, if you'd like. There's a famous restaurant nearby. Sounds great, but Times Square tends to be crowded. Will you be okay? There's no problem at all. It's going to be fun. Ecoutons le dialogue encore une fois. So, where should we go? I brought a guidebook we can check for a list of tourist spots. Great! Let's see. There is of course the Statue of Liberty. We definitely can't miss that. It's iconic. True. There's also Central Park. We can walk around. I heard the lake is very calm and beautiful. How about the Metropolitan Museum of Art? Do you like museums? I do. I heard this museum is just fascinating. How about the Empire State Building? We can take some pictures. Great idea. I've seen it before and it's majestic. Then at night we can head to Times Square. We can grab dinner too if you'd like. There's a famous restaurant nearby. Sounds great. But Times Square tends to be crowded. Will you be OK? There's no problem at all. It's going to be fun. Pouvez-vous repérer la dernière destination de Harry et Sally? Leur dernière destination est Times Square. Connaissez-vous ce quartier de New York? Il est surtout célèbre pour la Ball Drop pendant le Nouvel An, où une boule lumineuse descend lentement sur le toit du One Times Square à minuit pile. Décrire un lieu touristique. Describing a tourist spot. Tourist spots signifie lieu touristique. À New York, on trouve des musées, museums, des statues, statues, des bâtiments, buildings et des lacs, lakes. Pour décrire un objet, un lieu ou une personne, on utilise des adjectifs. On peut dire par exemple, it's a beautiful lake. C'est un beau lac. Avez-vous compris les adjectifs mentionnés dans le dialogue? Iconic signifie emblématique. Par exemple, The Statue of Liberty in New York is iconic. Calm signifie calme. Beautiful beau. Fascinating fascinant. Majestic majestueux. Famous célèbre. Crowded bondé. Fun amusant. Faisons un exercice avant de continuer. Écoutez et répétez les phrases suivantes. An iconic statue. An iconic statue. A beautiful lake. A beautiful lake. A majestic building. A majestic building. A famous restaurant. A famous restaurant. A crowded museum. A crowded museum. A fun experience. A fun experience. Parfait! Comme vous avez pu le remarquer, les adjectifs se placent généralement avant le nom en anglais. On dit ainsi a famous restaurant pour signifier un restaurant célèbre. Aussi, nous avons appris précédemment qu'en anglais, les noms n'ont pas de genre. C'est pour cela que les adjectifs n'ont qu'une seule forme. Êtes-vous prêt pour un deuxième exercice Décrivez les lieux touristiques donnés à l'aide des adjectifs appris. Plusieurs réponses sont possibles. For example, le mot donné A building. La réponse possible A majestic building. À votre tour maintenant. A university. A coffee shop. A library. A lake. A park. A museum. Réponse possible. A crowded university. A famous coffee shop. A beautiful library. A calm lake. A crowded park. A famous museum. Bravo! Pourriez-vous parler des lieux touristiques dans votre ville? Utilisez la structure suivante. In my city, there is a museum, the Musée du Louvre. It is a beautiful museum. Encore une fois, je vous donne un exemple. In my city, there is a museum, the Musée du Louvre. It is a beautiful museum. Ben Allez-y, c'est à vous de jouer. Parfait. Cultural Point All about New York. Tout sur New York. New York est la ville la plus peuplée des États-Unis. Elle porte le plus souvent le surnom. The Big Apple, la grosse pomme. L'appellation de Big Apple a été popularisée par le journaliste Jay Fitzgerald dans les années 20. Le Apple, dans cette expression, correspondait originalement aux récompenses des vainqueurs des courses. Parfois, on dénomme New York aussi comme « the city that never sleeps », la ville qui ne dort jamais. Ce surnom, rendu célèbre par le musicien Frank Sinatra, fait allusion au fait que la ville est toujours vivante, même pendant la nuit. 2. Getting to the museum. Se diriger vers le musée. C'est le jour du voyage. Harry et Sally ont pris la voiture, mais un problème est survenu. Ils se sont perdus. Harry demande le chemin à un passant. Le musée se trouve-t-il toujours loin? Excuse me, sir. Sorry to interrupt your jog. We are a bit lost. Could you please help us? Of course. Where do you need to go? May I ask how to get to the Metropolitan Museum of Art? Is it far from here? Oh, it's not too far from here. Around 5 minutes. You have to turn left on the next street. That'll be the 5th Avenue. From there, just go straight. You'll see the museum on your right. I see. Thank you so much. No problem. Have a great day. Alors, le musée se trouve-t-il toujours loin Écoutons le dialogue encore une fois. Excuse me, sir. Sorry to interrupt your jog. We are a bit lost. Could you please help us? Of course. Where do you need to go? May I ask how to get to the Metropolitan Museum of Art? Is it far from here? Oh, it's not too far from here. Around 5 minutes. You have to turn left on the next street. That'll be the Fifth Avenue. From there, just go straight. You'll see the museum on your right. I see. Thank you so much. No problem. Have a great day. Le musée est loin? La réponse est non. Comme le dit le passant, it's not too far from here. Around five minutes from here. Pas trop loin alors, environ cinq minutes pour y arriver. Avez-vous pu comprendre comment demander son chemin Passons maintenant aux expressions que l'on utilise. Il faut tout d'abord attirer l'attention de quelqu'un poliment. On peut dire excuse me, excusez-moi, could you help me Pourriez-vous m'aider Could you please help us Pourriez-vous nous aider s'il vous plaît We are lost. Nous sommes perdus. Pour demander son chemin. On peut dire May I ask how to get to Puis-je demander le chemin pour aller à Could you give us directions to Pourriez-vous nous indiquer le chemin pour aller à Is it far from here Est-ce loin d'ici Travaillons sur la prononciation. Écoutez et répétez les expressions. Excuse me. Excuse me. Sorry. Sorry. Could you help me? Could you help me? Could you please help us? Could you please help us? We are lost. We are lost. May I ask how to get to? May I ask how to get to? Could you, give us directions to... Could you give us directions to Is it far from here? Is it far from here? À votre tour maintenant. Imaginez que vous vous êtes perdu. Vous cherchez le centre commercial ou the mall en anglais. Quelle phrase utiliseriez-vous pour demander le chemin? Allez-y. Voici quelques exemples de réponses. Excuse me, I'm lost. Could you please help me? May I ask how to get to the mall? Votre réponse était-elle similaire? Bravo! Passons maintenant à l'indication du chemin. Tout d'abord, apprenons un peu de vocabulaire. Une rue en anglais, c'est a street. Une avenue, c'est an avenue. Gauche, left. Droite, right. Tout droit, straight. Pour indiquer le chemin, on utilise les verbes to take ou prendre, to turn ou tourner, et to go ou aller. Quelques exemples. Turn left after the traffic lights. Tournez à gauche après le feu. Take the first street on your right. Prenez la première rue à droite. Go straight on Main Avenue. Allez tout droit sur Main Avenue. Turn right here. Tournez à droite ici. Turn left on Houston Street. Tournez à gauche à Houston Street. C'est le moment de s'entraîner. Êtes-vous d'accord Travaillons sur la prononciation. Écoutez et répétez après moi les mots et phrases suivants. A street. A street. An avenue. An avenue left, left, right, right, straight, straight, take, take, turn, turn, go, go, turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Take the first street. Take the first street. Go straight on Main Avenue. Go straight on Main Avenue. Excellent travail! Faisons un autre exercice. Complétez les phrases avec les verbes appropriés. Plusieurs réponses sont parfois possibles. Par exemple, go straight and then right on 5th Avenue. La réponse, go straight and then turn right on 5th Avenue. À vous maintenant. May I ask how to to the museum? La réponse, may I ask how to get to the museum? Mm, the first street on your left. Take the first street on your left. Turn left, then straight ahead. Turn left, then go straight ahead. Très bien, mon cher ami. Phew! Ça, ce n'était pas aussi simple, n'est-ce pas? Pas d'inquiétude à avoir. Prenez votre temps pour mémoriser ces expressions et surtout, n'hésitez pas à répéter la partie vocabulaire si vous oubliez quelque chose. Si vous avez le temps, prenez une carte et imaginez que vous indiquez le chemin à quelqu'un pour qu'il arrive à un certain lieu. L'entraînement est essentiel. Si vous êtes prêt, passons à la dernière partie de cette unité. POP 3. Faire du shopping. Shopping. Harry et Sally vont au Queen's Place Mall pour faire du shopping. Sally veut aller dans un magasin de vêtements ou une boutique. Écoutez le dialogue. Pouvez-vous énumérer tous les produits achetés par Sally? Can I help you? Yes, please. I'm looking for a black dress. What do you think of this one? I think that suits my style. How much does it cost? It's on sale. So, just $50. I see. It would look nice with these shoes and this bag. How much are the shoes and the bag? The shoes cost $70 and the bag is at $400. I think the bag's a little bit too expensive for me. Do you have stockings? Yes, at $20 each. How many would you like to take? Just one pair of stockings, please. I'll also take the dress and the shoes. That'd be $140. Would you like a receipt? Écoutons encore une fois. C'est parti. Can I help you? Yes, please. I'm looking for a black dress. What do you think of this one? I think that suits my style. How much does it cost? It's on sale. So, just $50. I see. It would look nice with these shoes and this bag. How much are the shoes and the bag? The shoes cost $70 and the bag is at $400. I think the bag's a little bit too expensive for me. Do you have stockings? Yes, at $20 each. How many would you like to take? Just one pair of stockings, please. I'll also take the dress and the shoes. That'd be $140. Would you like a receipt? Alors, Sally, qu'est-elle qu achetée? Elle a acheté des collants, stockings, une robe, a dress, et des chaussures, shoes. Elle a décidé de ne pas acheter le sac parce qu'il était trop cher. En anglais, on peut dire cheap pour qualifier des produits abordables et expensive pour ceux qui sont chers. Grammar point. Passons maintenant à la grammaire. Pour demander le prix ou la quantité, on utilise les expressions how much et how many. Vous souvenez-vous des noms dénombrables et non dénombrables On utilise ces mêmes règles pour how much et how many. Par exemple, on peut dire how much wine do you drink every day Littéralement, combien de vin buvez-vous tous les jours Car wine n'est pas dénombrable. Pareil, on peut dire How much time is left? Combien de temps reste-t-il? Pour le prix, on utilise donc how much et non how many. Par exemple, how much is this? Cela coûte combien? Mais lorsqu'on se réfère à un objet dénombrable, on utilise how many. Par exemple, how many apples are there? Combien y a-t-il de pommes? How many bags can Sally buy? Combien de sacs Sally peut-elle acheter? Voyez-vous la différence entre les deux expressions Avant de passer à l'entraînement, une petite note. Quand on utilise ces expressions, on forme la question avec l'inversion. La formule est donc ⁇ How many ⁇ ou ⁇ How much ⁇ plus verbe plus sujet. Par exemple ⁇ How much is the bag ⁇.⁇ How much plus le verbe is plus le sujet bag ?⁇ Tout est clair jusqu'ici Faisons un exercice avant de continuer. Je vous donnerai les éléments et vous formulerez une question en utilisant l'expression How many is are there ou How much is are there? Par exemple, le mot donné Apples. La question How many apples are there? À votre tour. Museums. Votre question. La question correcte. How many museums are there? Eggs. How many eggs are there? Shoes. How many shoes are there? Bags. How many bags are there? Water. How much water is there? Sugar. How much sugar is there? Carrots. How many carrots are there? Food. How much food is there? Très bien. Avant de finir cette unité, Nous allons apprendre comment compter jusqu'au milliard. Les grands nombres. Large numbers. Le mot cent se traduit par a hundred. On peut donc dire 100, 200, 300 et ainsi de suite. Mille se traduit par a thousand. Pareil, on dit 1000, 2000, 3000, etc. Millions a million milliard a billion pour lire les grands nombres on fait comme en français en commençant par le plus grand nombre par exemple 1230 se traduit par 1230 pour dire le prix en anglais on divise le prix en deux parties avant et après le point décimal par exemple pour 14.25 dollars on dit 1425 tout va bien jusqu'ici? Faisons un petit peu de pratique. Écoutons les prix en français et traduisez-les en anglais. Allez, c'est pas si compliqué. 500 dollars en anglais est. Oui, c'est 500 dollars. Dites-moi 20 dollars et 10 centimes en anglais. C'est 2010. Et 40 dollars? Forty dollars. dollars. 29 dollars. 1 dollar et 50 centimes. 1.50. Bravo, vous faites d'énormes progrès. Pour finir cette unité, nous allons tester votre compréhension. Écoutez chaque dialogue et répondez aux questions qui suivent. Par exemple, excuse me. Could you please help me? May I ask how to get to the Statue of Liberty? It's near, just go straight ahead. Question: Vrai ou faux? L'homme cherche un musée. Réponse: Faux. Il cherche la statue de la Liberté. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-y. Sorry, is the mall far from here? Not at all, it's right there. Vrai ou faux? Le centre commercial est loin. Votre réponse Réponse faux How do you think we should go there How about taking a car I can drive Should we take the bus Sounds great Vrai ou faux Le couple a décidé de prendre la voiture Réponse faux Ils vont prendre le bus How much is this bag This bag cost 1200 dollars. That's expensive. True or false? Vrai ou faux? Le sac coûte 200 dollars. Faux. Il coûte 1200 dollars. Impressionnant, cher auditeur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette leçon? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller visiter New York? Quoi qu'il en soit, votre aventure avec Harry continue. Ne manquez pas la prochaine partie de l'histoire. Unit 9. How was your trip? Comment s'est passé ton séjour? Aujourd'hui, nous rentrons à la maison, à Paris. Dans cette unité, vous allez apprendre à parler du passé, à parler de la météo et à nuancer vos propos. J'ai une question pour vous. Quand vous pensez à la grammaire anglaise, le fun n'est probablement pas la première chose qui vous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Pour certains, la grammaire signifie un ensemble de règles, plus de règles et encore plus d'exceptions. Mais laissez-nous vous réconforter tout de suite. La grammaire ne s'apprend pas par la mémorisation des règles, mais par la pratique. La grammaire est là pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de la langue. Par exemple, aujourd'hui, nous allons apprendre comment former le passé en anglais. Mais vous n'avez pas besoin de cours de grammaire intense pour pouvoir l'utiliser. Vous avez besoin de communication en anglais. La meilleure façon de mémoriser le passé est de l'utiliser en contexte. Ce sera beaucoup plus efficace que d'absorber uniquement les règles. Gardez cela à l'esprit lors de notre leçon d'aujourd'hui. Let's go! Part 1 Le séjour à Paris The trip to Paris Paris a visité Paris avec sa famille pour les vacances. C'était par ailleurs une idée proposée à sa famille par son colocataire français, Pierre. Dans le dialogue qui suit, Harry raconte son séjour à Paris à Pierre et Sally. Pensez-vous que Harry et sa famille ont passé un bon moment? How was your trip to Paris, Harry? Oh, it was great. My family and I had so much fun. How was the weather? The weather was terrible though. It rained and snowed a lot. So it was cold most days during our trip. That's too bad. Were there a lot of people? Yes, especially in the museums. There were a lot of tourists. There are always tourists in Paris. Yeah, and I understand why. Despite the bad weather, we really enjoyed the city. It's a very beautiful city. I had a great time. And I think my family did too. Voulez-vous écouter le dialogue encore une fois? How was your trip to Paris, Harry? Oh, it was great. My family and I had so much fun. How was the weather? The weather was terrible, though. It rained and snowed a lot, so it was cold most days during our trip. That's too bad. Were there a lot of people? Yes, especially in the museums. There were a lot of tourists. There are always tourists in Paris. Yeah, and I understand why. Despite the bad weather, we really enjoy the city. It's a very beautiful city. I had a great time, and I think my family did too. Comme vous l'avez entendu, Harry et sa famille ont passé un bon moment. En anglais, pour dire bien s'amuser ou passer un bon moment, on utilise les expressions to have fun et to have a great time même s'il ne faisait pas beau lors de leur séjour la famille smith s'est quand même bien amusée parler du temps qu'il fait talking about the weather avez-vous repéré les expressions que l'on utilise pour parler du temps qu'il fait the weather en anglais en effet on utilise plusieurs expressions qui commencent par la tournure it is ou it's it signifie il en français et dans ce cas se réfère à the weather Regardons quelques exemples. It's hot. Il fait chaud. It's cold. Il fait froid. It's raining. Il pleut. It's snowing. Il neige. It's windy. Il y a du vent. It's humid. Il fait un temps humide. It's cloudy. Il y a des nuages. It's sunny. Il y a du soleil. The weather is nice. Il fait beau. Êtes-vous prêt pour un premier exercice? Écoutez et répétez après moi. It's hot. It's hot. It's cold. It's cold. It's raining. It's raining. It's snowing. It's snowing. It's windy. It's windy. It's humid. It's humide. It's cloudy. It's cloudy. It's sunny. It's sunny. The weather is nice. The weather is nice. Cette fois-ci, à l'aide des indices, décrivez en anglais le temps qu'il fait. On fait un bonhomme de neige. It's. Oui. It's snowing. On transpire. It's. Vous avez raison. It's hot. Il y a beaucoup de nuages. It's cloudy. Et quand on porte un pull? It's cold. It's snowing. On a envie de sortir et pique-niquer quand the weather is. The weather is nice. On porte un parapluie quand. It's raining. Excellent. Pourriez-vous parler du temps qu'il fait chez vous en ce moment Utilisez les expressions que nous avons apprises ensemble. Allez-y, je vous écoute très attentivement. Bravo. Passons maintenant à la partie grammaticale. Grammar Point. Les verbes être et avoir au passé simple. The simple past tense of to be and to have. Nous avons appris dans les leçons précédentes comment les verbes être et avoir, to be et to have, se construisent et s'emploient. Au passé, le verbe to be a deux formes, was et were. Ce n'est pas très difficile, non? Par exemple, j'ai été I was. Vous avez été you were. Il a été. He was. Elle a été. She was. Nous avons été. We were. Ils ont. Elles ont été. They were. La forme was s'emploie donc avec I, he et she. Puis pour le reste, on utilise were. Quant au verbe to have, il n'existe qu'une seule forme, had. J'ai eu I had. Vous avez eu you had. Il a eu he had. Elle a eu, she had. Nous avons eu, we had. Ils ont, elles ont eu, they had. Et oui, on utilise had pour tous les sujets. Faisons un petit peu d'entraînement, ça vous va Je vous donnerai le sujet ainsi que le verbe. Conjuguez les verbes au passé. Par exemple, les mots donnés, I, to be. Réponse, I was. À vous. He, to have. Votre réponse est la réponse correcte, He had. Avez-vous eu la bonne réponse? Continuons. Allez. They to be. They were. You to have. You had. We to be. We were. They to have they had she to be she was i to have i had parfait faisons un deuxième exercice complétez les phrases avec le verbe to be ou le verbe to have au passé par exemple harry and his family a great time la réponse est Harry and his family had a great time. A vous, je vous laisse jouer. The weather, nice. Complétez la phrase. The weather was nice. It, sunny. A vous. It was sunny. Sally, fun. Sally, Had Fun. I, a teacher before. I was a teacher before. We, in Paris a year ago. We were in Paris a year ago. C'était un défi, mais vous en êtes bien sorti. Dans la partie suivante, nous allons en savoir davantage sur le séjour d'Harry. Part 2 Shopping à Paris Shopping in Paris Paris continue de raconter à Pierre et Sally son aventure à Paris. Écoutez le dialogue. Pourriez-vous deviner quelle activité la famille d'Ari a-t-elle faite le plus Anyway, we went to the Eiffel Tower, then we visited the Louvre Museum. I really liked it. The raft of the Medusa was particularly unforgettable. After that, we walked around the lake garden. We stayed there for quite some time. Did you do some shopping? We spent most of our time shopping. You know how my mom loves shopping. I was totally amazed by how many stores we managed to visit. We went to boutiques, jewelry stores, department stores, shoe stores, makeup stores, pharmacies. ah, oh, it was so tiring. I can imagine. Did you eat at some French restaurants? Yeah, we had all our meals in French restaurants. I ate French craps, lots of cheese, tried some wine too. It was delicious. Avez-vous compris le dialogue en entier? Écoutons encore une fois pour être sûr. Anyway, we went to the Eiffel Tower. Then we visited the Louvre Museum. I really liked it. The Raft of the Medusa was particularly unforgettable. After that, we walked around the Tuileries Garden. We stayed there for quite some time. Did you do some shopping? We spent most of our time shopping. You know how my mom loves shopping. I was totally amazed by how many stores we managed to visit we went to boutiques jewelry stores department stores shoe stores makeup stores pharmacies oh it was so tiring i can imagine did you eat at some french restaurants yeah we had all our meals in french restaurants i ate french crepes lots of cheese tried some wine too It was delicious. Quelle activité la famille d'Harry a-t-elle faite le plus? En effet, l'activité qu'ils ont faite le plus, c'est faire du shopping. Comme Harry l'a dit, nous avons passé la plupart de notre temps à faire du shopping. We spent most of our time shopping. Grammar point. Les verbes réguliers au passé, regular verbs in the past tense. Il y a peu, nous avons appris les verbes to be et to have au passé. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ces verbes se conjuguent de façon irrégulière. En général, on conjugue les verbes réguliers en ajoutant des ou ed à la fin du mot. Par exemple, le verbe visit, qui signifie visiter, devient visited. Like, aimer, devient liked. Stay, ou rester, devient stayed au passé. Regardons d'autres exemples. Harry called his parents. Marie a appelé ses parents. We walked a lot during our trip. Nous avons beaucoup marché pendant notre séjour. Pierre lived in Paris before moving to New York. Pierre habitait à Paris avant de déménager à New York. Faisons un premier exercice. Transformez les phrases suivantes au passé en conjuguant les verbes. Par exemple, I visit the Eiffel Tower. Au passé, I visited the Eiffel Tower. C'est parti mes chers amis. Harry calls Sally. Au passé, Harry called Sally. They walk back home. La réponse correcte, they walked back home. Sally lives in New York. Sally lived in New York. You like music. You liked music. Bravo! Maintenant, essayez de formuler des phrases au passé avec les verbes donnés. Soyez imaginatifs. Par exemple, le mot donné est to be. La réponse possible: We were in Paris a year ago. Et je vous laisse jouer. To visit. Votre phrase. To like. Dites-moi votre phrase. To have. Je vous écoute. To enjoy. Bravo, cher auditeur. Passons maintenant au vocabulaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nuancer ces propos à l'aide des adverbes. Pour renforcer une affirmation, on peut utiliser les expressions suivantes très, very, tellement, so, vraiment, really, totalement ou carrément, totally, particulièrement, particularly, plutôt ou assez, pretty, extrêmement, extremely. Quelques exemples. Paris is a very beautiful city. Paris est une ville vraiment belle. It's so hot outside right now. Il fait très chaud dehors en ce moment. Our trip to Egypt was really exciting. Notre voyage en Égypte était vraiment palpitant. This song is particularly moving. Cette chanson est particulièrement touchante. I am pretty disappointed with how things turned out. Je suis plutôt déçu de la tournure des événements. We were extremely happy to hear the news. Nous étions extrêmement contents d'apprendre les nouvelles. C'est le moment de s'entraîner. Êtes-vous d'accord Travaillons sur la prononciation. Écoutez et répétez les mots suivants. Very. Very. So. So. Really, really. Totally, totally. Particularly, particularly. Pretty, pretty. Extremely, extremely. Excellent travail! Faisons un autre exercice. Cette fois-ci, renforcez les affirmations en ajoutant un adverbe de votre choix. For example, this was a fun experience. Ma phrase, this was a very fun experience. Allez, à vous! I like yoga. I really like yoga. Harry and Sally were happy to have met each other. Harry and Sally were extremely happy to have met each other. Stress is difficult to manage. Stress is particularly difficult to manage. Learning a new language is rewarding. Learning a new language is totally rewarding. Très bien, cher auditeur. Prenez votre temps à mémoriser ces expressions. Et surtout, n'hésitez pas à répéter la partie vocabulaire si vous oubliez quelques termes. Nous avons appris précédemment des noms de lieux. Nous allons ajouter d'autres éléments à votre répertoire, en particulier quelques types de magasins. Voici ce que nous avons entendu dans le dialogue. Boutique correspond à un petit magasin, généralement de mode. Jewelry store magasin de bijoux. Department store grand magasin. Shoe store « magasin de chaussures »,« make-up store »,« magasin de maquillage »,« pharmacy »,« pharmacie ». Si vous êtes prêts, travaillons sur la prononciation. Écoutez et répétez après moi les mots suivants. « boutique »,« boutique »,« jewelry store »,« jewelry store »,« department store », department store shoe store shoe store makeup store makeup store pharmacy pharmacy Continuons. À l'aide des indices, indiquez le magasin décrit. On y achète des bagues et colliers. Votre réponse? Yes It's a jewelry store. On y trouve plusieurs rayons de marchandises répartis sur une grande surface. Dites-moi. C'est vrai, a department store. On y achète des baskets. A shoe store. Et où on achète des médicaments? Yes, in a pharmacy. Excellent. Avant de passer à l'exercice de cette unité, ça vous tente un petit peu de culture générale. Cultural Point. Découvrir les États-Unis. Discover the USA. Pour cette partie culture, nous allons faire les choses un peu différemment. Plusieurs questions sont posées concernant les États-Unis. Vous avez quelques secondes pour répondre, puis la bonne réponse sera donnée directement. Êtes-vous prêt C'est parti. Vrai ou faux il y a 20 étoiles sur le drapeau américain. 5, 4, 3, 2, 1. Et votre réponse est Faux, il y en a 50. Quelle est la capitale des États-Unis 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est. Washington. Quelle est la boisson la plus célèbre aux États-Unis Je vous attends. Et la réponse est. Le Coca. Comment s'appelle en anglais la résidence officielle du président des États-Unis? Five, four, three, two, one seconds pour donner votre réponse. Et c'est the White House. Relaxez-vous, c'est la dernière question. You can do it, comme ils disent en anglais. Vrai ou faux? Le Grand Canyon se situe en Arizona. J'attends votre réponse, chers auditeurs. Dites-moi, pardon? Ah oui, c'est vrai, le Grand Canyon se situe en Arizona. Avez-vous pu trouver les bonnes réponses aux questions? Bravo! Avant de finir cette unité, nous allons faire un exercice pour tester votre niveau. Écoutez chaque monologue et répondez aux questions. Today, the weather was not good. It trained a lot. I could not go out because I did not have an umbrella. Perhaps tomorrow, It will be better. Vrai ou faux? Le narrateur parle du temps qu'il fait. Réponse: Vrai. Selon le narrateur, quel temps faisait-il? Réponse: Il pleuvait beaucoup. It rained a lot. Le monologue suivant. Harry and Sally went to Paris together last summer. They didn't do a lot of shopping. They spent most of their time in the museum. The weather was nice the entire time. They even had a picnic in a famous garden. They had a really great time. Vrai ou faux, Harry et Sally ont fait beaucoup de shopping lors de leur séjour. Réponse, faux. Vrai ou faux, ils faisaient beau pendant tout leur séjour. Réponse Vrai. Où Harry et Sally ont-ils passé beaucoup de temps? Réponse Dans le musée. In the museum. Le dernier monologue. When we arrived at our hotel, it was snowing. It was extremely cold. We went to a boutique to buy a winter jacket. We were obviously not prepared for such weather. Vrai ou faux Quand ils sont arrivés à l'hôtel, il pleuvait. Réponse faux, il neigeait. Pourquoi sont-ils allés dans une boutique Réponse pour acheter un manteau d'hiver, car il faisait trop froid. Phew Bravo, cher auditeur, encore une unité accomplie. N'oubliez pas de re-regarder les leçons précédentes pour renforcer votre apprentissage. On vous attend pour la suite de notre aventure avec Harry. À la prochaine leçon! Unit 10: Sally talks about her holidays. Sally parle de ses vacances. Chers auditeurs, nous allons continuer notre leçon sur le passé. Vous allez apprendre à formuler des questions et phrases négatives au passé ainsi que le vocabulaire des vacances et divertissements. Vous apprenez des phrases de plus en plus compliquées en anglais. Entraînez-vous à les utiliser. Avoir confiance pour parler une langue est l'un des points clés du succès. N'ayez pas peur si vous manquez encore de vocabulaire. Regardez des vidéos sur les sujets qui vous intéressent sur YouTube, rédigez votre journal en anglais, ou bien créez un compte Twitter pour y écrire en anglais, même si vous avez besoin d'un dictionnaire pour formuler des phrases. Initiez une conversation avec votre ami anglophone. Même si vous finissez par faire des erreurs. Prenez confiance en vous, vous en êtes arrivé jusque-là. On commence Part 1 Le séjour au Japon The Trip to Japan Pendant les vacances d'hiver, le winter break, Sally et sa famille sont allées au Japon, la destination de rêve de Sally. Dans l'extrait suivant du journal intime de Sally, elle raconte leur séjour. Pourriez-vous repérer quelle ville Sally a-t-elle aimé le plus? March 10 And there we were in Tokyo, Japan. It felt like a dream. I looked around and saw colors, lights, the snow. I thought, what a paradise! I knew that Japan was a beautiful country. I saw a lot of photos of it when I was younger. But reality could not compare to those photos. Like my mom said, only through our eyes and in our memories could we really capture the beauty of Japan. Of all the cities we visited, I loved Sapporo the most. There, we made a snowman, we went skiing, and we watched some musicals and sport exhibitions. We even found a great restaurant. I ate the best ramen ever. I told my mom, that I wanted to go back to Sapporo someday. She took me to a souvenir shop where I bought a keychain. She promised we will come back again to that magical place. I hope the next time will be more enchanting than the last. Écoutons l'extrait encore une fois. And there we were in Tokyo, Japan. It felt like a dream. I looked around and saw colors, lights. The snow. I thought, what a paradise! I knew that Japan was a beautiful country. I saw a lot of photos of it when I was younger. But reality could not compare to those photos. Like my mom said, only through our eyes and in our memories could we really capture the beauty of Japan. Of all the cities we visited, I loved Sapporo the most. There, we met a snowman. We went skiing and we watched some musicals and sport exhibitions. We even found a great restaurant. I hate the best ramen ever. I told my mom that I wanted to go back to Sapporo someday. She took me to a souvenir shop where I bought a keychain. She promised we will come back again to that magical place. I hope the next time. Will be more enchanting than the last. Comme vous l'avez entendu, la ville préférée de Sally, c'est Sapporo. Elle a dit qu'elle aimait Sapporo le plus. I loved Sapporo the most. Avez-vous pu comprendre quelques-uns ou tous les éléments présents dans cet extrait? Regardons ensemble. Verbes au passé simple. Verbs in the simple past. Dans la leçon précédente, nous avons appris quelques verbes au passé. Notre objectif maintenant est d'ajouter plus de verbes à notre répertoire. Les verbes que nous avons entendus sont par ailleurs ceux les plus utilisés dans la langue. Réécoutons-les. Verbes réguliers. To look ou regarder. Au passé, on dit looked. Par exemple, j'ai regardé le paysage. I looked at the scenery. To love ou aimer. Au passé, loved. J'ai beaucoup aimé le film. I really loved the movie. To want ou vouloir. Wanted. Sally voulait retourner au Japon. Sally wanted to go back to Japan. To watch ou regarder. Watched. La série que nous avons regardée était divertissante. The series we watched was entertaining. Et quant aux verbes irréguliers, on a to feel ou se sentir au passé on dit felt je me sentais mal à l'aise i felt uncomfortable to think ou penser thought j'ai pensé à toi pendant le séjour i thought of you during the trip to know signifie à la fois savoir et connaître knew pierre savait la réponse à la question pierre knew the answer to the question harry connaît pierre Harry knew Pierre. To see ou voir. Saw. La famille a vu le bâtiment le plus grand de la ville. The family saw the tallest building in the city. To say ou dire quelque chose. Said. Elle m'a dit que j'ai besoin d'étudier pour l'examen. She said I needed to study for the exam. To make ou faire. Made. « J'ai fait des sandwiches pour notre pique-nique. »« I made sandwiches for our picnic. To eat » ou « manger ».« Ate ».« Harry et Sally ont mangé dans un restaurant. »« Harry and Sally ate at a restaurant. »« To tell » ou « dire quelque chose à quelqu'un. »« Told ».« J'ai dit la vérité à notre chef. »« I told my boss the truth. »« To take » signifie « prendre » ou « amener ». Took. Je l'ai amené à l'école. I took her to school. The patient took some vitamins. Le patient a pris des vitamines. To buy ou acheter. Bought. L'équipe a acheté un gâteau pour célébrer leur victoire. The team bought a cake to celebrate their victory. En effet, cette liste est longue, mais c'est à travers des exemples, c'est-à-dire l'emploi en contexte de ces mots, que vous pouvez les mémoriser. Faisons un premier exercice ensemble. Écoutez et répétez le verbe, puis sa forme passée. To feel, felt. To feel, felt. To look, looked. To look, looked. To think, thought. To think, thought. To see, saw. To see saw. To know knew. To know knew. To say said. To say said. To watch watched. To watch watched. To make made. To make made. To find, found. To find, found. To tell, told. To tell, told. To want, wanted. To want, wanted. To take, took. To take, took. To buy, bought. To buy, But Excellent. Passons à un deuxième exercice. Cette fois-ci, donnez les formes de ces verbes au passé. To watch. Watched. To buy. Bought. To see. Saw. To make. Made. To say. said. to know. knew. to take. took. to feel. felt. to look. looked. to tell. told. un dernier exercice vous tente? Complétez les phrases suivantes avec les verbes appropriés. Mais attention, ces verbes doivent être conjugués au passé. Plusieurs réponses sont parfois possibles. Par exemple, « I happy ». Votre réponse, « I was happy » ou « I felt happy ». Allez-y, c'est votre tour. Harry, Sally the truth. Votre réponse. La réponse correcte. Harry told Sally the truth. La phrase suivante, he a cake for her birthday. Dites-moi. La réponse, he made or bought a cake for her birthday. My friends and I a film in the cinema. My friends and I watched a film in the cinema. They. A new car for their son. They bought a new car for their son. Grammar point. La forme négative du passé simple. Negative form of the simple past. Maintenant que vous savez comment conjuguer les verbes au passé simple, apprenons à faire des phrases à la forme négative. C'est en effet très simple. Il se construit avec did not ou didn't en version contractée. Plus le verbe non conjugué. Par exemple, I watched a film. Au négatif devient I did not watch a film. On utilise donc did not plus le verbe watch. Un autre exemple. I told her the story. Devient I did not tell her the story. Dernier exemple. I had an idea. Devient I did not have an idea. Cette règle s'applique à tous les verbes sauf être ou to be à la forme négative to be devient was not wasn't ou were not weren't quelques exemples i was a student in this university i was not a student in this university my friends were younger than me my friends were not younger than me et voilà c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la formation du passé des verbes Passons à l'exercice. À partir des éléments donnés, formulez des phrases au passé et à la forme négative. Par exemple, les mots donnés Go to the restaurant. Votre réponse Harry didn't go to a restaurant. À vous. Les mots donnés Watch a film on TV. Dites-moi la phrase au passé à la forme négative. La réponse We did not watch a film on TV. Look at the paintings.. Je vous les They did not look at the paintings. Have a party. They did not have a party. Find a wallet on the street. you did not find a wallet on the street make a mistake the teacher did not make a mistake excellent travail cher auditeur dans la partie suivante nous allons en savoir davantage sur le séjour d'ari Part 2 Sally raconte son séjour à Harry. Sally talks about her trip to Harry. Sally raconte son séjour au Japon à Harry. Harry lui pose des questions pour en savoir plus sur son aventure. Écoutez le dialogue. Pourriez-vous deviner dans quelle ville se trouve le meilleur temple selon Sally? So, Sally, did you like your winter holiday? I had more fun than I expected. Was Tokyo nice? It was a great city, but I thought Kyoto was better, and Sapporo was the best. Did you spend a lot of time in Tokyo? It's the largest city on our list, so we spent most of our time there. I see. What did you do in Tokyo? We ate sushi. The sushi was more delicious in Tokyo than in Sapporo, in my opinion. We went to temples. The temples in Kyoto were more beautiful. Which do you think is the most beautiful tourist spot? I'd have to say, the Kinkakuji Temple in Kyoto was the most magical. Ecoutons le dialogue encore une fois. So, Sally, did you like your winter holiday? I had more fun than I expected. Was Tokyo nice? It was a great city. But I thought Kyoto was better, and Sapporo was the best. Did you spend a lot of time in Tokyo? It's the largest city on our list, so we spent most of our time there. I see. What did you do in Tokyo? We ate sushi. The sushi was more delicious in Tokyo than in Sapporo, in my opinion. We went to temples. The temples in Kyoto were more beautiful. Which do you think is the most beautiful tourist spot? I'd have to say the Kinkakuji Temple in Kyoto was the most magical. En effet, Sally pense que le meilleur temple est Kinkakuji Temple, qui se trouve à Kyoto. Grammar point. Formuler des questions au passé. Forming questions in the past tense. Harry a quand même posé beaucoup de questions à Sally, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme il se réfère au passé, ces questions sont formulées différemment. Avant, nous avons appris que pour construire des questions, on utilise le mot do ou does. Au passé, ce mot se transforme en did. Par exemple, Do you ride a bike to work? Prenez-vous le vélo pour aller au travail? Au passé, on va dire. Did you ride a bike to work? Avez-vous pris le vélo pour aller au travail? Comme d'habitude, le mot did se place au début de la phrase, suivi par le sujet, puis par le verbe non conjugué. Testons votre compréhension. Transformez les questions suivantes au passé: Do you like the city? Did you like the city? Do Harry and Sally go to the university? Did Harry and Sally go to the university? Does Pierre know this museum? Did Pierre know this museum? Do you read a book? Did you read a book? Does he visit his parents? Did he visit his parents? Deuxième exercice. Cette fois-ci, essayez de formuler des questions au passé avec les verbes donnés. Soyez imaginatifs. Par exemple, le verbe to ride. Réponse possible: Did you ride a bike to go to school? C'est à vous de jouer. To like. Je vous laisse parler. Réponse possible. Did you like the movie? To feel. Did you feel happy during your trip? To find. Did you find a museum? To walk. Did you walk around the city? To visit Did you visit all the popular tourist spots? Bravo, cher auditeur! Passons maintenant à des comparaisons en anglais. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques règles à savoir. Pour un adjectif court d'une syllabe, on ajoute généralement ER ou EST. Par exemple, large, ou large en anglais devient larger ou largest. Larger signifie plus large. Largest signifie le plus large. Un autre exemple, petit se traduit par small en anglais. Pour dire plus petit, on dit smaller. Puis le plus petit, smallest. Avec les formes en EST, on ajoute généralement l'article the, tel the largest et the smallest. Deuxième règle, pour un adjectif long, on ajoute les expressions more et most. Par exemple, beautiful, more beautiful, the most beautiful. Un autre exemple, cette fois-ci en contexte, avec l'adjectif intelligent qui signifie intelligent. Harry is intelligent. Sally is more intelligent than Harry. Pierre is the most intelligent. Notons que pour comparer, on utilise l'expression than, qui équivaut à que en français. Finalement, une dernière règle. Il existe des cas particuliers, comme par exemple good, better et best, qui correspondent respectivement à bon, meilleur et le meilleur. Prenons ces trois phrases. The pizza is good. The pizza I make is better. The pizza my mom makes is the best. Phew, tout va bien jusqu'ici. Sinon, n'hésitez pas à réécouter les trois règles. Autrement, vous pouvez continuer les exercices. Travail sur la compréhension. Écoutez chaque énoncé et répondez aux questions. Pierre likes horror films more than action films. Vrai ou faux, Pierre aime les films d'action le plus. Réponse. Faux. Pierre aime les films d'horreur plus que ceux d'action. Tokyo is more beautiful than Sapporo. Vrai ou faux? Tokyo est plus beau que Sapporo. Réponse: Vrai. There are more books in our house than in the library. Vrai ou faux? Il y a plus de livres dans la bibliothèque. Réponse: Faux. Il y a plus de livres chez eux que dans la bibliothèque. Sapporo Is not the largest city in Japan. Vrai ou faux, Sapporo est la ville la plus grande au Japon? Réponse faux. Excellent travail. Maintenant, point culture. Cultural point. Les congés aux États-Unis. Holidays in the US. Voici quelques jours fériés aux États-Unis et les traditions qui y sont liées. Le Nouvel An ou New Year's Eve. Est célébré en famille ou dans une fête. L'Halloween est célébré chaque 31 octobre. Les enfants se déguisent et frappent à la porte des voisins pour demander des bonbons. Quand les portes s'ouvrent, ils disent Trick or treat. Le jour de l'indépendance, ou Independence Day, est célébré chaque 4 juillet. Ce jour est souvent associé à des feux d'artifice, des défilés, des carnavals et aux rassemblements en famille. La Saint-Valentin, ou Saint-Valentine's Day, est un jour d'amour. On offre des cadeaux à l'amour de sa vie, tels que des chocolats ou des bijoux. Outre ces jours fériés, les étudiants ont eux aussi des vacances spécifiques, les school holidays. Il y a Christmas Break, vacances de Noël. Fall Break, en septembre ou octobre. Winter Break, en février ou mars. Spring Break, en mars ou avril. Puis Summer Break, en été. Comme vous l'avez peut-être observé, ces vacances se divisent selon les saisons. On ajoute donc au mot break, qui veut dire pause, les noms des saisons. Fall pour l'automne, winter pour hiver, spring pour printemps et finalement summer pour été. Et vous, chers auditeurs, quelle saison aimez-vous le plus Avant de finir cette unité, nous allons faire un exercice pour tester votre niveau. Écoutez chaque monologue et répondez aux questions. The food in the restaurant was better than expected. We had a great time. Unfortunately, when we got out, it was raining and we did not have an umbrella. Vrai ou faux? Ils ont aimé les plats du restaurant. Réponse: Vrai. Quel temps faisait-il quand ils sont sortis du restaurant? Réponse: Il pleuvait beaucoup. It rained a lot. Harry thought of Sally during his holidays with the family. He wanted to see her again. Vrai ou faux? On peut déduire, à partir de cet énoncé, que Sally manquait Réponse Vrai. I watched a cartoon with my sister on the television. She really liked it. She felt so happy that we spent time together. Vrai ou faux? La sœur du narrateur a passé un bon moment avec ce dernier. Réponse Vrai. Dernier exercice. Écoutez les questions et répondez avec des phrases complètes. C'est à vous d'imaginer des réponses possibles. Par exemple Question Did you buy food for our party? Votre réponse Yes, I bought food for our party. Ou No, I did not buy food for our party. Je voulais jouer. Do you know someone from the US? Did you tell your family that you are studying English? Do you always watch TV series? What kind of films do you like? Did you go to work today? Did you buy anything today? Vous faites d'énormes progrès, chers auditeurs. Nous sommes fiers de vous. Il ne reste que trois leçons pour atteindre un bon niveau en anglais. Avez-vous hâte de savoir la suite de l'histoire d'Harry? Allons-y. Unit 11: Preparing for the New Year. Préparez le nouvel an. Les feux d'artifice, le champagne, les repas et les amis, ça vous dit quelque chose C'est le nouvel an dans le monde d'Ari. Dans cette onzième unité, nous allons les accompagner dans leur préparation pour cette fête. Vous allez apprendre comment décrire son apparence et sa personnalité. Vous allez également découvrir le vocabulaire des vêtements et couleurs. Une petite astuce avant de commencer. L'apprentissage d'une langue, c'est un marathon et non un sprint. Que diriez-vous de prendre 5 à 15 minutes chaque jour pour répéter le vocabulaire ou les phrases que vous avez apprises Vous pouvez le faire avant de vous coucher ou même sous la douche. L'idée est d'employer la langue tous les jours. Gardez ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Répétez-les demain, puis la semaine prochaine, puis après deux semaines, et ainsi de suite. Nous vous promettons que vous ne l'oublierez pas. Part 1 Faire du shopping pour une robe. Shopping for a dress. Harry et Pierre, ainsi que leurs autres amis, ont décidé d'organiser une fête du Nouvel An dans leur dortoir. Sally est invitée, mais elle n'a rien apporté. Écoutez le dialogue. Sally espère acheter une robe. Qu'est-ce qu'elle finit par acheter? How may I help you today? I'm looking for a dress for New Year's Eve. Do you have any ideas or preferences? I would like something that looks fun, not too formal. How about this blue dress? Hmm, it's not really my color. There's this new red dress. I'm not sure. Do you have anything else? How about this? A pink sweater partnered with a white skirt. That actually looks great! Would you like to wear heels with that? Or perhaps a jacket? What's the trends with heels lately? Silver or gold heels are very popular lately. But for this outfit, I think classic black would be the best. I think I'll go with the black then. So I'll take the pink sweater, the white skirt, and the black heels. Perfect! Pourquoi ne pas écouter le dialogue encore une fois? Allons-y! How may I help you today? I'm looking for a dress for New Year's Eve. Do you have any ideas or preferences? I would like something that looks fun, not too formal. How about this blue dress? Hmm, it's not really my color. There's this new red dress. I'm not sure. Do you have anything else? How about this? A pink sweater partnered with a white skirt. That actually looks great! Would you like to wear heels with that? Or perhaps a jacket? What's the trend with heels lately? Silver or gold heels are very popular lately. But for this outfit, I think classic black would be the best. I think I'll go with the black then. So I'll take the pink sweater. The white skirt and the black heels. Perfect! Avez-vous pu comprendre le dialogue? Finalement, Sally a décidé d'acheter a pink sweater, un pull rose, a white skirt, une jupe blanche, et black heels, des talons noirs. Pour demander quelque chose, on utilise très souvent l'expression I would like, qui signifie je voudrais. Vous vous en souvenez certainement, cette expression s'emploie également pour commander dans un restaurant. Autrement, Sally a utilisé la tournure I'm looking for, qui veut dire je cherche. Par exemple, I'm looking for a dress. Je cherche une robe. Passons à la partie vocabulaire. Les vêtements. Clothes. Nous avons entendu ces mots dans le dialogue. Dress, qui veut dire une robe. Sweater, un pull. Skirt, une jupe. Jacket. Une veste. Heels. Des talons. Apprenons d'autres mots qui désignent les vêtements les plus communs. Jeans. Un jean. Shorts. Un short. T-shirt. Un t-shirt. Coat. Un manteau. Suit. Un costume. Tie. Une cravate. Cap. Une casquette. Hat. Un chapeau. Sneakers. Des baskets. Faisons un premier exercice. Écoutez et répétez après moi. Dress, dress, sweater, sweater, skirt, skirt, jacket, jacket, heels, heels, jeans, jeans, shorts. shorts t-shirt t-shirt coat coat suit suit tie tie cap cap hat hat sneakers Sneakers. Bravo! Un deuxième exercice? Imaginez que vous vous trouvez dans les situations suivantes. Qu'est-ce que vous allez porter? Soyez créatif. Alors, qu'est-ce que vous allez porter in a formal party, dans une fête formelle? Réponse possible, a suit and a tie. And on a beach, sur une plage. Vous pourriez porter un cap, un t-shirt, shorts. On a date, un rendez-vous social. Pourquoi pas un t-shirt, jeans or a dress? During winter. Pendant l'hiver. Par exemple, a dress, a coat. In the gym. Dans la salle de sport. Vous pourriez porter un t-shirt, shorts, sneakers. Bravo. Continuons notre leçon sur le vocabulaire. Vous pouvez bien sûr utiliser des couleurs pour qualifier les vêtements. Un rappel, les adjectifs se mettent avant le nom en anglais. Par exemple, a black t-shirt. Un t-shirt noir. Alors, les couleurs. Colors. Black, noir. White, blanc. Red, rouge. Orange, orange. Yellow, jaune. Green, vert. Blue, bleu. Violet, violet. Pink, rose. Silver, argent. Gold, doré. Maintenant écoutez et répétez après moi. Comme d'habitude, je vais prononcer les mots deux fois. Black, black, white, white, red, red, orange, orange, yellow, yellow, green, green bleu bleu violet violet pink pink silver silver gold gold deuxième exercice quelle est la couleur des objets donnés un apple une pomme Oui vous avez raison red or green coins monnaie silver the sun le soleil yellow the sea la mer blue a bat une chauve-souris Black. Impeccable! Tout va bien jusqu'ici? Si oui, passons à la deuxième partie de cette unité. Part 2 À quoi ressemblent-ils? What do they look like? Avant de continuer la fête du nouvel an que Harry et Pierre ont préparée, faisons un petit détour. Êtes-vous curieux de savoir à quoi ressemblent Pierre, Harry et Sally? Découvrons-le. Écoutez les énoncés. Harry, Pierre et Sally ont-ils la même couleur de cheveux? Harry is tall and handsome. His eyebrows are bushy. His face is heart-shaped. He has short hair. He is blonde. Pierre is tall and thin. He has dimples. And a round face. He is blonde too, like Harry. But his hair is a bit longer. Sally is short and lean. She has rosy cheeks. She has long, wavy brown hair. Alors, Harry, Pierre et Sally ont-ils la même couleur de cheveux? Écoutons encore. Harry is tall and handsome. His eyebrows are bushy. His face is heart shaped. He has short hair. He is blonde. Pierre is tall and thin. He has dimples and a round face. He is blonde too, like Harry, but his hair is a bit longer. Sally is short and lean. She has rosy cheeks. She has long, wavy brown hair. Avez-vous tout compris? Harry et Pierre sont tous les deux blonds, mais Sally a des cheveux bruns ou brown hair en anglais. Elle est brune ou brunette en anglais. Pour parler de l'apparence de quelqu'un, on peut décrire ses cheveux, hair, son nez, nose, son visage, face, et même les joues, cheeks. Au niveau de sa taille, quelqu'un peut être petit ou short, l'autre peut être grand ou tall. On peut être rebondi, Plump ou mince, thin. Au niveau de la couleur de ses cheveux, on peut être blonde ou brunette. Il y a ceux aussi avec les cheveux noirs ou black hair. Long hair signifie des cheveux longs, tandis que short hair signifie cheveux courts. Les cheveux peuvent être straight, lisse ou wavy, ondulés. Travaillons un petit peu à la prononciation. Répétez après moi. Hair, hair. Nose, nose. Face, face. Cheeks, cheeks. Short, short. Tall, tall. Plump, plump. Thin. Thin, blonde, blonde, brunette, brunette, brown hair, brown hair, black hair, black hair, long hair, long hair, short hair, short hair. Straight hair. Straight hair. Wavy hair. Wavy hair. Bravo. Et vous, pourriez-vous utiliser ces mots pour décrire votre apparence, ou un ami Essayez, je vous écoute. Parfait. Part 3 La fête du Nouvel An New Year's Party C'est enfin la fête du Nouvel An. Harry, Pierre et Sally parlent des invités. Écoutez le dialogue. La plupart des invités sont-ils étudiants? I'm glad a lot of people are here. Same here. Who's that over there? Which one? The one who is wearing a red dress. It's the department student representative, Ella. She's friendly, but can be bossy sometimes. I see. Look over there, that one. He's reading a book. That's Eddie, a classmate of mine. He's always reading a book. He's very hardworking, though he's not really sociable. He's quite shy. The one beside Eddie is also a student from our department her name is heather she's very kind she's always cheerful she's reliable and very organized i'm sensing there's something going on here <laughs> you should ask her out pierre start the new year with a bang <laughs> maybe i will et comme d'habitude écoutons encore une fois i'm glad a lot of people are here same here Who's that over there? Which one? The one who is wearing a red dress. It's the department student representative, Ella. She's friendly, but can be bossy sometimes. I see. Look over there. That one. He is reading a book. That's Eddie, a classmate of mine. He's always reading a book. He's very hardworking. Though he's not really sociable, he's quite shy. The one beside Eddie is also a student from our department. Her name is Heather. She's very kind. She's always cheerful. She's reliable and very organized. I'm sensing there's something going on here. <laughs> you should ask her out, Pierre. Start the new year with a bang. <laughs> Maybe I will. Avez-vous compris le dialogue en entier? La plupart des invités sont en effet des étudiants. Et oui, Pierre est amoureux d'une camarade de classe. Parlons d'abord de la leçon avant d'aborder le béguin de Pierre. Le présent continu. The present continuous. Vous avez peut-être entendu dans le dialogue une forme de conjugaison du verbe peu familière. She is wearing a red dress. He is reading a book. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Cette conjugaison s'utilise lorsqu'on parle d'une activité au présent. Elle correspond à l'expression en train de en français. She's wearing a red dress signifie littéralement elle est en train de porter une robe rouge. Certes, en français, on dirait plutôt elle porte une robe rouge. Mais en anglais, on utilise la conjugaison avec ing pour différencier entre les actions d'habitude et les actions ou états du présent. Pour que ça soit plus clair, prenons comme exemple ces deux phrases. She always wears a red dress, signale une habitude ou une généralité. She is wearing a red dress, correspond à une action qui se déroule en ce moment actuel. Pour les activités au moment actuel, on utilise donc le présent continu. Ce verbe se construit avec le verbe être, to be, et le verbe avec ing à la fin. Par exemple, I eat devient I am eating. He watches a film devient he is watching. Le présent continu s'emploie généralement avec les marqueurs temporels now, maintenant, today, aujourd'hui et at the moment, en ce moment. Pour résumer donc, le présent continu correspond aux actions et états actuels. Il se construit avec le verbe to be puis le verbe principal plus ing. Il s'emploie avec les marqueurs temporels now, today et at the moment. Regardons d'autres exemples. I am wearing a t-shirt right now. Harry and Sally are having a party today. At the moment, Pierre is talking to Heather. Êtes-vous prêt pour un exercice? N'oubliez pas que si besoin, vous pouvez répéter les parties d'une unité. Transformez les phrases en présent continu. Par exemple, Harry reads a book. La réponse, Harry is reading a book. Et maintenant, c'est à votre tour. The family watches TV. Votre réponse. The family is watching TV. Heather wears jeans and a shirt. En présent continu sera. Heather is wearing jeans and a shirt. La suite. Pierre tells a story. Pierre is telling a story. Finalement, my friends and I study in the library. My friends and I are studying in the library. Parfait, cher auditeur. Maintenant, je vais vous donner les mots pour que vous puissiez en formuler des phrases. Les phrases peuvent être au présent simple ou au présent continu. Astuce, faites attention aux marqueurs temporels donnés. Par exemple, ⁇ I buy cake today ⁇ La phrase ⁇ I am buying a cake today ⁇ Maintenant, c'est à vous. Écoutez attentivement. ⁇ They walk, park, right now ⁇ Quelle phrase pouvez-vous en composer Et voici la réponse correcte. They are walking in a park right now. Continuons. Melissa work office at the moment. Votre phrase. Melissa is working in the office at the moment. La suite. Every day I go gym. Je vous laisse parler. C'est I go to the gym every day. Enfin, Harry and Sally eat restaurant every week. Votre réponse. Harry and Sally eat at a restaurant every week. Avez-vous trouvé les bonnes réponses? Excellent. Et vous, cher auditeur, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Pourriez-vous le décrire en anglais en utilisant le présent continu Allez-y, je vous écoute. Bravo Si vous êtes prêt, maintenant nous allons étudier le vocabulaire. Décrire sa personnalité. Describing one's personality. Nous allons apprendre aujourd'hui quelques mots pour décrire la personnalité de quelqu'un. Nous avons entendu dans le dialogue précédent les mots suivants: Kind, qui signifie gentil, Hardworking, travailleur, bossy, autoritaire, Friendly, aimable, Shy, timide, Sociable, sociable, Cheerful, joyeux, Reliable, fiable, Organized. Organisez. Pouvez-vous trouver vos qualités dans cette courte liste? Mémorisons-les ensemble. Répétez après moi. C'est parti. Kind. Kind. Hardworking. Hardworking. Bossy. Bossy. Friendly. Friendly. Shy. Shy. Sociable, sociable. Cheerful, cheerful. Reliable, reliable. Organized, organized. Faisons un autre exercice. Quel type de qualité ou défaut ces personnes ont-elles? Par exemple, Quelqu'un qui impose son autorité. Réponse. Bossy. Je vous laisse jouer. Dites-moi comment on appelle quelqu'un toujours joyeux en anglais. Cheerful. Quelqu'un méthodique. Organized. Quelqu'un qui manque d'audace. Shy. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Hardworking. À qui on peut se fier? Reliable. À votre tour maintenant. Pourriez-vous décrire en anglais les personnalités de votre entourage? Racontez-moi comment est votre meilleur ami. Comment sont vos parents? Et vous, comment décrirez-vous votre personnalité? Excellent, vous faites d'importants progrès. Nous allons finir cette partie avec une discussion sur la culture américaine. Cultural Point Bavardage, Small Talk. Aux États-Unis, il est courant de parler des banalités avec des inconnus. Ce type de conversation s'appelle Small Talk, littéralement petit échange. Lors du Small Talk, les sujets habituels ne sont pas controversés comme la météo, les sports, ou la culture populaire. Les amitiés commencent parfois par un small talk. Il y a même des vidéos qui enseignent ce qu'on a dénommé The Art of Small Talk. Ces petites conversations commencent souvent par un brise-glace, ou en anglais, un an icebreaker. Généralement, certains prennent l'initiative, to take the initiative, d'entamer la conversation. Lors d'une fête, par exemple, vous pouvez briser la glace ou break the ice. En parlant de la nourriture à un autre participant. The sushi was delicious, wasn't it? Par exemple. Êtes-vous prêt à pratiquer votre anglais dans une fête? Ou avez-vous besoin de vous entraîner plus sur l'art du small talk? N'oubliez pas que le meilleur entraînement, c'est de parler la langue en situation réelle. Et sur ce, nous allons finir notre unité avec un exercice de compréhension. Contrairement à nos exercices précédents, vous allez écouter ici un seul monologue plus long. Avant de répondre aux questions. L'idée, c'est de réussir à repérer les informations sans être accablé par tous les éléments donnés. N'oubliez pas que vous pouvez répéter le monologue autant que vous le voulez. On y va. Pierre and Heather met during a New Year's Eve party. Pierre knew Heather from school. The first time he saw her, he thought she was extremely pretty. Heather is friendly, hardworking. She spends most of her time studying. when pierre saw her at the party he was surprised. she was wearing a beautiful long red dress. pierre was struck. she was the most beautiful woman in the party. he gathered the courage to talk to her before the countdown began. "it's cold tonight," pierre said. "it is," heather replied. and their story began. question. what color is heather's dress? Red. How was the weather like during the party? It was cold. Describe Heather's personality. Heather is friendly and hardworking. Did Pierre talk to Heather? Yes. What was Pierre's icebreaker line? He said it was cold. Parfait cher auditeur, cette unité est finie mais l'aventure continue. Dans la prochaine unité, nous allons parler de l'avenir. À très bientôt. Unit 12. Back to school. La rentrée. Bienvenue à l'unité numéro 12, cher auditeur. La leçon du jour, parler du futur. Vous allez aussi découvrir les mots liés au parcours professionnel. Une petite question avant de commencer. Connaissez-vous la méthode de répétition espacée utile pour la mémorisation Son objectif, c'est d'assurer que vous retenez les mots ou phrases dans la mémoire à long terme et non à court terme. L'idée est simple, je vais vous expliquer. Il s'agit de prolonger graduellement l'intervalle entre les sessions de mémorisation. Par exemple, si vous mémorisez un mot aujourd'hui, vous faites un rappel le lendemain, puis après 4 jours, puis après 7 jours, puis après 2 semaines, et ainsi de suite. Il y a des applications digitales qui utilisent des cartes, ou flashcards en anglais, en tenant compte de cette méthode. Que pensez-vous de les essayer Bon, sans tarder, allons-y Part 1 La semaine de l'examen. Exam Week. C'est leur dernière année à la fac. Harry, Pierre et Sally font de leur mieux pour traverser la semaine de l'examen final. Écoutez le dialogue entre Harry et Pierre. Pierre croit-il à ses chances de réussir les examens Et Harry, quels sont les sujets qui l'inquiètent le plus It's going to be a tough week. You can say that again. Do you think you've reviewed enough? I have no idea. I reviewed for chemistry and history. Math? Not yet. Maybe tomorrow. I don't even know if I'll pass the exam. It's always too difficult. I have to study a lot for biology and physics. Same. I don't have to work much for the literature class, I think. I understood the lessons quite well. But I have to study for math, that's for sure. Math' is the most difficult for me. Do you have to take an exam in English too? No, I gave a report instead. Écoutons encore une fois. It's going to be a tough week. You can say that again. Do you think you've reviewed enough? I have no idea. I reviewed for chemistry and history. Math? Not yet. Maybe tomorrow. I don't even know if I'll pass the exam. It's always too difficult. I have to study a lot for biology and physics. Same, I don't have to work much for the literature class, I think. I understood the lessons quite well. But I have to study for math, that's for sure. Math's the most difficult for me. Do you have to take an exam in English too? No, I gave a report instead. Avez-vous pu comprendre le dialogue Pierre n'est pas sûr de réussir les examens. Harry, quant à lui, s'inquiète pour leur examen en mathématiques. L'expression to have to. The expression to have to. Vous avez peut-être remarqué que dans le dialogue, Harry et Pierre utilisent l'expression to have to pour parler des obligations. Cette tournure correspond au verbe devoir en français. Comme le verbe devoir, to have to est suivi par un verbe non conjugué. Et n'oubliez pas qu'en forme singulière, have devient has. Regardons quelques exemples. I have to study for the biology exam. Je dois étudier pour l'examen en biologie. Pierre has to study for the math exam. Pierre doit étudier pour l'examen en maths. Do you have to take an exam? Dois-tu passer un examen Pour la forme négative, comme nous l'avons appris précédemment, on ajoute tout simplement do not dante attention parfois la forme négative s'apparente à la tournure française ne pas avoir besoin regardons quelques exemples i don't have to take the exam je n'ai pas besoin de passer l'examen do you have to go dois tu partir pierre doesn't have to attend his classes pierre n'a pas besoin d'assister à ses cours tout va bien jusqu'ici faisons alors un premier exercice Transformer ces phrases en phrases d'obligation avec l'expression to have to. Par exemple, I wear a dress. I have to wear a dress. À vous. The family eats at home. Votre réponse? The family has to eat at home. My friends and I study for the exam. My friends and I have to study for the exam. My brother stops playing computer games. My brother has to stop playing computer games. Harry calls Sally after class. Harry has to call Sally after class. Bravo! Un deuxième exercice? Et vous? Qu'est-ce que vous devez faire Répondez aux questions suivantes avec les expressions ⁇ I have to ⁇ ou ⁇ I don't have to ⁇ Allez, je vous écoute. ⁇ What do you have to do today ?⁇ I have to study today, but I don't have to go to school. ⁇ Where do you have to go today I have to go to the gym today. What do you have to do tonight? I have to see a friend tonight. What do you have to do tomorrow? I have to go on a date tomorrow. Excellent. Continuons notre leçon. Dans le dialogue, nous avons entendu les mots pour les différentes matières à l'université. Vous en souvenez-vous encore? Matières universitaires. University subjects. Chemistry. Chimie. Biology. Biologie. Physics. Physique. History. Histoire. Maths. Maths. English. Anglais. Literature. Littérature. Apprenons-en d'autres. Geography signifie géographie. Art, art. Accounting, comptabilité. Economics, économie. Philosophy, philosophie. Business, business. Il existe beaucoup de similarités entre les noms des matières en français et en anglais, n'est-ce pas? La prononciation reste pourtant différente. Voyons-la ensemble. Écoutez et répétez. Chemistry. Chemistry. Biology. Biology. Physics. Physics. History. History. Math. Math. English, English, literature, literature, geography, geography, art, art, accounting, accounting, economics, economics, philosophy. « philosophy »,« business »,« business »,« maths »,« math ». Faisons un deuxième exercice. À quelle matière peut-on associer les objets suivants Par exemple, « a calculator »,« une calculatrice ». La réponse est « a counting Maths. À vous !« a painting »,« une peinture ». Votre réponse oui, it's art. La suite. A play, une pièce de théâtre. Literature. A map, une carte. Geography. A plant, une plante. Biology. Excellent, tout va bien jusqu'ici? Si oui, passons à la deuxième partie de cette unité. Part 2. Il est temps de célébrer. Time to celebrate. Pendant que vous faisiez les exercices de l'unité, Harry et Pierre ont réussi leurs examens. C'est le moment pour célébrer leur réussite. Écoutez le dialogue entre Harry, Pierre et Sally. Quel est leur projet pour le week-end? Sally, we're going to have a party this weekend to end the semester. Are you up for it? Definitely. What's the plan? A bar crawl. What's that? Basically, we move from one bar to another. We're going to drink for some time in a the bar, then move on to the next, and the next, and the next. Sounds exciting! It is. I can't wait. I will invite Heather too. That's a great idea. All right, see you then. Une fois encore. Sally, we're going to have a party this weekend to end the semester. Are you up for it? Definitely. What's the plan? A bar crawl. What's that? Basically, we move from one bar to another. We're going to drink for some time in a bar, then move on to the next, and the next, and the next. Sounds exciting. It is. I can't wait. I will invite Heather too. That's a great idea. All right, see you then. Avez-vous pu repérer leur plan pour le week-end? Pour célébrer leur dernier semestre à la fac, ils vont faire un bar crawl ou une tournée des bars. Sympa, non? Pour parler de leur projet, Harry, Sally et Pierre ont utilisé will et going to. Ces expressions qui indiquent le futur seront au centre de notre discussion d'aujourd'hui. En anglais, on indique le futur avec soit will, soit going to. Tout d'abord, quelle est la différence entre les deux En général, on utilise will lorsqu'on décide de faire quelque chose à l'instant. On utilise going to lorsqu'on a déjà décidé de faire quelque chose. Going to est donc pour des projets décidés auparavant et will s'utilise pour des décisions rapides faites à l'instant. Regardons ces deux phrases. We are going to have a party. Ici, Harry et Pierre ont déjà décidé d'aller faire un bar crawl, donc on utilise going to. Au contraire, dans cette deuxième phrase, I will invite Heather, on utilise Will car Pierre se dit à l'instant, Tiens, je vais inviter Heather. Est-ce plus clair Notons toutefois que même si on dit plutôt We will have a party ou I'm going to invite Heather, les phrases restent correctes et compréhensibles. La différence entre les deux peut être très minime, et c'est pour cela qu'ils sont très souvent interchangeables. Pour former le futur avec Will, on l'ajoute tout simplement avant le verbe non conjugué. Par exemple, ⁇ I will go home. They will play the piano. ⁇ Pour former le futur avec ⁇ going to ⁇ on utilise le verbe to be plus ⁇ going to ⁇ plus le verbe non conjugué. Par exemple, ⁇ I am going to school. They are going to visit the museum. We are going to take some photos. Passons maintenant à l'entraînement. Transformez les phrases au futur avec les expressions will et going to. Par exemple, Pierre asks Heather out on a date. La réponse Pierre will ask Heather out on a date. Or Pierre is going to ask Heather out on a date. Voici la première phrase à transformer. The students visit other countries during holidays. Votre réponse. The students will visit other countries during holidays. Or, the students are going to visit other countries during holidays. The couple watches a TV series online. The couple will watch a TV series online. Or, the couple is going to watch a TV series online. Sally Bakes a Cake. Sally will bake a cake, or Sally is going to bake a cake. Harry passes the exam. Harry will pass the exam or Harry is going to pass the exam. Bravo. Faisons un autre exercice. Répondez aux questions en phrases complètes avec les expressions will et going to. Par exemple, question. Are you going to study tonight? Réponse. Yes, I am going to study tonight. Bravo. Are you going to work today? Response possible. Yes, I am going to work today. Will you go to the US someday? Yes, I will go to the US someday. Are you going to cook tonight? Yes, I am going to cook tonight. Are you going to finish this chapter? Yes. I am going to finish this chapter. Will you meet a friend today? Yes, I will meet a friend today. Excellent travail, cher auditeur. Si vous avez besoin de renforcer votre apprentissage, n'oubliez pas que vous pouvez répéter les parties de ce cours. Si vous êtes prêts, passons à la dernière partie de cette unité. 3. Parler de ses projets Talking about one's plans Maintenant qu'il a terminé son programme, il est temps pour Harry de réfléchir à ce qu'il veut vraiment faire dans la vie. Écoutez le dialogue entre Harry et Pierre. Qu'est-ce que pense faire Harry dès son retour à San Francisco? So, Pierre, are you going back to France? I might stay here for a while. But yes, I'd have to go back to France at some point. You could stay with us in San Francisco if you'd like. I might just take you up on your offer. How about you? What's your plan? I think I'm going to start looking for a job in San Francisco. I might even get a position in my dream company. Who knows? How about Sally? What does she plan to do? She's thinking of starting a business here in New York. But we'll see how it goes. If we end up in the same city, we might move in together. That's great. What kind of business? I think her parents are helping her start a bakery. That's awesome. You know what? No matter where we end up, we should all keep in touch. Of course. Comme d'habitude, nous allons écouter le dialogue encore une fois. So, Pierre, are you going back to France? I might stay here for a while. But yes, I'd have to go back to France at some point. You could stay with us in San Francisco if you'd like. I might just take you up on your offer. How about you? What's your plan? I think I'm going to start looking for a job in San Francisco. I might even get a position in my dream company. Who knows? How about Sally? What does she plan to do? She's thinking of starting a business here in New York. But we'll see how it goes. If we end up in the same city, we might move in together. That's great. What kind of business? I think her parents are helping her start a bakery. That's awesome. No matter where we end up, we should all keep in touch. Of course. En effet, Harry pense à trouver un travail dès son retour à San Francisco. Mais rien n'est sûr pour le moment. La conversation entre Harry et Pierre tourne autour des possibilités. Cela est par ailleurs notre sujet dans cette partie. Exprimer la possibilité. Expressing possibility. Pour exprimer la possibilité, on peut utiliser les verbes modaux could et might. Même les locuteurs natifs sont en désaccord en ce qui concerne les nuances de ces deux verbes. C'est pour cela qu'ils sont parfois utilisés de façon interchangeable. Notons pourtant que le verbe could renvoie à l'expression de capacité. Il peut correspondre au verbe pouvoir au conditionnel. Voici quelques exemples. I might move to New York. Je vais peut-être déménager à New York. I could move to New York. Je pourrais déménager à New York. Ces verbes modaux se placent avant le verbe non conjugué. D'autres exemples. They might think I'm arrogant. Ils pourraient penser que je suis arrogant. Our family might go to Russia next winter. Notre famille va peut-être en Russie l'hiver prochain. The shop could close any day now. Le magasin peut se fermer d'un jour à l'autre. Êtes-vous prêt pour un exercice Transformez les phrases en expressions de possibilité en ajoutant les expressions might et could. Par exemple. They were at a park. Réponse possible. They might be at a park. Or they could be at a park. Harry books a room in a hotel. Votre réponse. La réponse correcte. Harry might book a room in a hotel. Or Harry could book a room in a hotel. La phrase suivante: The kids play basketball. The kids might play basketball, or the kids could play basketball. It is raining. It might rain, or it could rain. She went to the hospital. She might go to the hospital. Ou she could go to the hospital. Parfait, cher auditeur. Faisons un autre exercice. Maintenant, répondez aux questions avec une expression de possibilité. Utilisez les verbes might ou could. Par exemple, Are you going to the cinema today? Votre réponse, I might go to the cinema today. Ou No, I might go to the cinema tomorrow. À vous de parler. Do you think it will rain tomorrow? Votre réponse. Réponse possible, It might rain tomorrow. Will you go shopping this week? I could go shopping this week. Are you going to the gym this month? I might go to the gym this month. Will you go skiing this winter? I could go skiing this winter. Excellent travail! Passons maintenant au vocabulaire. Parcours professionnel. Career paths. Dans le dialogue, nous avons entendu quelques tournures utiles pour parler de ces projets professionnels. Regardons-les ensemble. To look for a job signifie chercher un travail. On peut dire également to look for work. To get a position in a company. Trouver un poste dans une entreprise. To start a business. Monter un business. À vous de jouer maintenant! Pourriez-vous formuler des phrases avec les tournures suivantes ?⁇ To look for a job ⁇ Je vous laisse formuler une phrase avec cette tournure. Allez, je vous écoute. Ensuite, dites-moi une phrase en utilisant la tournure ⁇ To get a position in a company ⁇ Et la dernière ⁇ To start a business ⁇ Réponse possible. I am going to look for a job in the US. I might get a position in this company. I could start a business in the food industry. Vos phrases étaient-elles similaires? Sont-elles fidèles à vos projets dans la vraie vie? Justement, nous allons parler un petit peu des rêves. Cultural point. Le rêve américain. The American dream. Connaissez-vous The American Dream On entend souvent parler de ce concept aux États-Unis. Il s'agit en fait de l'idée que tous les Américains, par courage et travail, peuvent devenir prospères. On met donc l'accent sur l'égalité quant aux possibilités offertes à chaque citoyen. De nos jours, il est devenu de plus en plus difficile de définir ce qu'est exactement le rêve américain. Est-ce question d'avoir une maison De bien gagner sa vie Différentes personnes ont des perspectives différentes du rêve américain ce qui en fait aussi un concept profondément analysé dans la culture américaine et sur ce point passons à la dernière partie de cette unité les exercices comme avec le chapitre précédent vous allez entendre un extrait un peu plus long suivi par des questions vous pouvez comme d'habitude répéter l'extrait autant que vous le voulez c'est parti melissa just finished her master's degree in the university of new york she studied economics the problem is she has to find a job now it's not going to be easy she wants to get a great position in her dream company last week she sent her job application they called to tell her she passed the first stage tomorrow she is going to the interview will everything turn out well tomorrow might just be the first day of her new adventure pourquoi ne pas écouter le texte encore une fois Melissa just finished her master's degree in the University of New York. She studied economics. The problem is, she has to find a job now. It's not going to be easy. She wants to get a great position in her dream company. Last week, she sent her job application. They called to tell her she passed the first stage. Tomorrow, she is going to the interview. Will everything turn out well? Tomorrow might just be the first day of her new adventure. Et vous pour les questions? C'est parti. What did Melissa study in the University of New York? Melissa studied economics. Now that she has finished her masters, what is Melissa's plan? Melissa is looking for a job. True or false? Melissa has already been accepted to her dream job. False. She has just submitted her application. True or false? Melissa has already passed her interview. False. Melissa will have the interview tomorrow. What is Melissa doing tomorrow? She is going to have her interview. Parfait, cher auditeur! Comment avez-vous trouvé cette unité? N'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner vous-même. Vous pouvez, par exemple, formuler des phrases avec les mots, verbes et noms que nous avons vus aujourd'hui. Bon courage et à bientôt. Unit 13 Until we meet again. En attendant de se retrouver. Que le temps passe vite. Nous sommes déjà à la treizième unité de ce cours audio. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment donner des ordres et parler de vos sentiments. Nous allons également enrichir votre vocabulaire d'adverbes et d'adjectifs. Depuis le premier cours, nous vous avons donné un grand nombre de mots anglais à apprendre. Mais saviez-vous que vous n'avez besoin que de 800 mots pour comprendre 75% de la langue Lorsque l'apprentissage semble parfois accablant, rappelez-vous cela. Au lieu de penser au nombre de mois qu'il vous faudra pour parler couramment, rappelez-vous qu'il ne nous reste qu'un peu plus de mots à apprendre pour la bonne maîtrise de l'anglais. Un grand booster de motivation, n'est-ce pas? Sans plus tarder, commençons à vous approcher de votre objectif. Part 1 Dire au revoir. Saying goodbye. Harry, Sally et Pierre viennent tous de recevoir leur diplôme. Écoutez le dialogue entre Harry, Pierre et Sally. Quel est le sujet de la conversation This has been a great year. That it was. When are you guys leaving? Me maybe this weekend. I'd probably have to leave this weekend too. How about you, Sally? I might leave tomorrow. I have already packed my stuff. We'll still keep in touch, right? Don't forget to call. And I'm always just a message away. That goes without saying. In any case, we'll all get together soon, right, Harry? We'll certainly hang out this month. Oh, and Sally, give me a call as soon as you get to your new apartment. You too, Pierre. Send me a message as soon as you arrive. Harry, Pierre, and Sally vont tous quitter le dortoir. Dans la conversation, ils disent au revoir en anglais. They were saying goodbye. Écoutons ce dialogue encore une fois. This has been a great year. That it was. When are you guys leaving? Me, maybe this weekend. I probably have to leave this weekend too. How about you, Sally? I might leave tomorrow. I have already packed my stuff. We'll still keep in touch, right? Don't forget to call. And I'm always just a message away. That goes without saying. In any case, we'll all get together soon, right, Harry? We'll certainly hang out this month. Oh, and Sally, give me a call as soon as you get to your new apartment. You too, Pierre. Send me a message as soon as you arrive. Comme vous l'avez entendu dans le dialogue, il y a des expressions pour indiquer que l'on souhaite garder le contact avec quelqu'un. Parmi elles sont ⁇ Let's keep in touch ⁇ restons en contact ⁇,⁇ Don't forget to call ⁇ n'oublie pas de m'appeler ⁇ I'm just a message away ⁇ littéralement ⁇ Je ne suis pas plus loin qu'un message ⁇⁇ Let's get together soon ⁇ réunissons-nous bientôt ⁇ Presque toutes ces expressions emploient l'impératif. On l'utilise principalement pour donner des conseils, Ordre et recommandation. En forme négative, l'impératif s'emploie pour interdire quelque chose à quelqu'un. La formation de l'impératif est en effet très simple. On utilise le verbe non conjugué. Par exemple, envoyez-moi un message en anglais, c'est ⁇ send-me a message ⁇ ou ⁇ text-me ⁇ Send et text, comme vous le remarquez, ne sont pas conjugués. C'est la base verbale. Pour impliquer la personne qui parle, on ajoute simplement let's devant le verbe. Par exemple, allons-y. En anglais, c'est let's go. Un autre exemple, mangeons, let's eat. À la forme négative, on ajoute don't devant le verbe lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Par exemple, n'oubliez pas de m'envoyer un message. Don't forget to send me a message. Ne me quittez pas, don't leave me. Quant à let's, on le transforme en let's not à la forme négative. Par exemple, n'allons pas à la fête. Let's not go to the party. N'appelons pas nos parents. Let's not call our parents. Tout est clair jusqu'ici? Faisons un premier exercice. Traduisez les phrases suivantes en anglais en utilisant le mode impératif. Allons au parc. Je vous laisse traduire. La traduction correcte. Let's go to the park. Ne m'appelez pas. Don't call me. Mangez le gâteau. Eat the cake. Réveillez-vous à 8 heures. Wake up at 8 am. Regardons un film. Let's watch a film. Combien de réponses correctes avez-vous obtenues? Peut-être un deuxième exercice. Transformez les phrases suivantes en forme négative. La première phrase. Buy the dress. Transformez-la. La réponse correcte. Don't buy the dress. Cook dinner for us. Don't cook dinner for us. Let's go on a date. Let's not go on a date. Let's read a book. Let's not read a book. Visit the museum. Don't visit the museum. Excellent. Continuons notre leçon. Le dialogue nous fait découvrir quelques adverbes souvent utilisés en anglais. Nous avons entendu still qui veut dire à la fois encore et toujours. Par exemple, it's still raining. Il pleut toujours. Already, qui signifie déjà. Par exemple, I already packed my stuff. J'ai déjà plié mes affaires. Soon, bientôt. Un exemple, I'll see you soon. Je vais te revoir bientôt. Pour indiquer le degré de certitude, on peut utiliser les mots maybe, probably et certainly. Maybe signifie peut-être, probably, probablement, et certainly, certainement. Regardons quelques exemples. Maybe I'll go to the cinema today. Peut-être que j'irai au cinéma aujourd'hui. She will probably call as soon as she arrives. Elle va probablement appeler dès qu'elle arrive. I will certainly attend the party. Je vais certainement assister à la fête. Êtes-vous prêt pour quelques exercices? C'est parti! Complétez les traductions suivantes avec still, already et soon. Par exemple, Elle est toujours amoureuse de lui. She is in love with him. Votre réponse, She is still in love with him. Je vous laisse jouer. Avez-vous déjà vu ce film? Have you seen this film? Je vous laisse réfléchir un peu. Êtes-vous prêt? Encore une fois, Have you seen this film? Et la réponse correcte, Have you already seen this film? Il neige toujours. It is snowing. It is snowing. It is still snowing. À bientôt. See you. Quelques secondes pour réfléchir. See you. See you soon. Gardez-vous toujours contact avec vos amis? Do you keep in touch with your friends? Do you keep in touch with your friends? Do you still keep in touch with your friends? Harry va bientôt travailler. Harry will work. Je vous laisse réfléchir. Harry will work. Harry will work soon. Êtes-vous toujours en forme? Donc, nous allons continuer. Faisons un deuxième exercice. Répondez aux questions en indiquant le degré de certitude avec les mots maybe, probably et certainly. Par exemple, Will you eat lunch today? Réponse possible, I will certainly eat lunch today. C'est parti. Will you work today? Votre réponse. Maybe I will work today. Will you eat dinner tonight? Votre réponse. I will certainly eat dinner tonight. Will you go to the park on the weekend? A I will probably go to the park on the weekend. Will you go out on a date today? A I will suddenly go out on a date today. Will you cook tomorrow? Maybe I will cook tomorrow. Excellent! Tout va bien jusqu'ici? Si oui, passons à la deuxième partie de cette unité. Part 2 Le retour à San Francisco. Returning to San Francisco. Harry est retourné à San Francisco, loin de son ami Pierre et de sa petite amie Sally. Écoutez l'extrait du journal intime d'Harry. Est-il content d'être rentré chez lui I have finally come home. The trip was a bit stressful. I had to deal with some paperwork, and I had to say goodbye to the many friends I've made in the university. Everyone had their own personalities, and I will always remember how different they were all from each other. Because of them, the past four years had been most interesting. They were helpful. They were there when I needed to study and when I needed to party. When I think that I have found real friends, I feel happy. Sally called me a while ago to tell me she had settled in her new apartment. She was scared and worried about starting a new adventure. We promised to stay strong and healthy until we meet again. I have mixed feelings for the end of this stage of my life. I am happy yet sad. I am sad to leave my friends, but I am also happy that we are all a step closer to reaching our dreams. Le monologue d'Ari expose un tourbillon d'émotions, n'est-ce pas? Comme on le dit en anglais, it was a roller coaster ride. Roller coaster correspond littéralement aux montagnes russes. Lorsqu'on utilise cette métaphore, on veut faire allusion à une expérience avec des hauts et des bas. Quant à la question que nous avons posée avant le monologue, Harry est à la fois heureux et triste, happy and sad. Face à son départ, il a des mixed feelings, ou des sentiments contradictoires. Voulez-vous écouter le dialogue encore une fois Allons-y. I have finally come home. The trip was a bit stressful. I had to deal with some paperwork. And I had to say goodbye to the many friends I've made in the university. Everyone had their own personalities. And I will always remember how different they were all from each other. Because of them, the past four years had been most interesting. They were helpful. They were there when I needed to study and when I needed to party. When I think that I have found real friends, I feel happy. Sally called me a while ago to tell me she had settled in her new apartment. She was scared and worried about starting a new adventure. We promised to stay strong and healthy until we meet again. I have mixed feelings for the end of this stage of my life. I am happy yet sad. I am sad to leave my friends, but I am also happy that we are all a step closer to reaching our dreams. Si vous ne l'avez pas encore deviné, nous terminons cette unité par une leçon sur les sentiments. Nous avons entendu quelques mots utiles dans le dialogue. Stressful veut dire Stressant. Happy, content. Scared, effrayé. Worried, inquiet. Sad, triste. Ajoutons d'autres mots à mémoriser. Angry, en colère. Annoyed, énervé. Curious, curieux. Surprised, surpris. Disappointed, déçu. Bored, s'ennuie, tired, fatigué, confused, confus, embarrassed, embarrassé. Travaillons sur la prononciation. Écoutez et répétez. Stressful, stressful. Happy, happy. Scared, scared. Worried. Worried, sad, sad, angry, angry, annoyed, annoyed, curious, curious, surprised, surprised, disappointed, disappointed. Bored, bored. Tired, tired. Confused, confused. Embarrassed, embarrassed. Bravo! Maintenant, réécoutez l'émotion en anglais et donnez le mot correspondant en français. Après la pause, vous allez entendre la réponse correcte. Êtes-vous prêt? Stressful Stressful Stressant Happy Happy Content Scared Scared Effrayé Worried Worried Inquiet Sad sad triste angry angry en colère annoyed annoyed énervé curious curious curieux surprised surprised surpris disappointed disappointed, déçu, bored, bored, qui s'ennuie, tired, tired, fatigué, confused, confused, confus, embarrassed, embarrassed, embarrassé. Nous allons maintenant faire l'inverse. Donner la traduction en anglais des mots suivants. Stressant. Stressful. Heureux. Happy. Effrayé. Scared. Inquiet. Worried. Triste. Sad. En colère angry énervé ennuyé curieux curious surpris surprised déçu disappointed qui s'ennuie bored fatigué tired Confus. Confused. Embarrassé. Embarrassed. Excellent travail, cher auditeur. Si vous êtes prêts, passons à l'astuce culturelle de cette unité. Cultural point. Dire au revoir. Saying goodbye. Aux États-Unis, il existe plusieurs façons de dire au revoir. Dans les conversations formelles, on dit goodbye ou Have a great day. Vous allez peut-être rencontrer, surtout en littérature, l'expression farewell. Comme adieu en français, cela est très rarement utilisé. Dans les conversations informelles, vous pouvez dire see you later, talk to you later, ou tout simplement later. La façon la plus courante de dire au revoir est bye. On le dit au téléphone, dans un message, et même en personne. Il est courant de faire un signe de la main pour dire au revoir, surtout si vous êtes loin de la personne à qui vous parlez. La manière formelle est bien sûr de se serrer la main. Embrasser un membre de la famille ou un ami est également courant. Mais contrairement à la France, faire la bise n'est pas naturel entre amis. Comme d'habitude, nous allons finir cette unité avec des exercices. Écoutez le dialogue et répondez aux questions. Dialogue 1. Do you want to hang out with us tomorrow? What's the plan? We're probably going to the cinema to watch the Avengers. Oh, I already watched that film. That's too bad. Maybe you can join us for dinner then. I'd be happy to. Passons aux questions. Vrai ou faux? L'homme invite la femme à sortir. Je vous laisse réfléchir. Réponse Vrai. Vrai ou faux La femme n'a pas encore regardé le film Avengers. Votre réponse. Réponse La femme a déjà regardé le film Avengers. Vrai ou faux La femme va dîner avec l'homme demain. Réponse Vrai. Dialogue 2. Don't forget to call me, okay? I will. Don't worry. Let's go out this weekend. That's a great idea. How about going skiing? Skiing? I'm not sure. I'm scared. Can we do something else? How about going to the museum then? Works for me. Et passons aux questions. Vrai ou faux, le couple va sortir le week-end? Réponse Vrai. Pourquoi le couple ne va-t-il pas faire du ski? Réponse ⁇ Parce que la femme a peur. Qu'est-ce que le couple va faire finalement le week-end Réponse ⁇ Ils vont au musée. Un dernier exercice Imaginez que vous vous trouvez dans les situations indiquées. Quels sentiments éprouverez-vous Indiquez-le en anglais. Par exemple ⁇ Quelqu'un a volé votre portefeuille ⁇ Votre réponse ⁇ I feel angry ⁇ Réponse possible ⁇ sad, angry ⁇ Disappointed. Maintenant, c'est à vous. Vous avez gagné à la loterie. Votre réponse. Réponse possible. Happy, surprised. Vous n'avez pas fini vos devoirs. I feel stressed, worried. Un ami vous a laissé tomber. I feel disappointed, sad. Vous avez passé une journée à travailler sans faire une pause. I feel tired, stressed. Vous avez glissé devant beaucoup de monde. I feel embarrassed. Vous n'avez rien à faire. I feel bored. Vous avez fait d'énormes progrès. Nous approchons de la fin de notre aventure avec Harry. Êtes-vous curieux de savoir si c'est une happy end Découvrons-le ensemble dans notre dernière unité. À très bientôt Unit 14 A phone call Un appel. Nous voici arrivés à la dernière unité de notre cours, mais cela ne devrait pas être la dernière étape de votre voyage d'apprentissage. L'aspect le plus impressionnant vis-à-vis -vis des langues, c'est que vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Maintenant que vous avez une compréhension de base de la langue, quel est votre prochain objectif Nous vous invitons à réfléchir à vos prochains pas. Regarder un film en anglais, sans sous-titres Perfectionner votre accent Lire un roman d'un bout à l'autre N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ce que vous allez faire pour améliorer votre anglais ou bien ce que vous aimeriez faire pour continuer votre apprentissage. Je serai ravi de connaître vos projets. Lançons-nous dans ce dernier chapitre où vous allez découvrir le lexique du travail, de la communication et de la technologie. Et c'est parti 1. Part reaching Harry. Joindre Harry. Depuis que nous avons entendu parler de Harry, Pierre et Sally dans l'unité précédente, ils ont tous trouvé un emploi. Marie et Sally ont tous deux déménagé à San Francisco. Marie travaille pour une entreprise privée en tant qu'économiste, tandis que Sally a installé sa boulangerie. Pierre est revenu en France et a récemment pris un poste d'économiste dans une agence gouvernementale. Pierre essaie de joindre Harry au travail. Écoutez le dialogue. Harry est-il disponible? Hello? Mr. Smith's office. How may I help you today? This is Pierre. Can I speak to Harry, please? Oh, hello, Pierre. How are you? I'm sorry, but he's out today. He'll be back in the afternoon. Can I take a message? That's all right. Could you just tell him I called, please? Of course. I'll tell him. Thanks. Bye. Goodbye. Pourquoi ne pas écouter le dialogue encore une fois? Hello. Mr. Smith's office. How may I help you today? This is Pierre. Can I speak to Harry, please? Oh, hello Pierre. How are you? I'm sorry, but he's out today. He'll be back in the afternoon. Comme vous avez pu l'entendre, Harry n'est pas disponible. Il est sorti et ne reviendra que l'après-midi. En anglais, on utilise l'expression to be out, littéralement être en dehors, pour indiquer que quelqu'un n'est pas là. Avez-vous pu repérer les expressions que l'on utilise au téléphone Tout d'abord, notons que ⁇ Hello ⁇ s'utilise comme interjection dans les communications téléphoniques, que ce soit formelles ou informelles. L'intonation est souvent ascendante. ⁇ Hello ⁇ Dans les cadres professionnels, on peut demander à celui qui appelle ⁇ How may I help you ?⁇⁇ Comment puis-je vous aider ?⁇ ou ⁇ What can I do for you ⁇ Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?⁇ Pour vous présenter, il suffit d'utiliser l'expression ⁇ This is ⁇ par exemple, This is Pierre, This is Harry, ou même This is Harry's friend, Pierre. Pour demander ensuite quelqu'un au téléphone, on peut dire May I speak to Harry, please? ou Can I speak to Harry, please? Dans des situations moins formelles, la phrase Is Harry there?, Harry est là, peut être employée. Finalement, lorsqu'on demande si quelqu'un veut laisser un message, les expressions Can I take a message?, puis-je prendre un message? ou Would you like to leave a message? Voudriez-vous laisser un message? S'emploie. Cette deuxième expression est en effet beaucoup plus formelle. Tout est clair jusqu'ici? Entraînez-vous maintenant sur la prononciation. Écoutez et répétez après moi. Hello? Hello? How may I help you? How may I help you? What can I do for you? What can I do for you? I would like to speak to Harry, please. I would like to speak to Harry, please. Can I speak to Harry, please? Can I speak to Harry, please? Is Harry there? Is Harry there? Can I take a message? Can I take a message? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Bravo! Peut-être un petit exercice? Écoutez et traduisez les phrases suivantes en anglais. Allô? Hello? Harry est là? Is Harry there? C'est Sally. This is Sally. Puis-je prendre un message? Can I take a message? Désolé, Harry est en dehors en ce moment. Sorry, Harry's out right now. Comment puis-je vous aider? How may I help you? Excellent, faisons un autre exercice. Imaginez que vous prenez un appel. Répondez aux questions suivantes. Plusieurs réponses sont possibles. How may I help you? Je vous laisse parler. Réponse possible. I would like to speak to Harry, please. Can I speak to Harry, please? À vous de parler. Réponse possible. I'm sorry, but he's out right now. Would you like to leave a message? À vous. Réponse possible: No, that's all right. » Excellent! Continuons notre leçon. Maintenant que vous savez comment s'exprimer lors d'un appel téléphonique, apprenons les mots de la technologie. A smartphone: un smartphone. A tablet: une tablette. A landline: un téléphone fixe. The internet: l'internet. Wi-Fi: le Wi-Fi, un laptop, un ordinateur portable, un computer, un ordinateur fixe, un email, un email, un email address, une adresse email, un social networking site, un réseau social, un message, un message, to chat, chatter. Regardons ces mots en contexte. The newest smartphone is expensive. Le dernier smartphone est cher. I just bought the latest tablet. Je viens d'acheter la dernière tablette. We don't have a landline at home. Nous n'avons pas de téléphone fixe chez nous. You can use the internet at work. Vous pouvez utiliser l'internet au travail. Is there Wi-Fi in this restaurant? Y a-t-il du Wi-Fi dans ce restaurant? I bring my laptop with me to school. J'apporte mon ordinateur portable avec moi à l'école. We don't use computers in the library. On n'utilise pas les ordinateurs dans la bibliothèque. I sent you an email. Je t'ai envoyé un email. What's your email address? Quelle est votre adresse email? I signed up for a social networking site. Je me suis inscrite sur un site de réseau social. Did you read my message? Avez-vous lu mon message? Teenagers chat on their phone. Les adolescents chatent sur leur portable. Êtes-vous prêt pour quelques exercices? C'est parti. Écoutez et répétez. A smartphone. A smartphone. A tablet, a tablet. A landline, a landline. The internet, the internet. Wi Fi, Wi Fi. A laptop, a laptop. A computer, a computer. An email, an email. An email address, an email address. A social networking site, a social networking site. A message, a message. To chat, to chat. Faisons un deuxième exercice. À l'aide des définitions données, indiquez le mot défini. Un réseau qui nous permet d'accéder à Internet. Qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est vrai, c'est Wi-Fi. Un téléphone intelligent, en anglais, c'est Oui, un smartphone. Un courriel électronique, c'est Un email. C'est une sorte de club sur Internet. A social networking site. L'acte d'envoyer des messages instantanés. To chat. Un ordinateur fixe, c'est... A computer. Un ordinateur portable. A laptop. Excellent. Tout va bien jusqu'ici? Si oui, passons à la deuxième partie de cette unité. Pot two, planifier des retrouvailles planning a reunion après le travail, Harry rappelle Pierre. Il planifie une soirée entre amis. Écoutez le dialogue. Dans quelle ville se passeront leurs retrouvailles Hey Pierre, I heard you call me at the office today. Yeah, I'm going to San Francisco next week. That's great news. We should get together. What day will you be arriving? I'll send you an email with the details. You don't mind picking me up at the airport, do you? No problem. I'll be there. I'll send a text to Sally to see if she's free too. Have you been talking to her lately? She actually sent me a letter with a postcard to boot. How sweet of her! I couldn't reach her after, so I left her a voice message. Yeah, she likes those kinds of things. Maybe we can video call all three before you leave Paris. That'd be nice. I was hoping we could have a small reunion. What do you want to do? We could just eat out, then go to the movies. What do you think? Works for me. I'll give you a call soon then. Bye. Ecoutons le dialogue encore une fois. Hey, Pierre! I heard you called me at the office today. Yeah, I'm going to San Francisco next week. That's great news. We should get together. What day will you be arriving? I'll send you an email with the details. You don't mind picking me up at the airport, do you? No problem. I'll be there. I'll send a text to Sally to see if she's free, too. Have you been talking to her lately? She actually sent me a letter with a postcard to boot. How sweet of her! I couldn't reach her after, so I left her a voice message. Yeah, she likes those kinds of things. Maybe we can video call all three before you leave Paris. That'd be nice. I was hoping we could have a small reunion. What do you want to do? We could just eat out, then go to the movies. What do you think? works for me i'll give you a call soon then bye le retrouvailles se passeront dans la ville de san francisco pierre pense y aller la semaine prochaine pierre et Harry nous ont fait découvrir les multiples moyens de rester en contact avec quelqu'un nous avons entendu to send an email envoyer un email to send a text ou a text message envoyer un texto to send a letter envoyer une lettre. To send signifie en effet envoyer. Par l'inverse, recevoir en anglais c'est to receive. To receive an email, recevoir un email. To receive a text ou a text message, recevoir un texto. To receive a letter, recevoir une lettre. Autrement, on peut aussi contacter quelqu'un par par appel. To call ou to give a call par message vocal to leave a voice message ou par appel vidéo to video call faisons un peu d'entraînement écoutez et répétez après moi to send an email to send an email to send a text ou a text message to send a text to send a text message To send a letter. To send a letter. To receive an email. To receive an email. To receive a text or a text message. To receive a text or a text message. To receive a letter. To receive a letter. To call ou to give a call. To call ou to give a call. To leave a voice message. To leave a voice message. To video call. To video call. Bravo. Maintenant, traduisez les phrases suivantes en français. Envoyez une lettre. Votre réponse. Réponse correcte. To send a letter. Appelez. Votre réponse. Eh oui, c'est bien. To give a call. Envoyer un texto. To send a text. Recevoir un email. To receive an email. Laisser un message vocal. To leave a voice message. Faire un appel vidéo. To video call. Recevoir une lettre. To receive a letter. Et vous chers auditeurs, Pourriez-vous énumérer vos moyens de contact préférés Réfléchissez un peu avant de parler. Je vous écoute très attentivement. Excellent travail. Si vous êtes prêt, passons à l'astuce culturelle de cette unité. Cultural Point. Demandez ses coordonnées. Asking for one's contact details. Aux États-Unis, quand vous connaîtrez mieux une personne, il est courant d'échanger des numéros de téléphone. Dans des contextes professionnels, on peut aussi donner sa carte de visite, appelée calling card en anglais, ou échanger des adresses e-mail. Pour demander le numéro de téléphone, on dit simplement, "Can I have your phone number?" Pour demander l'e-mail, "Can I have your email address?" Inversement, on peut indiquer ses coordonnées à travers ces expressions. "Here's my calling card", qui signifie Voici ma carte de visite. You can reach me at suivi par votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Si vous êtes prêt, nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette unité. Part 3. Pendant les retrouvailles. During the reunion. Pierre, Harry et Sally se sont finalement retrouvés après un an. Ils échangent sur leur vie au présent. Écoutez le dialogue. Are Sally, Pierre and Harry happy with the new chapter of their lives? So, how is Paris, Pierre? Still the same. I have lived there all my life before coming to New York. So it'll always be my home. Is it going well at work? You could say that. I have never had a job as fulfilling as this one. How about you, Sally? How's the bakery going? It's great. I have started selling some cakes for special occasions weddings, birthdays you name it. I have always wanted to have my own bakery, so this is a dream come true for me. How about you, Harry? Things are working out well for me. I never thought I'd work for this company. But it seems I made a good decision. Have you guys ever felt like you had the best part of your life? Because that's what I feel like right now. That's good to hear, Harry. Et comme d'habitude, encore une fois. So, how is Paris, Pierre? Still the same. I have lived there all my life before coming to New York. So, it'll always be my home. Is it going well at work? You could say that. I have never had a job as fulfilling as this one. How about you, Sally? How's the bakery going? It's great. I have started selling some cakes for special occasions weddings, birthdays you name it. I have always wanted to have my own bakery, so this is a dream come true for me. How about you, Harry? Things are working out well for me. I never thought I'd work for this company, but it seems I made a good decision. Have you guys ever felt like you're at the best part of your life? Because that's what I feel like right now. That's good to hear, Harry. It seems like our friends Harry, Pierre, and Sally are having a blast. Everything seems to be going great for our three characters. It is a happy ending, don't you think? Sur ce point, passons à la partie grammaire. Grammar point: Present perfect tense. Nous avons entendu dans le dialogue une forme de conjugaison non-familière. Voici quelques exemples: I have lived. I have never had. I have started. I have wanted. Ce type de conjugaison s'appelle en anglais present perfect. Il indique une action qui a été faite mais qui n'est pas encore accomplie. Pierre nous dit I have lived in Paris all my life. On utilise have lived car il a vécu à Paris et actuellement il continue de vivre à Paris. Pour former le present perfect, on ajoute tout simplement le verbe has ou have devant le participe passé. Donc on a par exemple Have lived, have played, have called, have sent, etc. Les participes passés, comme vous pouvez le remarquer, sont souvent semblables à la forme au passé simple d'un verbe. Il y a effectivement des verbes irréguliers, mais pour le moment, nous n'allons pas nous focaliser sur cela. On utilise aussi le present perfect lorsqu'on demande si quelqu'un a fait quelque chose durant sa vie jusqu'au présent. L'expression précise est Have you ever, par exemple, Have you ever gone skiing? Avez-vous déjà fait du ski? Have you ever eaten kimchi? Avez-vous déjà mangé du kimchi? Have you ever seen the White House? Avez-vous déjà vu la Maison Blanche? Sur ces questions, on répond affirmativement avec Yes, I have already. Par exemple, Yes, I have already gone skiing. Yes, I have already eaten kimchi. Yes, I have already seen the White House. Si on n'a jamais fait quelque chose, on dit ⁇ No, I have never. ⁇ Par exemple, ⁇ No, I have never gone skiing. ⁇ No, I have never eaten kimchi. ⁇ No, I have never seen the White House. ⁇ Pour renforcer cette leçon, faisons des exercices. Transformez les phrases suivantes à la forme present perfect. Par exemple, la phrase donnée ⁇ I call my parents. La phrase transformée ⁇ I have called my parents. Mais à vous de jouer. Harry receives an email. Votre réponse. La réponse correcte. Harry has received an email. Continuons. Sally calls Pierre. Sally has called Pierre. She plays football. She has played football. They cooked dinner. They have cooked dinner. The family ordered a big meal. The family has ordered a big meal. Bravo! Un dernier exercice? Répondez aux questions suivantes en utilisant les expressions Yes, I have already, ou No. I have never. Allons-y. Have you ever been to Brazil? Par exemple, No, I have never been to Brazil. Have you ever studied abroad? Réponse possible: Yes, I have studied abroad. Have you ever exercised in a gym? No, I have never exercised in a gym. Have you ever gone out on a date? Yes, I have gone out on a date. Have you ever watched a movie alone? Yes, I have watched a movie alone. Have you ever read a novel? No, I have never read a novel. Have you ever cooked dinner? No, I have never cooked dinner. Excellent travail! Comme d'habitude, pour finir cette unité, nous allons faire des exercices de compréhension. Dès que vous êtes prêts. Écoutez le dialogue et répondez aux questions. Dialogue 1 Hey, I left you a message. Sorry, I didn't see your call. Can you send me an email with your home address? I want to send you a gift. That's so sweet. I'll send you an email today, I promise. All right. Si vous avez besoin d'écouter le dialogue encore une fois, n'hésitez pas. Les questions à répondre. Vrai ou faux, l'homme veut envoyer un cadeau à la femme. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Bon, dites-moi votre réponse. La réponse correcte Vrai. La question suivante. Par quel moyen l'homme veut-il que la femme envoie son adresse de domicile? Réponse Par email. La dernière question. L'homme n'a pas laissé un message vocal pour la femme. Réponse Faux. Bravo Passons au dialogue suivant. Have you ever been to the Netherlands? No, unfortunately, I never have. What do you think about going there for summer? That sounds like a great idea. There's a really cool flower festival we can watch. Can I give you a call next weekend to plan our trip? Yes, I'll wait for your call. Vrai ou faux, la femme est déjà allée aux Pays-Bas pour regarder le festival des fleurs? Réponse Faux, elle n'y est jamais allée. Vrai ou faux, L'homme va envoyer un texto le week-end à la femme. Réponse faux, il va l'appeler. Vrai ou faux, la femme attendra l'appel de l'homme le week-end. Réponse vrai. Parfait, et le dernier dialogue. Excuse me, do you have Wi-Fi? Yes, sir, we do. That's weird. I can't connect to the Internet. I need to send an email to a colleague. Are you using your laptop? Yes, I tried it on my phone, but it doesn't work either. In that case, would you like to use our computer? That'd be a lifesaver. Vrai ou faux, il n'y a pas de Wi-Fi dans l'établissement? Réponse Faux, il y a du Wi-Fi dans l'établissement. Vrai ou faux, L'homme a besoin de faire un appel vidéo. Réponse faux. Il a besoin d'envoyer un email à son collègue. Vrai ou faux L'homme n'a pas d'Internet dans son ordinateur portable ni dans son téléphone portable. Réponse vrai. Vrai ou faux La femme propose à l'homme d'utiliser leur ordinateur portable. Réponse faux. La femme propose à l'homme d'utiliser leur ordinateur fixe. Et cela termine la partie exercice de cette unité. C'est en effet la fin de l'aventure d'Harry, mais votre aventure continue. N'oubliez pas que vous pouvez répéter ce cours audio autant que vous le voulez pour ne pas perdre ce que vous avez appris jusqu'à présent. Félicitations, chers auditeurs! Congratulations! Vous êtes arrivés jusqu'ici et vous avez fait de grands progrès dans l'apprentissage de l'anglais. Nous avons eu le plaisir de vous accompagner et nous vous souhaitons une bonne continuation dans le reste de votre aventure. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté le cours audio de la série English Tree, Anglais facile, progresser en anglais en 14 étapes d'Elizabeth Kane. Veuillez laisser votre commentaire sur audible.fr. Votre opinion est très importante pour nous, car cela nous aide à améliorer la qualité de nos livres. Chers auditeurs. Nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeaux Sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur J'aime et laissez un commentaire sous la vidéo.